Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit live. Ce soir je suis avec Run, avec Tommy et Daniel de la chaîne Radio Youtube et on va parler de l'affaire Grégory. On va essayer de faire un truc assez, euh, assez concis parce que l'affaire est très dense comme disait euh, Daniel. Alors le 16 octobre 1984, une journée ordinaire se transforme en cauchemar pour Christine Vilma. Après une journée de travail, elle récupère son fils Grégory chez sa nounou et rentre à la maison. Grégory, âgé de 4 ans, est autorisée à jouer dans la cour de leur maison isolée sur les hauteurs de l'épanche sur Vologne. Quelques instants plus tard, Christine sort pour appeler Grégory à rentrer, mais il n'est plus là. Paniquée, elle alerte la gendarmerie de Bruyère et les voisins se mettent en alerte. Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, est prévenu à son travail à l'usine auto-coussin et rentre précipitamment à la maison. La situation est d'autant plus inquiétante que la famille a été harcelée par un mystérieux corbeau pendant plusieurs années à travers des lettres anonymes et des appels téléphoniques malveillants. Cependant, cela faisait plus d'un an que le corbeau s'était tu. Mais ce jour-là, le corbeau refait surface. Michel, le frère de Jean-Marie, reçoit un appel de la voix rauque, si particulière du corbeau, qui revendique le meurtre de l'enfant. Je te téléphone, car cela ne répond pas à côté. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et je l'ai jeté à la Vologne. Sa mère est en train de le chercher, mais elle ne le retrouvera pas. Ma vengeance est faite. Personne ne veut y croire, mais l'impensable se confirme. Le corps du petit Grégory est retrouvé par des pompiers vers 21h, immergé dans la Vologne, plaqué contre un petit barrage au milieu du village de Dossel, à 7 km de leur maison. Ainsi commence l'affaire Grégory, une énigme qui entre la France depuis près de 4 décennies. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette affaire. Il y a un côté un peu calé de scope, c'est-à-dire on regarde et ça part un peu dans tous les sens. Et effectivement, euh, bien avant le crime, euh, donc la famille Villemain, hein, euh, dans son ensemble, donc il y a le, le grand père, la grand mère, les frères, les sœurs, ils sont tous un peu corbotés. Et euh, finalement, au tout début, ça va commencer de façon un peu soft. Ça va être des appels potaches avec de la musique, tout ça. Et puis à un moment, il va y avoir une première bascule. Euh, et ça commence en 82, en fait, hein, euh, où le mec va commencer quand même à proférer des menaces. Euh, il va dire euh, "Tu te pendras." Euh, euh, et je vais te faire là pour commencer à faire des trucs comme ça. Donc euh, là, des gens voient que le climat change. Et puis ensuite, euh, il va même y avoir des, des tentatives d'intrusion dans la maison de Jean-Marie et Christine Villemin. Il va y avoir un carreau cassé. Euh... Il y a plein d'éléments comme ça. En fait, quand on regarde ça, euh, quand on dézoome un peu euh, jusqu'à 84, euh, on voit qu'il y a un climax comme ça qui fait que monter euh, jusqu'au crime. Euh, voilà, donc c'est des appels euh, toujours malveillants, on fait déplacer des gens. Il euh, y a une technique qui est quand même assez habile, c'est de se faire passer pour quelqu'un euh, auprès, par exemple, des pompes funèbres d'un garagiste. Euh, ils sont passés pour les membres de la famille, donc ces fameux corbeaux, euh, et ils font déplacer des gens. Euh, donc c'est vrai que pour les membres de la famille, quand tout d'un coup, tu as euh, les pompes funèbres qui arrivent parce qu'ils pensent que tu es mort, euh, ouais. c'est quand même un choc émotionnel. quoi. Euh, ce qui est intéressant aussi, je pense, par rapport à tous ces appels, c'est que assez rapidement, finalement, en 83, euh, le mec va quand même faire vraiment des menaces concrètes. Euh, il va téléphoner à Jean-Marie euh, sur son lieu de travail et puis il va lui dire euh, euh, fais gaffe à ton fils, ne le laisse pas traîner dehors. Euh, je le surveille avec des jumelles et tu le retrouveras. Escoffier, donc apparemment c'est du vieux français, ça veut dire euh, mort en fait, hein, mort en embuscade euh, en bas. Euh, il va écrire aussi une lettre où il va il va dire voilà. Euh, vous devez arrêter de fréquenter le chef c'est un peu le surnom qui donne à jean-marie et dans cette lettre il va dire voilà si euh, vous arrêtez pas de fréquenter le chef j'exécuterai mes menaces donc ça c'est intéressant aussi parce que euh, pendant longtemps nous on l'avait pas compris mais il y a vraiment de la préméditation il y a des menaces très concrètes euh, sur grégory et euh, donc ça ça ajoute aussi au climat un peu anxiogène euh, de cette affaire les membres de la famille sont complètement dans le flou et là, il va se passer un classique en fait euh, dans ce genre de d'histoire, c'est qu'ils vont se mettre à accuser un peu tous azimuts, et en particulier, ils vont accuser euh, euh, un frère à, à Jean-Marie, euh, qui est donc un, un fils illégitime de de Monique, qui s'appelle Jackie Villemain, euh, et, et les soupçons vont se porter sur sur lui et sa belle famille. Euh, donc il y a sa femme qui s'appelle Liliane et, et le père qui s'appelle Roger Jaquel. Et euh, moi, j'ai quand même l'impression que le Corbeau, il a fait en sorte euh, à chaque fois qu'on pense que c'est eux. Euh, et donc malheureusement dans cette affaire c'est un peu toujours ça euh, tout le monde se rue sur des personnes pensant que c'est eux les corbeaux et en fait euh, on n'en sait rien quoi et euh, et ça aussi ça a permis aux corbeaux de continuer son jeu euh, parce qu'ils voyaient bien que, que les membres de la famille accusaient probablement les mauvaises personnes donc assez rapidement ils vont donc accuser euh, Jackie et Liliane euh, et ça va créer des embrouilles pas possibles ils vont s'engueuler euh, euh, donc voilà on a affaire à quelqu'un de très habile euh, qui va euh, toujours se faire passer pour des gens euh, afin que d'autres soient accusés. Quoi. Donc il euh, y a vraiment de l'ingénierie sociale en fait, euh, dans ce qu'il fait. Mmh. C'est vraiment pas un idiot. Tu as un terrain favorable à ça aussi, Daniel, si je peux me permettre, parce que tu as quand même des brouilles ancestrales, plus ou moins, entre, entre différents clans dans cette région des Vosges. Et euh, c'est déjà, entre parenthèses, un petit peu la merde euh, dans ce, dans ce coin-là, avec quelques familles. Et le, le, cor le corbeau s'engouffre là-dedans dans des vieilles histoires, euh, des histoires qui ont un petit peu d'ancienneté, qui remontent aux années 50 et tout. Donc il y a quand même un terrain favorable à, à ne pas pouvoir démêler la, la vérité là-dedans et mettre une sur le corbeau. Quoi. Comme tu dis, tout le monde soupçonne un petit peu. Quoi. Et, et le corbeau, il semble avoir une obsession pour euh, les histoires de cocufiage de fils illégitimes. C'est ça. Et hmm. ça, c'est vrai que ça en, ça en dit long sur, euh, sur sa psychologie. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mais le lendemain du meurtre, Jean-Marie Villemain, il reçoit une lettre manuscrite du corbeau, vraisemblablement écrite à la hâte, qui dit J'espère que tu mourras de chagrin, le chef, parce que c'était le surnom que le corbeau donnait à Jean-Marie Villemain. Autre indice de sa psychologie. Ce n'est pas ton argent qui, te, qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, là, il a. Comment tuer le fils du chef pour lui c'était une manière d'atteindre le chef celui qu'il appelait le chef et puis surtout il y a une espèce de on dirait qu'il y a une espèce de un fils pour un fils quelque part il y a, il y a, il y a, il y a presque une notion sacrificielle on a l'impression et d'ailleurs on n'a pas parlé de la découverte du corps mais le petit euh... donc c'est terrible hein, parce que le gamin il a 4 ans et on le retire de la Vologne. Il a euh, une corde de 7 mètres de long enroulée euh, autour du corps. Les pieds et les mains sont liés. Il y a son bonnet qui est rabattu et qui est maintenu euh, par la corde, qui couvre tout son visage. Hum. Et les témoins diront que le ligotage était tellement méticuleux qu'on aurait dit euh, un sacrifice rituel. Un enfant porté à l'hôtel, c'est ça, c'est ce que disait le, gens, le capitaine Sesmat à l'époque. Donc ouais. y a, y a Alors si je, peux, si je peux intervenir vite fait là-dessus, je suis pas trop d'accord parce qu'il euh, faut se mettre aussi à leur place. Eux, ils l'ont vu en direct, donc euh, ils ont eu un choc émotionnel. Après, nous, on a eu accès aux photos de l'autopsie. Ça ressemble à des nœuds euh, faits à l'arrache. Hein. Euh, d'accord. C'est plutôt la façon dont il a été euh, finalement exécuté. Hein, malheureusement, euh, vraiment, il n'a aucun aucune trace de violence. Euh, C'est ça un peu qui ressemble à un sacrifice. Euh, païen un peu, quoi quelque chose comme ça, quoi. une offrande, euh, parce qu'on voit qu'il n'a aucune trace de violence. Je pense que c'est surtout ça qui évoque ça au colonel Sezma. Après, sur les nœuds, ça reste des nœuds euh, voilà, à la rage ça ressemble un peu à des lacets, c'est pas si sophistiqué que ça. Mais alors, on parle souvent de nœuds de tisserands, mais c'est pas, pas un truc très technique, ça, les nœuds de tisserands, euh, Daniel Alors, si, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on parle des nœuds de tisserands C'est parce que Bernard Laroche travaillait euh, pour les tissages en selle, oui. Euh, donc je pense que là aussi il y a eu un peu d'exagération. Euh, voilà, ça reste des nœuds euh, classiques. Je crois que dans le comment s'appelle euh, dans le rapport d'autopsie, il parle de nœuds à flot, euh, même si c'est pas non plus euh, des nœuds à flot un hein, petit placé. C'est euh, c'est un peu c'est un truc fait à l'arrache quoi avec des boucles. Apparemment les cordes n'étaient pas tendues. Quelle est l'utilité d'après toi d'avoir euh, ligoté l'enfant s'il y avait pas de tension dans les liens alors, ça aussi, euh, en fait, il y a trois, euh, trois cordes, trois bouts de cordes. Ça, c'est un truc qu'on a découvert aussi. Les jambes, elles sont très serrées. Donc, au niveau des pieds, il y a une corde qui entoure les pieds. Elle est très serrée. Euh, là, il ne peut vraiment pas sortir. Quoi. Et c'est surtout au niveau du cou et au niveau des mains que, que les liens sont un peu lâches, on va dire. Euh, je ne sais pas trop pourquoi. Par contre, ce qu'on qu a pu euh, euh, comprendre en regardant un peu le rapport de Topsy, c'est qu'il a été ligoté sur le côté. Donc, apparemment, il était allongé euh, sur le côté et les nœuds, euh, c'est apparent, ils sont tous euh, sur un côté bien précis. D'accord. Euh, donc, on peut supposer qu'il était inconscient, euh, des choses comme ça. D'accord. Donc, euh, pour toi, ça a peut être été éventuellement fait post-mortem Ça reste une possibilité. Malheureusement, il n'y a pas eu d'analyse qui ont été faites ouais. pour savoir exactement euh, que que comment ça a été fait. N'importe qui se pose la question pourquoi ligoter une personne qui est déjà décédée moi, j'ai toujours, euh, toujours pensé justement que ça avait été fait durant sa détention euh, momentanée. Si jamais il y a eu détention momentanée, et c'était pour l'empêcher de partir malgré son jeune âge, de l'attacher comme ça. Mais, euh, mais ça, ça malheureusement, comme tu dis, euh, l'autopsie n'a pas, pas vraiment démontré euh, si euh, on avait raison ou tort par rapport à cette théorie. Quoi. Ou c'est par allo... Pardon. pardon. Ou, au niveau de l'autopsie, là où c'est vraiment clair, c'est qu'il est mort d'une noyade. D'accord. Euh, donc dans le cadre de la chaîne, euh, j'avais interviewé un médecin légiste et lui nous a expliqué qu'en fait, il a souvent affaire à des, des enfants qui sont tués dans des situations similaires et il dit il y a aussi un effet de stupéfaction qui peut faire que même un enfant vivant en fait, il va se laisser faire. Oui. Et donc euh, voilà, c'est le grand compte aussi. Ça... Que tu as interviewé justement par rapport à ça, qui donne des explications très cartésiennes par rapport à, à, aux événements. Et donc, dans les poumons, euh, au début, on s'est posé la question si l'enfant avait été euh, noyé dans la Vologne ou alors peut-être éventuellement dans une baignoire. C'était revenu en 2017, il me semble. qu'on n'avait pas retrouvé une, euh, une certaine particule dans les poumons. Tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça Voilà, ça, ça fait partie des trucs aux... auxquels on est confronté au début quand on s'intéresse à l'affaire. Et nous, on est vraiment là au fond du truc. Donc apparemment, euh, donc c'est un expert qui a été mandaté pour regarder un peu le, le liquide qu'il y avait dans les poumons. Il n'a pas constaté euh, de traces euh, organiques, végétales, on va dire. C'est ça. A, mais il a regardé avec euh, avec un microscope, disons classique, à loupe. Euh, et par contre, on entend souvent parler en parallèle de ça. Il y a une confusion, comme quoi on n'aurait pas retrouvé de diatomée. Diatomée, c'est des. C'est des petites euh, carapaces euh, euh, qui mesurent un micromètre euh, ou quelque chose dans le genre quoi. Mm. Et ça par contre, pour pouvoir les détecter, il faut utiliser un microscope à neutrons euh, et ça n'a pas été fait. Donc il y a une mm. confusion autour de ça. Euh, et, euh, et donc souvent on essaye d'en déduire. Euh, il n'y avait pas de matière végétale, euh, donc il n'a pas été baigné dans la vologne. Mais finalement, c'est plus compliqué que ça. Ce qui, ce qui aurait été déterminant, c'est vraiment sédiatomé, ces mm. euh, mais ça n'a pas été fait. Et on peut très bien avoir de, de l'eau de rivière en fait sans matière végétale, mais avec des diatomées, par exemple. D'accord. Euh... Ok. D'accord. Donc ça, ça, ça jette l'autopsie en fait euh, euh, le manque de le manque de on va dire de d'examen durant l'autopsie euh, jette un brouillard encore plus un, encore plus important sur euh, la résolution de cette affaire-là. Euh, pour connaître les le mode opératoire, le pourquoi du comment du, du décès de Grégory, c'est vrai qu'avec l'autopsie, eh ben, on n'en apprend pas plus. Ça c'est une grande frustration. Exactement. Et en plus, faut savoir qu'à l'époque, les autopsies n'était pas vraiment réglementé. Mmh. Euh, donc il y avait pas de protocole comme aujourd'hui euh, et puis la technologie était pas encore euh, au point quoi. Euh, mmh. Donc euh, c'est aussi un truc d'époque quoi. Nous on voit ça avec euh, notre mentalité euh, des années 2000 quoi, mais euh, à l'époque, euh, c'était pas évident. Mmh. Et, -ce et ensuite oui. tout tout ça a été instrumentalisé aussi contre euh, Christine Villemain en oui. disant que l'enfant aurait pu être noyé dans une baignade, tout ça donc il y a aussi euh, le contexte médiatique qui s'est greffé à ça, euh, voilà. Et les photos que tu as montrées tout à l'heure, hein, où le corps est découvert, font partie aussi de de ça. Euh, c'était très rare en France qu'on montre euh, des photos dans des journaux euh, d'un en, enfant mort, quoi. Oui, euh, oui. Sur la scène de crime, euh, c'était assez particulier. Donc ça aussi, ça, on rentre dans une nouvelle époque, je trouve, avec euh, avec mmh. ces photos. Moi, il y a quand même quelque chose que je trouve assez, euh, assez intriguant dans cette histoire de, de corbotage. C'est le terme le chef. Euh, Est-ce que du coup, on ne peut pas relier ça euh, à son travail Ouais, Jean-Marie Villemain était passé contre-maître dans son usine. Et c'est quelqu'un qui a essayé de, 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 de s'extirper de sa condition sociale et qui a très bien réussi à la force euh, du, du travail, hein, tout simplement. Et je pense que ça, effectivement, ça a suscité pas mal de jalousie dans la famille. Parce que en vérité, euh, le corbeau, il est tellement renseigné sur, euh, sur la famille, hein, même sur l'arbre généalogique, qu'on ne peut pas imaginer qu'il ne s'agisse pas de quelqu'un en dehors de la famille. En tu confirmes, euh, Daniel euh, Complètement, ouais. Donc, Jean-Marie passe contre-maître euh, en 81. Euh, apparemment, en plus, dans des conditions un peu particulières, il y a, y a un collègue qui se suicide. Euh, Enfin, tout ça quoi, et c'est lui qui va prendre un peu sa place. Euh, moi personnellement, je sais pas si l'argent c'est vraiment euh, le, le plus déterminant là-dedans, mais en tout cas, il va se servir de ça euh, pour euh, pour montrer sa haine à Jean-Marie. Euh, mm. À mon avis, c'est beaucoup plus profond que ça. Euh, mais oui, oui effectivement, l'argent ça joue aussi. Et puis Jean-Marie, à l'époque, il avait tendance à à montrer un peu son argent, il se démarquait mm. un peu des autres, même si ça reste, euh, euh, je crois que c'était un, un surveillant de chaîne, quoi qu'on appelait ouais. ça contre-maître, c'était pas non plus euh, un manager, quoi, hein. mais c'est vrai que dans le contexte de l'époque, ça c'est important aussi, on est dans un contexte où euh, la Chine est rentrée dans l'OMS, donc le textile il est attaqué un peu par la concurrence. Il euh, y a pas mal d'usines qui ferment. Et c'est vrai que c'est des usines qui avaient réussi comme ça à se maintenir depuis euh, 1800, même beaucoup plus anciennement. Quoi. Et, et c'est vrai que là, tout d'un coup, il commence à avoir des fermetures d'usines. C'est difficile, on en parlera peut-être après, euh, Bernard mmh. Leroche est au chômage, euh, à, à la période du corbotage un peu. Donc oui, l'argent joue aussi, euh, mais il y a sûrement beaucoup plus que ça, parce qu'on voit que c'est une haine qui touche tout le monde, en fait, euh, mmh. les grands-parents, euh, le frère. Euh, ouais, déjà, Daniel, à la base, il y a de la haine envers les Villemains, c'est une, une famille. Euh, il un, y avait sur ta chaîne d'ailleurs euh, l'interview d'un ancien, tu sais, un un grand-père du Cru et qui disait que Villemain, il y avait une appellation pour, pour les Villemains, je crois, quelque chose de péjoratif dans la région. Ils étaient un peu réputés peut-être comme un peu bagarreurs. Il y, a, il y a eu un passif par rapport à cette famille-là. Donc déjà, je, je crois qu'ils n'étaient pas forcément, tu me trompes, tu me, tu me dis si je me trompe, pas bien considérés dans la, dans la région de manière générale. Et le fait que Jean-Marie Villemain, justement, accède au, accède au poste de contremaître, maître je, je, je pense que je ne dis pas de bêtises en disant que c'est le premier Villemain à accéder à ce, à ce poste-là, à cette... Ce grade-là dans son entreprise, c'est ça. Mmh. C'est premier à sortir un petit peu de sa condition euh, sociale, même si c'est pas comme tu dis euh, un poste de ministre. C'est le premier à évoluer, quoi, à évoluer. C'est ça. Exactement. Et puis il se démarque un peu des autres. Il a un côté un peu bourgeois pour eux, en tout cas. Mmh. Euh, donc oui, oui, totalement. Et c'est vrai qu'au niveau de cette petite vidéo euh, euh, où on parle des manu, c'est une vidéo ce qui a manus. vraiment énervé, euh, énervé les membres de la famille, quoi. Ils voulaient casser la gueule à ces journalistes. Euh, mais c'est ouais. vrai que nous, on a un peu fouillé, on s'est aperçu qu'effectivement, il euh, y a quand même quelques histoires de bagarres, euh, des coups de pression, des choses comme ça. Mais on va dire que dans cette région, c'est quand même assez, euh, assez commun, malgré tout. Oui, parce que tu as, euh, voilà. as des vrais hommes, tu as, as des hommes durs. As, tu vois la famille Bol, quand tu vois les fils Boll, c'est des hommes qui étaient réputés pour aller au bal et se bagarrer avec des... Les chaînes de tronçonneux, on a appris ça par les gendarmes. Alors les familles Bol, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, c'est une famille de protagonistes qui va arriver par la suite. Donc c'était des, des gens réputés pour être solides. Tu vois les Jacob, bon Marcel Jacob, on va y venir aussi, mais Marcel Jacob, il était réputé également pour faire un petit peu le coup de poing et tout ça. Et tu vois le profil des, des Vosgiens, c'est des gars qui rigolent pas, c'est très viril, très viril. Il faut se mettre un petit peu dans, dans ce contexte-là. Et euh, on, le père de Jean-Marie Villemain, Albert Villemain. Euh, il a eu euh, une enfance un petit peu tragique, je crois. Euh, donc euh, je, sa, sa, sa maman, je crois, si, tu me dis si je dis, je dis des bêtises, je ne vais pas dire de bêtises, mais sa maman a malheureusement mis une claque à un des frères du père de, de Jean-Marie Villemin, Albert Villemain, et l'enfant est décédé. C'est une histoire comme ça, Daniel, je crois. Voilà, c'est ça, ça va même un peu plus loin que ça, c'est vraiment des maltraitances. Voilà. Euh, et puis elle a un peu caché la blessure, on ne sait pas trop d'ailleurs si le père il en savait plus ou pas. Lui, il a réussi à s'en sortir, elle a été jugée, euh, mmh, donc elle a fait de la prison, et c'est là qu'elle a mis aussi euh, euh, au monde une, une jeune fille qui est donc la sœur d'Albert. Euh, et, et donc il y, y a des choses cachées, on sait aussi que la mère d'Albert, qui s'appelait Jeanne-Marie, donc peut-être oui. aussi un lien avec Jean-Marie, euh, oui. euh, elle avait aussi, il y avait des histoires un peu avec la collaboration, des choses comme ça. C'est ce euh, que l'on entendait. En pas réussi à aller plus loin, mais souvent on entend dans les interviews les, les grands-parents dire il y a pas de secret. Euh, voilà, je pense qu'il y avait quelques secrets, mais qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Mais qui, voilà, quand tout d'un coup tu la France entière, les médias euh, qui sont à ta porte et qui fouillent un peu partout, oui. ça, ça doit être compliqué à gérer. Euh, et, ouais. et, et, et tu vois, tu, tu parles de ça justement, peut-être une histoire de collaboration dans les aînés, les, les ancêtres euh, Vilma, les grands-parents, arrière-grands-parents Vilma, mais à contrario, dans la famille Jacob. Jacob, la famille Jacob, c'est la, la famille de Monique, Monique Jacob qui est devenue Monique Villemin, mariée avec le père de, 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 de Jean-Marie Villemin, Albert Villemin, et du côté Jacob, par contre, il y a un côté résistant, je crois, il y a un côté où euh, René, René euh, je crois que c'est René Jacob, qui participait un petit peu à la résistance avec des actions euh, héroïques en tant qu'enfant, j'entends je, ça aussi. Donc il y a des vieilles histoires. Entre Eux, et c'est vrai qu'en découle une mauvaise réputation pour Albert Villemin, le père de Jean-Marie Villemin. Euh, donc, on peut euh, on, voilà, on, on peut en imaginer que la haine de Albert Villemin se soit reportée sur son fils Jean-Marie. C'est ça, voilà, c'est ça. Après, bon, on, on va pas rentrer trop dans les détails, mais euh, oui. c'est surtout la mère d'Albert hein, qui était un peu euh, où il y a des histoires avec les Allemands. Le, le père d'Albert, lui, euh, il était soldat. Euh, et, euh, et sur son certificat de décès, en tout cas, il y a écrit mort pour la France. Euh, D'accord. Euh, voilà. Mais bon, lui, pendant qu'il était en captivité ou sur le front, tout ça, il, apparemment, euh, il s'est passé des choses et... et il est mort pendu. Et ça, ça revient dans les appels du corbeau. Euh, tu... Donc il va dire, le corbeau à Albert, hein, tu te pendras comme ton père. Donc on voit que c'est quelqu'un qui connaît hein, ces anciennes histoires. Bien au courant, oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Daniel, euh, au sujet des, euh, des premières investigations des gendarmes à l'issue euh, de, de la découverte du corps de Jean-Marie. De Jean-Marie, de Grégory, pardon. Euh, oui, oui. Bah, pour, pour eux, ça, ça paraît simple en fait. Et regarde la scène de crime, bon, c'est quand même assez euh, choquant. Et puis ensuite, assez rapidement, il y a donc le lendemain cette lettre qui arrive. On leur parle de corbotage, euh, qu'il y a eu déjà des plaintes en 82 pour harcèlement euh, téléphonique. Euh, voilà, les membres de la famille leur disent c'est quand même quelqu'un qui est très bien informé euh, sur tout ce qu'on fait. Euh, donc eux se disent euh, bon, ça va être vite plié et euh, c'est un proche quoi. Hein. C'est quelqu'un qui gravite autour. Euh, mais ils vont quand même faire un super travail. Euh, ils, ils vont aller vraiment interroger tout le monde. Euh, ils vont faire des dictées aussi. Donc là, ça, on, on rentre un peu dans le film de Clouseau, hein, avec les fameuses dictées, euh, le film Le Corbeau de Clouseau. Euh, vraiment, il y a un parallèle. Et, euh, et puis bon, au fur et à mesure, ils vont commencer à, à apprendre des choses, ces fameuses histoires un peu anciennes, euh, euh, qui est ami avec qui. Mais ils sont quand même un peu dans le brouillard, mais ils se disent, voilà, c'est forcément quelqu'un qui est proche de la famille. D'accord, ok. Et la réaction de Jean-Marie Villemain le soir du 16 octobre euh, je crois que pour lui, il a tout de suite une idée en tête. Le Corbeau a orienté pendant des mois sur la, la famille de, de Liliane Villemin, euh, Liliane Jacquel, parce que c'est Liliane, c'est la, la femme de son, de, son, de son frère aîné, son demi-frère si je puis dire, on va y revenir dessus, par, dessus après. Et donc il se dirige le soir du 16 octobre avec un fusil en voiture en direction, direction de la maison des Jacquel, c'est ça. Pour lui, Jean-Marie, dans un premier temps, il a, il a une certitude. Voilà, il y a une certitude, ou en tout cas, il se dit, euh, euh, ce qu'il s'est dit avant que le corbotage arrête, là, à partir de 83, où il n'y a plus rien eu, euh, là, il était persuadé que ça venait de, de cette famille-là. quoi. Donc, quand on lui dit ton enfant a été enlevé et que sa femme lui dit il est plus là, euh, il dit, bon, ben, je sais ce qu'il me reste à faire, et il se rend euh, sur place. Et Mais bon, lui, il va toujours dire qu'il n'avait pas l'intention de tirer sur des gens. ou euh, C'est une réaction d'un un père, quoi. Hein, qui C'est ça. Voilà. Oui. Oui. C'est ça. Euh, et ce qu'il retient, je crois qu'il voit une 4L en, en bas du domicile des Jaquelles, une 4L couleur hein, qui, qui prend pour la 4L des gendarmes, donc une couleur foncée. Je crois que c'est ça, mais je, je suis un peu méfiant sur, sur cette, euh, cette, euh, cette scène-là parce que je sais que Jacquel avait une 4L aussi. Monsieur Jacquel avait une 4L. Voilà, Jacquel avait deux 4L. Je crois même qu'il en avait trois, mais deux qui roulaient, quoi. Et donc euh, une blanche et une euh, vert foncé. Ah oui. euh, donc euh, oui, il va voir ses véhicules. Il... En tout cas, Jean-Marie va dire qu'il a pensé que c'était euh, les voitures des gendarmes, parce que sa femme a de suite appelé les gendarmes en disant euh, ⁇ Rendez-vous de suite euh, chez Jacquel, euh, parce que Jean-Marie va faire une connerie. ⁇ Donc voilà, ah euh, c'était la gendarmerie de Corsieux qui s'est rendue sur place. Euh, et Jean-Marie, je pense qu'il devait savoir quand même que, que sa femme avait appelé les gendarmes pour, pour éviter un drame. Euh, lui, il a pensé que les gendarmes étaient déjà là. Euh, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais cette scène, elle est intéressante aussi, parce qu'il y a quelques... Trucs qui sont un peu incohérents. Euh, c'est vrai que souvent, moi, quand j'en parle avec des gens, ils me disent Mais pourquoi il n'a pas pris son flingue et défoncé la porte et dit où est mon fils quoi. Donc, Apparemment, oui. il, se peut, il se met derrière chez jacquel il croit qu'il y a les gendarmes et puis il décide de rentrer chez lui. Euh, voilà. D'accord. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, on voit justement le travail néfaste du corbeau euh, à laver un petit peu les, euh, les, les cerveaux et puis. Euh... Orienté, euh, orienté, le, orienté malheureusement Jean-Marie euh, chez les Jaquelles. D'accord. Mais oui. Damien, <coughs> oui, pardon, est-ce que euh, est-ce que est qu on pourrait écouter tout simplement des, des, des extraits du corbeau aussi pour voir Alors, le corbeau, il agissait par lettre anonyme, mais aussi par appel téléphonique et il se trouve que certains protagonistes ont pensé à enregistrer les appels. Alors, c'est pas toujours d'une qualité extraordinaire, hein, c'est même souvent d'une piètre qualité mais euh, ça permet de voir un petit peu euh, le genre d'ambiance, quel genre de voix, etc. etc. Et aussi, euh, par rapport au sujet abordé, encore une fois, ça permet de voir euh, dans quel euh, univers mental se situe euh, ce corbeau. Tout à fait. Bah, écoute, on peut, euh, on peut en écouter un extrait, effectivement, pour, euh, pour se rendre compte de ce à quoi ça pouvait euh, ressembler. Je suis ça ne fonctionne pas. Euh... Alors, Et Daniel, quand, quand tu peux, tu as une demande d'un un, monde dans le chat qui voudrait éventuellement un arbre généalogique pour pouvoir comprendre un petit peu tout ça. Alors j'essaye de diffuser regardé, ouais, Je vais essayer de oui. diffuser l'audio. Oui. Je suis vraiment désolé, c'est un peu euh, galère là l'audio. Euh, je vous diffuse ça autrement. Attends, on s'écoute euh, ça justement. Parce que Ron m'avait donné un, un fichier complet. Voilà. Je suis tellement seul à savoir qui c'est. Oh, et qui c'est, du coup C'est ta mère, je le sais. Qui Ta mère, elle a peur de la vérité. Ta ah mère. Ben, oui. Elle le sait, elle a peur de la vérité. Ah bon Elle dit quoi, qui c'est l'autre bâtard Ça peut être intéressant vraiment. moi. Ouais. Dire, mais, tout le monde il Donc, il bon. mais ces appels, on n'a jamais pu les, les retracer. Alors j'imagine bien, on est dans les années 80, hein, Mais on n'a jamais pu essayer de voilà de, de voir d'où ces appels pouvaient provenir. Alors si, il y a eu des... comme je disais tout à l'heure, il y a eu des plaintes donc, pour harcèlement téléphonique, et il y a eu des tentatives pour mettre sur table d'écoute certaines personnes qui étaient suspectées. Donc on était déjà sur ce côté euh, Liliane, Jackie, euh, Roger, Jacquel euh, et, et des proches, notamment une personne qui s'appelait euh, Pascal Verdu, qui tenait un bar à Grange-sur-Vologne, le Café des Ouvriers, euh, et, et donc euh, ils suspectaient tous un peu que les appels étaient passés depuis ce, ce bar, quoi, par, euh, par les jacquel. Euh, donc il y a eu des tentatives, mais ça a rien donné. Euh, ce qui paraît clair en fait, c'est que le corbeau savait que des écoutes étaient en place. Euh, donc il va même appeler comme ça et dire ah, ça sert à rien les tables d'écoute. Euh, de toute façon, euh, j'appellerai appelle, d'une cabine, euh, des choses comme ouais. ça. Donc ça aussi c'est un indice. On comprend en fait que le mec est au courant de tout surtout. Euh, on sait qu'il y a deux membres de la famille, la grand-mère euh, Monique Villemain. Et Michel Villemain qui était assez bavard quoi et qui racontait un peu tout euh, tout ce qui se passait à tout le monde donc euh, ça a pas pris. Et d'ailleurs sur le Corbeau on dit qu'il y avait une voix féminine et une voix masculine donc la voix masculine c'était la voix rauque. Hein, c'est ce qu'on a appelé la voix rauque. Euh, et d'ailleurs en, en avril 81 visiblement il y a Monique Monique Villemain donc la maman de Jean-Marie Villemain qui aurait euh, reconnu Isabelle Boll, qui est la belle-sœur de Bernard Laroche, et Valérie, qui est fille de, de Marcel Jacob. Elle aurait reconnu son ricanement, visiblement. Que, donc, elle aurait identifié deux, deux personnes qui seraient euh, euh, Isabelle Boll et, et Valérie Jacob. Ouais. Alors, euh, ce n'est pas en, Super, pas ouais. en avril, c'est plutôt en septembre okay. euh, 80, 81, et c'est le, le tout début en fait des appels euh, et c'est ce que je disais au tout début de l'émission. Donc au début, ça commence avec des appels un peu potaches. Il y a aucune voix. C'est des ricanements, euh, des bruitages, euh, des choses comme ça. Et Monique Villemain va reconnaître euh, des voix de, de jeunes filles, en fait, de, de gamines, quoi. Et, euh, et puis elle va entendre aussi. Et ça, c'est un élément, je pense, qui est important. Elle va aussi entendre la voix d'un enfant. Euh, et donc la Monique, elle va se dire, mais finalement, qui sait qu y a autour de moi, euh, dans la dans les familles qu'on connaît, tout ça, qui a. Euh, deux gamines et, et un, un enfant en bas âge, quoi. Euh, et donc là, elle, elle va en déduire que ça peut venir que de Laroche euh, ou de Marcel Jacob, en fait. Parce que c'est les deux filles, donc il y a Valérie Jacob, c'est la fille de Marcel Jacob, euh, et Isabelle Boll, c'est la sœur de Marie-Ange Boll, euh, qui habitait à l'époque euh, chez Bernard Laroche. Et c'est Valérie qui allait tout le temps chez Isabelle parce que euh, Isabelle devait garder l'enfant de Laroche. Donc elle, elle se dit ça. Et de suite, en fait, elle va appeler Laroche en lui disant euh, « Écoute, est-ce que les gamines ont passé des appels ?» Et Bernard va mal le prendre. Elle va dire « Mais t'es folle ou quoi J'étais au sous-sol, euh, comment tu peux m'accuser ?» euh, Bon, voilà, quoi. Apparemment, il y a eu un froid à ce moment-là entre, entre Laroche et, et Monique. Euh, mais bon, sans plus, quoi. Ils n'ont pas vraiment euh, euh, suspecté plus que ça non plus. Hein. Mmh. Damien, je vais faire Caspier. Est-ce que tu peux mettre tu sais, le petit arbre généalogique que je, je t'avais envoyé aussi Parce que celui de Daniel est excellent, mais c'est vraiment pour faire des, des zooms, tu sais. Et l'autre arbre généalogique, en fait, c'est plus gros, comme ça les, les gens pourront vraiment voir euh, les différents protagonistes, même s'il en manque quelques-uns, il est plus succinct. Et celui de Daniel va vraiment peut-être nous servir par la suite pour, pour agrandir certaines branches. Ouais, ouais. Et autrement... Ouais. ouais. non parce que j'allais dire il y a un événement dont on n'a pas parlé mais qui fait partie de l'affaire, c'est quand même euh, le meurtre de Bernard Laroche par Jean-Marie Villemain qui, qui s'est retrouvé convaincu de la culpabilité de, de, de son ouais. cousin. Parce que voilà, ça c'est aussi ça aussi c'est aussi très important. Alors est-ce qu'on peut est que Daniel tu peux nous dire comment euh, comment Jean-Marie Villemain on est venu à suspecter très fortement son cousin, alors qu'a priori, il n'avait aucun doute sur lui au début de l'affaire. Voilà, c'est ça. Euh, au début de l'affaire, en fait, Jean-Marie, il n'y croit pas du tout. Euh, et je pense que l'élément déclencheur, c'est vraiment quand Muriel, finalement, va faire ses aveux. Euh, donc ouais. là, on a un peu sauté cette étape. Mais bon, Muriel Bol euh, c'est euh, donc la sœur de Marie-Ange. Elle va remplacer Isabelle, dont on parlait tout à l'heure, pour euh, s'occuper de Sébastien. Donc euh, je crois qu'elle arrive en juin 84. Juin-juillet 84, chez elle et Laroche, elle connaît personne. Elle a vu une ou deux fois les, les villemains quoi, sans plus. Euh, et euh, voilà, c'est assez compliqué, mais ça commence par Marie-Ange, la femme de Laroche, qui va appeler de façon anonyme un peu les gendarmes euh, et, et dénoncer des gens. Euh, plus ou moins, quoi. elle va dénoncer Léolard et, euh, et Jackie aussi. Donc euh, Jackie et Liliane. Euh, voilà, dire qu'ils ont été vus en train de fumer. Euh, en bas de chez eux le 16 octobre, euh, enfin des choses un peu farfelues, qui n'ont pas vraiment à voir avec euh, le crime. Et les gendarmes vont quand même euh, l'écouter, voilà, elle va être mise mis en garde à vue euh, pour un petit court temps. Euh, et comme eux aussi, ils commencent à patauger quand même les gendarmes. Finalement, ils se disent c'est la famille, ils interrogent, mais ça va pas plus loin que ça. Euh, ils, ils trouvent ce, son témoignage intéressant et puis elle est un peu, un peu ambiguë. Euh, Entre-temps, il y a aussi des membres de la famille qui disent oh, « elle était à la veillée nocturne, à la, veille, à la veillée funèbre, excusez-moi. Euh, on avait l'impression que Marie-Ange était là pour épier. » Des choses comme ça. Donc, ils vont quand même entendre son mari euh, demander son, son emploi du temps. Et lui, il va dire « Voilà, je suis allé chercher du vin. Euh, euh, et, et voilà, ma, ma belle-sœur pourra vous le confirmer. Euh, euh, voilà, quand je, quand je suis arrivé, j'étais allé chez un ami, Zonka, euh, avec qui je devais aller acheter ce vin. Il n'était pas là. » Euh, je suis rentré chez ma tante Louisette et, et Muriel était là, quoi. Euh, donc ils disent ok, euh, pourquoi pas. Euh, ils se disent bon, bon, on va questionner la jeune fille. Et puis comme ça, euh, au moins on sait que c'est qu'il a un alibi, quoi. Puis ils questionnent euh, Muriel. Euh, et là, elle va dire à peu près la même histoire, à hein. un détail près. Euh, c'est qu'elle elle va dire euh, que quand elle est arrivée donc euh, de l'école, hein, euh, c'est à peu près euh, 17h30, euh, quand elle est arrivée de l'école, Bernard était déjà là. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux déclarations. Euh, les deux disent en fait que l'autre était déjà là euh, quand ils sont arrivés. Donc les gendarmes vont se dire euh, bon, ok, ils peuvent se tromper, finalement, ce n'est pas, pas si grave que ça. Euh, ils il décident quand même de la réentendre et de questionner aussi un peu le chauffeur de bus, tout ça, pour avoir confirmation de bus scolaire. Hein. Et, et le chauffeur, lui, étonnamment, il va dire euh, bah, elle est très reconnaissable, elle a une chevelure rousse, et, euh, et lui, il va dire qu'elle n'était pas là, quoi et puis ils vont questionner quelques collégiens notamment deux qui vont carrément dire on a vu Murel se diriger vers une voiture verte ils vont montrer des planches avec des, des modèles de voitures et en fait elles vont désigner exactement la voiture de Bernard Laroche 300, voilà, 305 gris vert je synthétise hein, c'est un peu, un peu plus complexe mais en gros c'est ouais. ça et donc là ils vont forcer un peu plus et finalement va passer aux aveux et c'est à partir de ce moment-là, hein, quand elle commence à faire ses aveux, que Jean-Marie commence à y croire. Avant, finalement, quand on le questionne, euh, nous on a trouvé plein d'archives, euh, des interviews, tout ça, il aura plutôt tendance à dire euh, euh, non, Bernard Laroche, il ressent pas au portrait robot. Euh, c'est ça. Euh, il croit pas vraiment, quoi. Il va même dire non, il n'avait pas de, euh, de favoris, là, ces fameuses moustaches euh, qu'il y a sur, euh, mm. sur le portrait robot. Il, il y croit pas vraiment. Et c'est par l'intermédiaire d'un journaliste qui s'appelle Jean-Claire, qui travaillait pour Paris Match. Euh, et qui s'est un peu comme ça euh, introduit dans, euh, dans, chez eux, quoi, hein, qui était devenu un, un peu un ami, lui va réussir, on sait pas trop comment, à obtenir euh, les aveux de Muriel, donc les PV, euh, par l'intermédiaire de l'avocat Bernard Laroche, qui va le laisser dans son cabinet euh, euh, regarder ces fameux PV. Et donc ce journaliste va les montrer euh, à Jean-Marie et Christine, et là par contre euh, le père il dit, attends, là t'as vraiment une gamine qui dit, oui, elle euh, est venue me chercher au collège. Euh, on arrivait à l'épingle, il a pris l'enfant euh, et puis il est j'ai vu partir avec l'enfant comme ça, lui tenant la main, et puis il est revenu tout seul. Donc là, Jean-Marie, il se dit euh, merde, c'est lui quoi. Là, là, par contre, il, il a vraiment une, une conviction. Ah ouais, ouais. Et c'est vrai que, alors, je vais, je vais faire un petit retour en arrière, juste euh, quand tu parlais de l'attitude de Marie-Ange Roche, qui a mis un peu la puce à l'oreille et aux gendarmes et à la famille. C'est vrai qu'ils étaient pas réputés pour être très proches de Jean-Marie et Christine Villemin. Et apparemment, il se dit que Marie-Ange Laroche a passé la nuit entière à veiller le, le corps, c'est ça, de Grégory Voilà. En fait, euh, donc c'est la veillée funèbre, donc il y a pas mal de membres de la famille qui passent, euh, qui mettent de l'eau bénite, euh, et puis qui s'en vont. Hein. Oui. Et Marie-Ange va insister pour rester, elle va demander à Bernard de demander à Jean-Marie si elle peut rester. Euh, et elle, elle va rester à côté du corps jusqu'au lendemain matin. Le Lendemain matin, elle est récupérée par par La Roche qui sort du travail parce qu'il travaille de nuit euh, et, et ça va un peu intriguer tout le monde parce que vraiment les autres sont allés dormir alors qu'ils sont très très proches et on a des témoignages il y a Ginette Villemain Michel qui va dire donc elle était un peu là pour pied d'après certains membres de la famille Ginette Villemin qui va dire euh, Marie-Ange nous a demandé euh, lors de de cette veillée si on pouvait euh, de pas dire aux gendarmes euh, qu'on était au courant pour les appels. Oui. Donc il y a des, des choses comme ça qui ressortent sur PV. Alors voilà, euh, qui voilà qui ont étonné tout le monde. Le, le fait qu'elle veuille absolument euh, rester là comme ça toute la nuit, alors qu'elle est pas si proche que ça d'eux, euh, et puis qu'elle ait des demandes comme ça, euh, euh, sachant que euh, le matin même elle avait déjà appelé de façon anonyme les gendarmes. Ça, tout ça mmh. se passe le même jour. Euh, donc pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas de ce, de, ce, de ce, pourquoi elle dit pas ce qu'elle a dit aux gendarmes à la famille? Alors, elle va dire oui, si on m'avait demandé, je l'aurais dit. Euh, bon. C'est ça. Il y a un retard de, de comment dire, Bernard Laroche, euh, apparemment, pour venir la chercher. Et j'ai écouté ça dans une de tes vidéos. Elle aurait, elle aurait dit euh, J'espère qu'il ne s'est pas fait pincer par les gendarmes. C'est quand même euh, un, petit peu, un petit peu bizarre comme, euh, comme réaction pour un retard. Quoi. Donc, ça a mis un peu la puce à l'oreille à tout le monde. Je crois que c'est Ginette Villemain qui rapportait ce, ce petit détail, cette petite phrase, je crois. Ça va être ça. Alors, non, ça c'est un peu plus compliqué. Euh, c'est Gilbert Chatel, la mère de, de oui. Christine Wilmain, euh, qui va dire ça, et elle va dire ça très tardivement, c'est en 87. Avec euh, la lavande, peut-être. Il y, y a la lavande, il euh, y a d'autres choses en plus. Donc là, faut faire attention parce que les témoignages tardifs, euh, voilà, des fois il y a des souvenirs qui. Euh, mais qu pourquoi arrange. pas, hein, peut-être qu'elle a mmh. vraiment dit ça. Euh, oui. En tout cas, elle a un comportement de façon générale qui est particulier. Elle va dénoncer des gens. Euh, les gendarmes vont les interroger ces gens, hein. donc les Aulard, euh, ça va rien donner. Euh, et puis ces gens vont passer un sale quart d'heure, il y a une fameuse scène où ils sortent de la gendarmerie et puis euh, Chantal Hollard qui dit euh, « je ne connais pas ce robot », donc ils sont un peu ridiculisés face à la France entière. Oui, oui. Euh... Et bien sûr, et Hollard, Daniel, c'est une branche de la famille d'Albert Villemin, si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Euh, et ils habitent en plus à laveline devant ventbrouillère oui. et Christine Villemin et sa mère ont habité pendant longtemps à la ville de Vembrouillère et Marie-Ange-Laroche aussi. Donc tous ces gens se connaissent depuis euh, l'enfance en fait. Euh, voilà, tout le monde se connaît un peu dans, euh, dans, dans ces villages. Hein. C'est ça, d'accord. Ok. D'accord, d'accord. La... Je ouais. vais afficher les, les portraits robots. Les portraits robots, oui. Comme ça, on aura une idée à peu près de, de, ce, que ça peut, de ce à quoi ça ressemble. Vas-y, Tommy, continue, je les affiche. Oui, 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 oui. Et donc après, il, y a, il y a le, comme disait Rod, nous a gentiment amené ouais. vers le, les soupçons les sur, sur Bernard Laroche, l'incohérence avec, euh, avec Muriel Boll. Euh, Mur, Muriel Boll. Euh, euh, je, dans, durant sa première audition chez les gendarmes donc elle est placée en garde à vue directement ou il y a une, audi une audition euh, libre c'est une audition libre c'est ça une audition libre où elle fait ses déclarations là après elle est, elle est placée en garde à vue et elle réitère ses propos Daniel c'est ça euh, en gros c'est ça elle est d'abord entendue ensuite il pointe un peu les incohérences dans ce qu'elle dit euh, mmh. donc déjà voilà qui est arrivé en premier ce que je disais tout à l'heure là où c'était pas très clair et ensuite euh, tu nous as menti parce que le chauffeur lui va dire qu'elle n'était pas là, mais elle, elle va dire autre chose. Ils vont lui dire, mais c'était qui le chauffeur euh, le 16 octobre Et elle, elle va dire, euh, c'était euh, un tel, quoi. Et, euh, et finalement, c'est pas le bon chauffeur. Elle a vraiment pas de chance ce jour-là, c'est un autre chauffeur. Et, euh, et ça ne fait pas longtemps en plus que c'est le cas, quoi. Euh, donc là, clairement, ils lui disent, voilà, tu nous as menti, en fait, il euh, euh, y a quelque chose qui ne va pas. Euh, et finalement, elle va, elle va craquer. Euh, et puis elle va commencer, enfin, d'après le PV, en tout cas, il y a écrit, voilà, oui, je vous ai menti. Euh, on sait que c'était très compliqué pour les gendarmes d'avoir son témoignage. Hein. Elle répondait souvent que par des oui, des non, euh, très renfermée sur elle-même. Euh, mais en tout cas, d'après euh, les gendarmes, euh, elle avait l'air soulagée quand même. Elle a été vue par un médecin, tout ça. Euh, voilà. Maintenant, aujourd'hui, ces aveux, ils sont plus vraiment euh, dans le dossier. Euh, voilà, sa garde oui. à vue a été annulée euh, pour des raisons un peu, un peu complexes quoi, de droit. Euh, des vis de forme Voilà. Pour des choses qui n'existaient pas encore euh, en 84. Ouais, quoi. La garde à vue, c'est ça. C'est une procédure qui est encore en cours. Ben, on est obligé d'adapter, enfin, euh, de euh, d'utiliser le droit d'aujourd'hui, quoi. Et alors, ce qui est pas vraiment gênant, puisque les premières déclarations de Muriel Bol sont toujours dans le dossier. C'est ça. Si voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, les et déclarations ouais. sont identiques. Donc, son, son audition est valable, mais pas ses, son audition en garde à vue, quoi. C'est ça. Et, et de mémoire, euh, elle, ensuite, elle a parlé de pression policière mais il me semble qu'elle a fait d'abord premier, euh, ses, ses premiers aveux et ensuite, elle est retournée chez elle, et ensuite, elle est revenue pour réitérer les aveux devant, devant ouais. le juge. C'est ça, hein c Voilà, c'est ça. C'est ça. ça. Ouais. ça. Et ça. ensuite, c'est quand le juge, euh, devant, euh, devant les journalistes de télévision, a dit qu'ils avaient des éléments qui avaient été euh, donnés par Muriel Boll concernant euh, Bernard Laroche, qu'elle s'est rétractée et qu'elle a interpellé d'autres journalistes de télévision pour leur dire euh, Je suis jamais, jamais allé à l'éponge avec mon beau-frère. Ouais, en fait, le juge, quand elle fait. Ça, la première fois où elle va dire Voilà, j'étais avec Bernard euh, euh, et qu'elle craque, quoi. Hein, euh, là, le juge euh, aurait dû la garder ou l'interroger de suite. Euh, mais voilà, apparemment, c'était un amateur de randonnée, des choses comme ça, donc il préfère partir en week-end. Et il dit aux gendarmes euh, Ramenez-la chez ses parents. Donc là, les gendarmes, ils comprennent bien que voilà, <laughs> c'est un, un peu euh, stratégiquement, c'est pas vraiment intelligent, euh, mais ils sont obligés de le faire. Donc ils vont parler au père euh, de Muriel. Ils vont lui dire voilà, il faut garder ça secret, il faut en parler à personne. Euh, le père lui va dire euh, voilà, ma, ma fille est honnête, si elle vous a dit ça, c'est que c'est vrai. Euh, et finalement, on voit qu'elle a gardé le secret et finalement, c'est à cause du juge Lambert qui, lui, euh, va le dire à la France entière. Que tous les membres de la famille finalement vont, vont l'apprendre. En tout cas, c'est voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. C'est très compliqué euh, euh, de voir ça autrement. Mais je sais qu'il y a d'autres gens qui pensent que non, non, euh, euh, voilà, elle a été manipulée par les gendarmes ou quoi. Donc voilà, les deux versions existent. Mais ça paraît quand même évident, voilà, qu'elle a gardé le secret. Son père a, a gardé le secret aussi. Finalement, il en a parlé à personne. Et puis quand le juge va va, va le dire euh, face caméra, quoi, ben là. Euh, on imagine la scène où tout le monde regarde la télé, et puis au moment où il dit ça, tout le monde regarde plus la télé, mais Muriel. C'est une grosse famille, et donc là, on, on sait qu'elle a passé un sale quart d'heure. Il y a des voisins qui témoignent, tout ça. Euh, et ensuite, euh, ben, le lendemain, elle va, euh, finalement, elle va retirer tout ce qu'elle a dit. Quoi. Elle va dire « Non, non, euh, j'ai été manipulée par les gendarmes ». C'est quelque chose d'assez classique, finalement. Euh, ouais. Rejette la faute sur, sur les gendarmes. Oui, puis d'ailleurs, elle dit même, euh, j'ai n'ai plus les détails exacts, mais elle dit même euh, le gendarme m'a crié dessus euh, 22 fois, et on s'étonne du fait qu'elle ait comptabilisé le nombre de fois où il lui a dit, euh, où il est crié dessus. Donc euh, on, on dirait presque qu'elle récite un, un texte euh, quand, elle, quand elle dit que les gendarmes lui ont mis la pression. Et visiblement aussi, euh, le papa, euh, donc il était euh, conscient euh, de ce qui se passait. Lucien symbole, ouais, c'est ça, ouais. Du symbole, ouais. Et il avait, dit, euh, il avait dit, si ma fille a dit ça, c'est que c'est ça, quoi. Ma fille est solide, ma fille est solide, elle ne euh, ment pas. Parce que c'est vrai que Muriel, on en parlait en off. Bon, bah, c'est une bonne gamine, c'est une gamine qui a, qui a subi l'affaire de plein fouet, c'est un dommage collatéral, comme on dit, mal, malheureusement. Et, et c'est vrai que, euh, bon, bah, quand tu vois ces rétractations. Euh, tu sens un peu l'automate quand elle parle, quand même. Tu sens vraiment qu'elle a appris un texte qu'on lui a fait apprendre un texte de force. D'ailleurs, en 2019, elle a un de ses cousins qui a qui, qui aurait qui a témoigné, qui aurait assisté à la route qu'elle aurait pris pour pour rectifier ses propos, on va dire. Ouais, c'est ça. Après, moi, je crois pas trop au témoignage tardif. Hein. Euh, ouais. Surtout que voilà, il va apporter des, des éléments. Et finalement, il y a donc. Les, les enquêteurs en, en 2017, 2018, euh, ils, ils ont analysé tout ça. Et euh, dans ce que dit cette personne, il y a des choses vraies, mais qu'il aurait pu voir à la télé ou entendre autre part. Oui. Euh, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Il part d'une interview euh, où ça ne peut pas avoir eu lieu comme lui le dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était sur place à ce moment-là. Oui. Euh, ça, c'est vrai. Euh, mais voilà, ça reste un, un témoin euh, assez assez particulier, oui. euh, sachant qu'en plus il va parler que le lendemain de euh, la mise en examen des, des là, Jacob. Jacob. Des et il Jacob. va arriver avec quelque chose que personne n'a jamais dit, et surtout pas Murel, c'est que euh, Muriel lui aurait dit euh, que Bernard avait remis l'enfant à deux personnes. Euh, et Alors que ce n'est pas du tout ce que dit Muriel dans, mmh. dans son audition, elle a dit, euh, Bernard est parti avec l'enfant, il le tenait par la main, et je les ai vus disparaître en fait. Oui, oui. Et quand Bernard est revenu, il, il était tout seul. Et a dit, euh, j'ai imaginé qu'il avait remis l'enfant à un ami de, du papa. Mmh, mais c'est oui. elle qui suppose ça, quoi. Oui, euh, oui. Et, et donc, ça ne colle pas trop avec la version de Fèvre. Et puis, c'est un peu opportun. on se dit, tiens, c'est bizarre qu'un mec garde ce secret-là pendant 33 ans, euh, parce qu'on est en 2017. Euh, et puis, tout d'un coup, euh, quand on parle des Jacob, sortent euh, ça de son chapeau, mais... Il faut quand même le prendre en compte, ça existe. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Bah, il, avait, il avait expliqué qu'il qu il fallait qu'il se livre, qu'il était condamné, il avait une grave maladie et il voulait pas partir avec un, avec un secret. Voilà. Maintenant, ça vaut ce que ça vaut, effectivement. Mais en tout cas, des, des voisins avaient été, des voisins avaient peur de parler, parce que des voisins avaient entendu apparemment le, la rousse que Muriel Boll avait, avait ramassée par Marie-Ange Laroche. Il se dit que c'est Marie-Ange Laroche qui aurait éventuellement mis, mis la, la raclée à sa sœur. On lui arrachant des cheveux et tout ça. Et les voisins avaient peur de parler. Parce que apparemment, dans la, dans la région, il y avait des feux de grange en, en, en comment dire, en, en vengeance. Donc euh, il y avait quand même un petit climat euh, par rapport à cette affaire, un petit peu une, une, euh, une odeur un petit peu de, de soufre. Les gens avaient peur de parler. Il y a ça aussi. Il y avait une espèce d'omerta quoi, peur des représailles. Mais les voisins ont parlé quand même hein, mon... Ils ont parlé quand on même. A, on a les PV. Voilà, ils expliquent hein, que euh, voilà qu'elle s'est pris une raclée euh, ce jour-là quoi. Et à demi mot, euh, certains membres de la famille l'expliquent aussi. Et en même temps, on peut comprendre. Euh, on dépeint souvent les bols comme des gens euh, infâmes, tout ça. C ça reste des gens normaux, hein. Euh, et on ne sait pas exactement ce que Muret leur a raconté. Donc elle, oui, oui. quand tout d'un coup il y a Lambert qui dit ça, toute sa famille la regarde. Est-ce que c'est pas elle aussi qui a dit que les gendarmes l'avaient manipulée parce que elle avait peur, euh, euh, voilà, d'être maltraitée, enfin d'être frappée ou des choses comme ça. Oui. Euh, donc euh, moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est comment les bols, eux. Euh, ont perçu la chose. Euh, Peut-être que oui. euh, si elle avait dit ben « Oui, ça s'est vraiment passé comme ça euh, », ils n'auraient pas agi de la sorte. Euh, Peut-être que sincèrement, ils ont cru que ce n'était pas Bernard et que c'était une manipulation des gendarmes. On ne sait pas trop. Euh... Alors, moi, moi euh, je vais, pour résumer, en gros, à 17h, Bernard Laroche serait allé chercher Muriel au collège. OK à 17h20, euh, à 17h20 euh, Christine Villemin constate que, euh, que le petit a disparu du tas de gravier de devant la maison. Donc ça veut dire que, en gros, si on se fie à la déclaration de Muriel, son, euh, Bernard Laroche est allé la chercher au collège, ils ont fait un crochet sur les penches sur Vologne, ils s'arrêtent non loin d'une maison avec un grand toit, c'est ce qu'elle dit. Hein. Bernard s'absente, revient avec un enfant, et visiblement un enfant que Sébastien connaît. De mémoire, je ne sais pas si c'est exact. Voilà, bon, on ne va pas sais. revenir sur les, sur les horaires, bon, mais on va dire Grosso Merdo, c'est ça. Ouais. D'accord. Ensuite, euh, ils vont à docel. Donc, elle, elle ne dit pas docel, mais visiblement, ça serait ça. où il part avec l'enfant et il revient sans. Donc, il y a plein de gens qui se posent la question et je sais que votre réponse est très pertinente, c'est pour ça que je la pose. Pourquoi, pour kidnapper un enfant Bernard Laroche s'encombrerait de Muriel Boll qui serait allé chercher au collège. Alors ça, c'est la question à 100 000 euros. Pardon. Il y a plusieurs hypothèses, on ne le sait pas vraiment, parce que finalement, on n'est pas dans leur tête. Hein, mais euh, il, y a, il y a plusieurs hypothèses. Une, c'est que finalement, c'est un crime un peu euh, sur un coup de folie. Euh, on sait en tout cas que c'était prévu qu'il aille acheter ce vin depuis la veille. Euh, ouais, il y a des témoignages comme ça qui disent... Euh, euh, voilà, que, qui savait qu'il allait aller là-bas. Donc, euh, le fait d'amener Muriel et, euh, et son fils Sébastien, euh, ça lui permet déjà d'avoir quelqu'un qui garde son fils, euh, qui avait quand même quelques déficits, on va dire. Et il pouvait pas rester vraiment seul. Donc, euh, c'est d'ailleurs pour ça que Muriel habitait euh, euh, chez les Roche, pour s'occuper euh, donc de Sébastien. Euh, donc, peut-être que voilà, en allant chercher le vin, il y a eu un coup de tête comme ça. Il s'est dit, ouais, je vais passer à l'épingle. On sait qu'il y a eu des repérages la veille, euh, des voitures vertes qui ont été vues un peu à droite à gauche, à droite à gauche. Euh, ça c'est une possibilité. Autre possibilité, c'est que vraiment euh, ça serve à quelque chose. Et c'est vrai que si on se dit, en admettant que c'est lui, c'est juste des hypothèses, hein, mais euh, c'est vrai que s'il va attraper un enfant et qu'il est accompagné euh, d'une gamine et de son, et de son fils, euh, ça, on va dire que ça passe crème finalement. On va dire Ah ben oui, on, on est passé par là, on voulait faire un tour avec ma voiture euh, euh, et, et il connaissait quand même l'enfant. Donc ça, c'est une possibilité. Euh, mais après, on n'est pas, pas dans leur tête, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais c'est vrai que ça peut servir un peu d'alibi euh, parce qu'il ne peut pas savoir au moment où il va l'enlever. Euh, il ah ouais. peut y avoir aussi un voisin qui le voit, euh, euh, Christine qui sort. Donc le fait d'être accompagné, ça, ça donne confiance finalement. C'est ça. c'est Et puis le fait, bah, je ne pas faire mal à ton gamin, il y a Muriel dans la voiture. Muriel a 15 ans, euh, ça paraît improbable de, 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 de faire quoi que ce soit un enfant devant une, une jeune fille de 15 ans. À la limite, il avait son, son fils Sébastien de 4 ans. 4 ans, on peut maquiller un peu la vérité, alors que devant une gamine de 15 ans, ce n'est pas possible. Moi, tu as entièrement raison en disant ça. Moi, je pense que Muriel, c'était mal, malgré elle un alibi dans la bagnole. Oui, puis en plus, elle euh, elle, s'est pas imaginé ce qui est en train de se, de, de, de se passer. quoi. Si c'est le cas. Elle pour elle, bon, il y a un gamin, il va il dépose le gamin à un endroit, elle s'imagine, et c'est ce qu'elle dit à la police, elle s'imagine qu'il allait les rendre peut-être à ses parents ou quoi que ce soit. Et puis basta, quoi. Oui, tout à fait, ouais, oui, oui, oui. Oui, 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 c'est sûr. C'est sûr. Alors, Bernard Laroche, il est directement. Alors, il est auditionné d'abord, Daniel, ou déplacé en garde à vue Ou Directement interpellé, ou comment ça se déroule pour Bernard Laroche non, non. Ben comme je disais au début, il a entendu. Voilà, juste pour vérifier un peu. Euh, euh, voilà, sans plus. Euh, D'ailleurs, ça, ça étonne pas grand monde. Et puis, euh, voilà, quand ils s'aperçoivent que c'est pas tout à fait clair ce que dit Muriel, ce que dit Bernard, ça se ressemble, mais voilà, ça coïncide pas complètement. Euh, ils vont l'entendre encore plus. Et c'est ouais. vraiment à cause des, des aveux de Muriel, finalement, quand elle va craquer, que là, par contre, euh, il est arrêté. Euh, euh, et je pense que les gendarmes ils sont allés un peu vite aussi. Euh, sur la séquence de Deuxelles, pendant les aveux de Muriel, ils n'ont pas posé plus de questions. Euh, et elle, finalement, pendant les reconstitutions avec le juge Lambert, elle ne va pas finalement reconnaître Docell, hein. euh, et, et Je pense que là, ils sont peut-être allés un peu trop vite. Ils sont du bon, on a les aveux. Euh, euh, C'est vrai que Muriel ne reconnaît pas Deuxelles, en tout cas. Euh, C'est ça. Voilà. Et sinon, une petite précision, parce que je vois sur le chat qu'il y a des gens qui disent Personne n'a vu Muriel au champion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'a vu non plus La Roche au champion. Euh, même les caissières, elles se souviennent de lui. Euh, enfin, elles se souviennent de son fils, mais elles ne savent pas quand elles l'ont vu. Euh, elles connaissent cet enfant parce qu'ils l'ont déjà vu. Et elle ne peut pas se souvenir de La Roche, la caissière. Euh, et sur le parking, personne n'a vu La Roche, ni Muriel. Euh, donc finalement, pour moi, ça, ce n'est pas un bon argument parce que... Euh, tu as, par par Roche... as un chèque, tu as un paiement en chèque. C'est ça, tu as un paiement au chèque ça, un voilà, paiement ça ça de, ça. de la part de La Roche. Voilà, alors on sait que le vin a été acheté avec son chèque. Euh, on sait à peu près dans quelle tranche horaire. Mais euh, voilà, il n'a pas été formellement vu par un témoin, euh, genre sur le parking. Euh, D'accord. Euh, donc, donc ça, voilà, ça reste une possibilité. Hein, non, mais le vin, le vin a été acheté quand même. Le, on on euh, sait si le vin a été acheté le jour même Le vin a été acheté le jour même. Il a été acheté, euh, je crois que c'est entre 17h45 et 18h... Euh, 30 je dis ça comme ça hein, de tête euh, donc on sait voilà qu'ils ont compté combien de clients il y a eu après Bernard bon. euh, et par rapport à ça ils ont fait une estimation en disant mm. voilà ça peut s'être passé en tout cas qu'après 18h euh, 18h30 quoi oui parce euh, que euh, à, à 16h euh, Laroche va chez son cousin Michel villemain qui est aussi le frère de Jean-Marie et, euh, et visiblement, il explique à Michel euh, que si son pote Zonka n'est pas là, donc Zonka c'était un copain de Bernard Laroche, avec qui il devait aller acheter cette fameuse promotion de vin C'était plusieurs centaines de, de bouteilles, hein, je crois. Il dit qu il, ouais, que excellent. du coup, il ira, euh, il ira chercher Muriel au collège et, et elle l'aidera à, à, oui. à transporter le vin j'ai l'emploi du temps officiel bah officiel du temps de bernard laroche ce qu'il a raconté plus ou moins au gendarme sous les yeux si vous voulez je vais en faire état sur la journée du 16 octobre 1995. Ouais, donc avant, avant alors daniel tu me dis si je me, je me suis trompé en relevant les informations avant 15h40 euh, comme dire bernard laroche il rentre du bois avec sa tante louisette jacob euh, il, alors apparemment il, a, il trinque avec elle il la raccompagne à son domicile au après bernard laroche il se dirige vers chez michel villemin vers 15h30 15h40 16h il bavarde avec michel villemin euh, il regarde le catalogue 3 suisse avec le avec michel toujours son fils sébastien joue avec euh, daniel daniel villemin le fils de, de michel à l'issue à 16h30 il se dirige chez zonka pour acheter le le, le, le fameux vin c'est ça. Non, il se dirige vers chez sa tante Louisette où il avait rendez-vous au préalable avec Zonka. Donc à, chez Louisette, il ne voit pas de Zonka. Donc vers 17h15, il, il prend la direction du domicile de son ami Zonka pour voir où, où il est, parce qu'il n'était pas au rendez-vous chez la tante Louisette. Il s'aperçoit qu'il y a une, une clé dans la serrure chez Zonka. Donc ça pourrait éventuellement montrer qu'à l'heure indiquée, 17h15, qui correspond à l'heure d'enlèvement de Grégory, il a bien été chez Zonka car il y avait une clé dans la serrure, mais sauf que c'est une habitude de Zonka de toujours laisser sa clé dans la serrure. Et les proches de Zonka savaient que la clé était toujours laissée dans la serrure. Donc avec, après l'investigation, la libye de, de Bernard Laroche de 17h15 chez Zonka ne tient pas vraiment. Après 17h15, euh, aux alentours de 17h30, il indique se diriger chez Louisette pour voir si Zonka est revenu éventuellement euh, par la suite pour le fameux rendez-vous. Donc là, il indique une présence de Muriel Boll devant la télévision. À 18h, soit demi-heure plus tard, il se dirige vers le fameux supermarché champion pour la promotion de vin. Euh, aux alentours de 18h10, je me trompe, c'est peut-être un peu court, Daniel, 18h10, il se dirige au Café Hôtel de Bruyères pour récupérer son tiercé. Je crois que le laps de temps, je me suis un peu trompé, parce que 18h champion, 18h10, le Café Hôtel pour récupérer son tiercé, c'est peut-être un peu, un peu juste. Ça, c'est sa déposition à lui Ouais, 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 ouais. c'est ouais, ce qu'il a indiqué aux gendarmes durant euh, avec les PV, les PV d'audition d'Arnaud La Roche. Euh, après, à 18h30, il indique, il indique croiser Michel Villemain à bord du véhicule des parents Villemain, du véhicule d'Albert, une Datsun. Après, il indique avoir déposé Sébastien chez Louisette pour le repas. Je ne me trompe pas, Daniel, c'est ça. Attends, euh, t'en es où là Parce que t'as oublié le, le croisement, je crois. Ah si, t'as dit le croisement avec, ouais. euh, avec Michel voilà. Villemin, à bord de la, véhicule, à la, à bord de la voiture d'Albert de, de, Villemin. Après, le dépôt de Sébastien chez Louisette. Euh, il part après chez lui à son domicile au Monzet, déposer le vin. Après, retour chez Louisette pour repas et coucher Sébastien. Et ver, vers 20h45, Bernard Laroche indique redevenir chez Louisette pour remonter le, le réveil le fameux réveil de Louisette, et partir au travail. Donc après, suite à ton travail, Daniel, et puis à des, des lectures, trouvé des, on a trouvé des contradictions par rapport à ça. Quand Bernard Laroche indique avoir été à, à, à 15h40, de 15h40 à 16h chez Michel Villemin, et que son fils a joué avec euh, Daniel Villemin, le fils de Michel, ça paraît impossible parce qu'il y a la déclaration... La déclaration de Lionel Villemin, donc le dernier de la fratrie d'Albert et Monique Villemin, frère de Jean-Marie et Michel, qui indique avoir joué au même moment à, à l'arc avec euh, Daniel Villemin, peu avant 16h, en gros de, 16h à, de 15h40 à 16h20, et il n'a pas vu ni Bernard Laroche, ni Sébastien au moment-là. Donc ça, c'est les premières déclarations de Lionel Villemin. Après, il est revenu sur ses déclarations, tu as un petit peu l'impression avec Lionel Villemin de, de, de voir le même schéma qu'avec Muriel Boll. La deuxième contradiction, c'est Zonka qui indique, durant son édition, ne pas avoir fixé de date précise pour aller acheter le vin avec Bernard Laroche. Mmh. Donc c'est un, 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 un alibi, un, un, une partie de l'emploi de temps de Bernard Laroche qui saute aussi. Après, pendant, en fait, la, pendant la confrontation, il dira quand même que... Ah si, oui. finalement... Euh, Finalement, ouais. si, si, c'était prévu. Et après la mort de Bernard Laroche, il dira, bah finalement, en fait, non, c'était pas prévu. Voilà. Donc, voilà donc, il... les témoignages, c'est toujours c'est compliqué. Bah, quoi. Il, justement, apparemment, il y aurait eu un passage de, de Bernard Laroche chez Zonka. Je ne dis pas qu'il a fait pression, peut-être juste par amitié, écoute, je suis ton pote, euh, euh, en gros, arrange un petit peu les papiers. Quoi. Il y a eu une enquête de voisinage qui a été faite autour du domicile de chez de Zonka. Chez euh, on n'a pas vu de Bernard Laroche de voiture euh, appartenant à Bernard Laroche, apparemment, dans l'après-midi. Mais euh, Daniel, par rapport à ça, chez Zonka, euh, quand, un, quand un véhicule euh, est garé devant et tout, ça se voit, c'est des, 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 des petites rues, c'est des, des domiciles assez proches, quoi. Euh, ouais, c'est juste en face de l'usine. Mais je voulais revenir sur un truc, parce que je, je regardais un peu le, le chat aussi. Oui. Alors, il euh, n'y a pas eu de pièce d'identité qui a été demandée à Bernard Laroche, et il le dit lui-même dans son PV, euh, il, fait, il tape un peu l'ant, il dit Elle m'a même pas demandé ma pièce d'identité euh, donc euh, voilà, on, on sait qu'il y a eu ce chèque, mais on, voilà, il n'y a pas eu de pièce d'identité. Euh, La roche le dit lui-même et les caissières aussi. Euh, mm. Et sinon, sur tout son itinéraire, en fait, il y a quasiment rien qui tient. Euh, C'est ça qui est, qui est intéressant. Euh, donc lui, euh, voilà, il va dire qu'il est parti de chez Louisette, aller acheter son vin. Ensuite, il va au PMU chercher un gain dérisoire, hein, je crois que c'était 156 francs. Euh, Qu'ensuite, il est retourné donc en direction de, de Montzay. Et que là, il aurait croisé et lui, il va dire 18h30. Euh, Michel Villemain. Euh, et comme je vous disais tout à l'heure, Michel Villemain, il va se rendre de façon autonome euh, à la gendarmerie un jour après son audition, avant même que que La Roche euh, dise quoi que ce soit. Et il va donc parler de cette fameuse euh, histoire de Marie-Ange qui était à la veillée et que c'était pas normal. Et il va aussi dire j'ai croisé Bernard donc euh, à la ville et lui il va dire c'était entre 17h45 et 18h10 je crois. Et ce qui est intéressant, c'est que Michel, il va dire, euh, j'ai vu Bernard Laroche, je lui ai fait un signe de la main. Euh, et il faisait jour, en fait, grosso modo. Oui. Et Bernard Laroche, lui, il a compris, d'après moi, hein, il a compris que euh, ça tenait pas euh, ce qu'avait dit Michel. C'est-à-dire que s'il si est parti de lui à 10, euh, 17h30 ou 40, euh, il peut, il peut pas être euh, dans, dans, ce, euh, dans ce créneau horaire, en fait, euh, au croisement. Et du coup, lui, il a repoussé, en fait. repoussé l'horaire en fait à 18h30. Et c'est vrai qu'il y a d'autres youtubeurs qui sont pas sur la même ligne que moi, mais qui eux aussi ont dit c'est quand même plutôt 18h10. Euh, mais du coup, ça remet un peu en question tout, tout son alibi. Et pour revenir à Zonka, Zonka, en fait, au début, il va dire non, moi j'avais pas rendez-vous avec lui. Euh, parce que de toute façon, si j'avais eu un rendez-vous avec lui, bah, j'aurais été là. Euh, là, je suis parti euh, faire du maïs chez un pote. Euh, à moi, et si j'avais eu rendez-vous avec Bernard, euh, j'aurais été présent, quoi. Oui. Euh, et ensuite, il y a une confrontation entre Zonka et Bernard. Faut savoir que Zonka et, et Laroche travaillaient dans la même usine. Euh, voilà. Et puis, on est dans ce contexte un peu un CGT, euh, euh, voilà. On se, on se, soutient, quoi. Euh, donc là, il va être un peu flottant. Peut-être aussi qu'il, qu a peur. Et en tout cas, dès que Bernard meurt, en fait, là, il va dire, non, j'ai jamais eu rendez-vous. Euh, C'est ça. Euh, voilà. On sent qu'il veut pas trop balancer son pote. Ouais. Euh, et en même temps, euh, il donne des indices quand même assez précis. Il dit « Moi, j'ai jamais vu une voiture euh, doublée devant chez moi. Ça fait euh, 20 ans que j'habite ici. Euh, » Bernard Laroche savait très bien que la clé était sur la porte. Donc, ce euh, c'est pas, pas révolutionnaire qui vous dit ça. Euh, voilà. Et puis, a, et sachant que ça, c'est le créneau euh, au moment où l'enfant est, euh, est enlevé. Euh, donc, on est entre 17h15, on est en plein dedans. Et ensuite, il, il va dire qu'il est qu'il a été doublé par quelqu'un, et Marianne va retrouver ce quelqu'un, qui serait donc un cousin euh, de Bernard Laroche, qui s'appelle euh, Godel, j'ai oublié son prénom. Et donc lui, il va dire, oui, oui, effectivement, j'ai croisé Bernard. Et bizarrement, il va dire qu'il l'a croisé euh, dans son AMI-8. Euh, AMI euh, et là, en fait, euh, <coughs> par chance, il était dans un véhicule professionnel, ce Godel. Ils vont retrouver les contrôlographes, et ils vont s'apercevoir qu'il était bel et bien à Grange, donc, ce qu'il dit est vrai, le 16 octobre, mais c'était pas 17h15 ou 17h10, c'était à 15h30, ah ouais. 15h45. Euh, donc là, ça change tout, parce que Bernard, il a besoin d'un alibi euh, vraiment au moment où Grégory est enlevé. Ouais. Euh, donc, donc voilà, tout ça, ça, ça montre que son alibi, il tient pas vraiment la route. Euh, Et en tout cas, il ouais. est pas cohérent euh, euh, sous plein d'aspects. C'est une journée alibi, tu vois, moi je prends la, le planning que j'ai sous les yeux là. J'ai vraiment l'impression de la, de la journée où il fait que des passages éclairs à droite à gauche il ne reste pas euh, tu as vraiment l'impression qu'il est là pour se montrer c'est l'impression que ça me donne tu vois quand je vois euh, son emploi du temps euh... oui, sauf, sauf aux champion sauf au champion de laval c'est ça qui est étrange je trouve ouais ouais, ouais mais tu t as, as l'impression qu'il veut toujours être vu par du monde tu vois c'est ça dans sa, dans sa oui, journée quoi, oui. le, ouais c'est vrai son tiers enfin, en, tout cas, son, mais... en tout cas pas dans, ouais. la, pas dans le secteur de, de dépenche sur Vologne, mais en tout cas dans, dans, dans les autres coins, oui. Mais moi, ce qui m'étonne quand même, c'est cette histoire de champion. J'ai toujours, toujours été persuadé qu'il était allé, qu s'était rendu au champion après avoir déposé Muriel chez la tante Louisette. Ça, 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 ça c'est vraiment quelque chose qui, ouais. qui m'étonne un peu. Tu, tu m'as impressionné, Daniel, sur une de tes vidéos. Tu as retrouvé le prospectus de, du champion, justement, de la promotion de vin alors, pour, pour être tout à fait honnête, il y, y en a deux, j'en ai trouvé un, mais il y a un autre qui provient du site euh, justiceprogrégoré.com. Ah oui, d'accord, okay. euh, ah un notre utilisateur. Euh, donc, euh, des fois, on fait de la récup, nous aussi. Euh, <laughs> mais oui, on avait eu cette, cette promo, donc euh, 150 bouteilles. Euh, je ne me rappelle plus du prix, mais c'était quand même une somme assez euh, conséquente, je crois que c'était oh. 1 euh, 500 francs. Euh, donc, beaucoup de vin qui devait partager, donc moitié-moitié, chacun 75 bouteilles avec, euh, avec Zonka. Euh, voilà. On, on, on peut se douter quand même qu'il a vraiment été au champion parce qu'ensuite euh, il a quand même donné le vin à Zonka quelques jours plus tard euh, et il a déchargé le vin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va acheter ce vin avec, sa voiture, euh, avec la voiture de sa femme, qui est donc cette fameuse 305 verte, euh, alors que Zonka est son collègue de travail et que le lendemain il est censé lui donner ce, ce vin euh, et qui va toujours au travail avec son ami 8, dont le coffre est beaucoup plus grand. Oui, c'est un vrai. Euh, et, voilà, c'est un break. Donc c'est étonnant aussi euh, qu'il aille acheter ce vin avec la 305 verte. Euh, donc ensuite, il va devoir tout décharger dans l'autre voiture, alors qu'en fait, euh, il peut laisser la moitié dans son coffre s'il va avec la Mi8, euh, prendre la moitié, laisser l'autre moitié, et puis le lendemain matin au travail, euh, euh, il donne la moitié à Zonka. Donc le fait qu'il y aille avec cette voiture verte, qui a été vue quelques jours avant, et même le jour du crime, il euh, y a quand même même un témoin qui va dire euh, qu'il a vu une 305 verte. Euh, qui correspond complètement euh, à, à sa voiture. C'est impressionnant. Hein. Ça donne l'impression qu euh, que théoriquement, il aurait pu, si c'est lui, hein, encore une fois, hein, qu'il aurait pu euh, aller directement après Dossel, donc il euh, y a sûrement un coup de téléphone, aller directement au champion. Euh, et c'est vrai que ces histoires de, de deuxième équipe, tout ça, c'est dû au fait que Murel, elle, dans ses PV, elle va dire, euh, après Dossel, il m'a ramené à Aumonset, euh, donc chez la tante Louisette. Et là, niveau timing, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, là ça devient compliqué mais finalement Muriel elle a pas tout dit euh, et moi ce que je me suis toujours dit aussi c'est que on sent qu'elle a été briefée puisque quand les gendarmes lui demandent euh, qu'est-ce que t'as fait le 16 octobre elle va dire je suis rentrée en bus euh, donc elle va pas dire qu'elle était avec Bernard la première fois donc moi je pense qu'elle n'était pas consciente de tout ce qui s'est tramé en tout cas euh, quand ça, ça s'est passé et que si elle a été briefée c'est vraiment sur le fait qu'elle n'était pas avec lui euh, dans la voiture euh, donc du coup Peut-être que dans son récit aussi, euh, ce qui lui était demandé, c'était de ne pas parler de, de du champion, de, de tout ça. Euh, et c'est pour ça qu'elle a évité euh, d'en parler. Mais elle serait allée au champion avec lui. Elle serait restée potentiellement dans la, dans la voiture. voiture. Avec Sébastien voilà. alors Non, alors je pense que, encore une fois, si c'est lui, c'est est une hypothèse, oui, oui, est un sûr. exercice euh, mmh. voilà, psychologique. Oui, oui, bien sûr. J'accuse personne, hein, mais... Moi, ce que je pense, c'est que lui, il voulait surtout se montrer. Euh, parce que, voilà, si, euh, si tu as fait quelque chose, tu, tu veux que tout le monde te voit, euh, te remarque, et comme ça, ça te fait des alibis. Quoi. Donc, lui, il avait euh, intérêt à se faire voir avec son fils. Euh, oh. Pour dire, voilà, bah, moi, j'étais avec mon fils, il était avec moi toute la journée, je suis allé au champion. Euh, et, et voilà, une théorie, ce serait que Murray soit resté, en fait, euh, serait resté dans la voiture. Et il y a un témoignage d'un des frères de Muriel qui au tout début va être interrogé et lui il va dire euh, euh, Oui, ils sont allés ensemble acheter du vin au champion et ils sont passés à la maison, donc à Laveline, euh, chez les parents de, de Marie-Ange. Et on sait que Bernard, quand il y a ce croisement à Laveline avec Michel, euh, il y a Jean-Marie aussi qui est pas loin, euh, en fait, il va, il va tourner assez rapidement euh, dans une rue parallèle euh, qui mène directement au domicile des bols. Euh, donc voilà, il y a des choses comme ça, des petits indices. Ensuite, il va revenir un peu sur ce qu'il a dit. Euh, son témoignage en général est un peu confus, mais ça existe, c'est dans le dossier. Euh, mmh. Donc on peut imaginer plein de choses. Mmh. T'as un passage un peu trouble, Daniel, c'est le retour chez la tante puisette pour le réveil. Moi, euh, j'ai du mal à imaginer un mec euh, revenir à, pour remonter le réveil de la grande tante et tout. Je... Je ne sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Pour moi, c'est vraiment pour meubler un peu la fin de journée. Moi, bon, c'est juste mon, mon impression. Après, on est dans les théories. C'est vrai qu'il il, n'est pas, pas reconnu coupable. On est dans des hypothèses. Mais la fin de journée de Bernard Laroche me paraît un petit peu brumeuse aussi. Mais est-ce qu'on peut, est qu peut revenir juste sur le timing, on va dire, dont on est absolument sûr par rapport à la disparition du, du petit ouais. euh, si, si ça vous convient, juste pour, pour se, re, pour oh, se ouais. remémorer le truc. Donc euh, Daniel, je parle toujours sous, sous ton contrôle hein, parce que euh, voilà, il y a tellement d'informations partout sur Internet. Euh, toi, je sais que tu t'es rendu sur place, tu as vérifié les trucs, tu as fait les itinéraires, tu as, 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 as contrôlé les procès-verbaux, etc. Donc moi, je, je, voilà, si, si je dis une erreur, n'hésite pas à me couper euh, instantanément euh, pour pas que ça reste dans la tête des auditeurs. Mais en gros, euh, donc le 16 octobre 84, donc on est un mardi vers 16h55. Christine quitte son travail et part récupérer Grégory chez sa nourrice. Ça, on est d'accord oh, ouais. Elle rentre à la maison, donc dans le domicile familial à épanche sur vologne donne une pomme à manger à Grégory qui veut jouer dehors sur le tas de gravier. Donc, elle, le, elle lui met son bonnet parce que visiblement, la semaine d'avant, il était malade. Elle lui met son bonnet. Elle, elle fait du repassage en écoutant les grosses têtes. Donc, euh, le repassage et la radio euh, n'étant pas dans la même euh, euh, comment, pièce, elle met visiblement le son assez fort. Apparemment, les volets sont fermés, euh, visiblement, pour faire des économies de chauffage. Il se trouve voilà, que c'est mmh. ça. À 17h20, donc là, là visiblement, c'est peut-être pas le bon timing, mais mmh. 17h20, Grégory n'est déjà plus devant la maison. C'est ça, Daniel. Voilà. Alors, euh, je pense que quand même, euh, on, on sait euh, qu'ensuite, par la suite, il y a eu un témoin tardif avec des aveux qui étaient quand même un peu bizarres, on va dire, particuliers. Euh, moi, je suis pas là pour juger, mais apparemment, il y a aussi une voisine euh, qui était accompagnée par euh, par un ami, euh, donc Madame Clodon, euh, qui aurait vu à 17h15 ou 17. Euh, voilà, il y a eu plein de reconstitutions avec. Euh... Donc, c'était une fermière, elle a ramené ses vaches euh, à peu près de l'endroit où se trouve le pavillon jusqu'à sa ferme. Euh, et donc elle, elle aurait vu euh, en compagnie de Monsieur Colin, euh, Claude Colin, euh, une, elle aurait croisé en fait entre 17h15 et 17h17 un véhicule. Moi personnellement, euh, j'ai du mal un peu avec ce témoignage. Je sais que je vais mettre des gens à dos, mais voilà, c'est comme ça. Il y a quand même pas mal de choses qui sont qui sont un peu particulières, on va dire, sur ces aveux et c'est assez tardif. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bernard Laroche vient chercher Muriel, euh, en gros, à 17h euh, au collège. Ça veut dire qu'il part à 17h. Il faut à peu près 6 à 7 minutes euh, pour arriver au pavillon. Donc, probablement, ce qui s'est passé, c'est que l'enfant a, a été enlevé euh, en, entre 7 et 10. Entre 17h07 euh, et 17h10. Voilà, c'est ce que je pense personnellement. Euh, je vois pas pourquoi il se serait attardé euh, sur les lieux, quoi. Euh, oui, bien sûr. Euh, et, et on a recalculé les trajets. D'ailleurs, ça, ça fait partie des premiers trucs qui m'avaient intéressé. Puisque sur les réseaux, en fait, on entendait qu'il fallait 18 minutes pour faire euh, le collège jusqu'au pavillon. Et puis quand je me suis rendu sur place, euh, j'ai mis ma GoPro sur la voiture, après j'ai regardé, et puis en fait, on était sur du, sur du 6 minutes. Euh, euh, donc, donc voilà, l'enfant est probablement enlevé entre, euh, moi je dirais entre 6 et, euh, et grand max 10, quoi. Je. Ouais. Alors par contre par contre euh, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a Michel, donc le frère de Jean-Marie Villemain, qui dit avoir reçu un appel de revendication du corbeau. On estime l'appel selon le programme télé à 17h32. Hum. Ça va vite, hein. C'est-à-dire qu'il euh, disparaît, tu dis, hein, vers 17h, entre 17h7 et 17h10. À 17h32, il y a Michel qui dit avoir euh, reçu un appel du corbeau. Et il y a aussi un témoignage que je trouve, moi particulièrement, auquel je, je prête beaucoup d'attention, c'est le témoignage de Madame Guyot, que tu as d'ailleurs interviewé sur ta, sur ta chaîne et que je trouve assez, euh, assez passionnant, qui dit avoir vu une forme bleue dans l'eau à l'endroit précis où a été retrouvé le corps de Grégory à 17h30, alors qu'elle revenait de conduire sa fille de son premier jour de catéchisme. Donc pour elle, c'est clair. Que à l'endroit où on a découvert le corps, elle a vu une forme bleue dans l'eau. Qu'elle a ensuite, dans sa tête comme ça, elle a associé ça à un sac poubelle parce que les sacs poubelles de l'époque avaient exactement la même couleur que malheureusement que la de Grégory. Mais ensuite, quand elle a vu les pompiers au même endroit en revenant, euh, elle s'est dit, euh, elle s'est dit, euh, non, c'est son mari, pardon, c'est son mari. Qui a, qui, a, qui a vu les pompiers etc. Et elle a dit à son mari, mais euh, à 17h30, quand je revenais du catéchisme, euh, quand je revenais de conduire la gamine au catéchisme, j'ai vu une forme bleue à cet endroit-là. Et il était 17h30. Donc encore une fois, je trouve que le timing est extrêmement cool. ah ouais. d'autant plus que la lettre anonyme. Alors ça, c'est pareil, c'est un gros point d'interrogation. La lettre anonyme qui a été reçue par les parents. Euh, qui, qui revendique le meurtre. Hein, euh, J'espère que tu mourras de chagrin, pauvre con, etc. Le cachet de la poste, il est à 17h15. Là, là, là vraiment, moi perso, j'ai mon cerveau qui bug parce que je me dis. Euh... Et, et, et ça, ça a été posté euh, à la poste de l'éponge sur Vologne On est euh, d'accord. Ça, euh... ça, on en a pas parlé, mais c'est hyper intéressant parce que ça montre aussi euh, le, le profil psychologique de, du mec qui a fait ça. Parce que des boîtes aux lettres, il y en a partout, complètement isolées. Mais lui, il va choisir de la poster en plein milieu du village de l'épange. Euh, donc euh, à l'endroit où il a enlevé l'enfant. Euh, alors après, ce n'est pas 17h15 précise. Euh, on a vu que ça pouvait s'étaler, il y a quand même beaucoup de marge. Oui, mais euh, le cachet, c'est écrit 17h15, c'est ça, hein Voilà. Mais ensuite, tu sais, les gens qui travaillent à la poste, tout ça ont été questionnés. Nous, on ouais. a leur PV aussi. Et on voit que ça, ça peut être un peu avant, un peu après. Okay. Euh, voilà, c'est pas, pas comme aujourd'hui où tout est numérique et, et, et on a l'heure à la seconde près. C'est voilà, pour s'orienter. Mais ce qui est particulier, c'est que ça a été vraiment posté en plein milieu du village. Euh, après, pour Madame Vieux, c'est pareil. Nous, on a, euh, on a reconstitué en fait, euh, euh, ce qu'elle a dit hein, dans ses procès-verbaux. On a refait les trajets, tout ça. Euh, et on voit que euh, 30 aussi, c'est encore une fois pour s'orienter. Euh, oui. Donc, elle va dire 17h30, mais finalement, on s'est aperçu que le trajet était super loin, c'est quand même plusieurs kilomètres. <laughs> donc, euh, voilà, c'est 30, bah, ça peut aller jusqu'à 40 finalement. Mmh. Donc, on avait calculé 38, je crois. Euh, donc, voilà, il y a quand même beaucoup de marge. Mais Ce qui est sûr, coup... en tout cas, c'est que l'appel à 32, euh, il a eu lieu, ça a été vérifié. Euh, voilà. Tu, tu penses vraiment qu'il a eu lieu l'appel, euh, Daniel, toi Enfin, en tout cas, si on s'en si on tient à ce qu'a dit Michel, en tout cas, euh, lui, ouais. lui il, il va dire voilà, à, à telle heure, j'étais devant la télé et mmh. j'ai reçu un appel au moment où il y avait telle scène euh, dans un film euh, mmh. qu'on a publié d'ailleurs. Euh, donc voilà, on peut dire en tout cas que c'était à cet horaire, quoi, 17h32, euh, qu'un appel a été, euh, a été lancé. Et on sait que, que Muriel, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit quand ils sont revenus, euh, donc après euh, qu'ils soient revenus sans l'enfant, il s'est arrêté encore une fois à l'éponge. C'est ce que dit Murel euh, dans, oui. dans ses aveux. Pour la poste. Euh, la, la pelle, là, la 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 voilà. Elle n'arrive pas trop à décrire ce, voilà pourquoi, mais euh, c'est ce qu'elle va dire. Alors après, elle dit l'éponge, mais ça peut être aussi Décimon qui est euh, accolé à l'éponge. Euh, euh, en tout cas, euh, il y a une possibilité voilà, que ce soit à ce moment-là que l'appel ait eu lieu. Mmh. Et, techniquement, ouais. euh, entre l'enlèvement et. Alors, pas l'enlèvement. Entre l'arrivée. À Dossel, en voiture et l'appel. Je sais que tu as fait les chronos, euh, Daniel. Ça, ça, ça laisse combien de temps pour... Euh, si jamais c'est bien Bernard Laroche qui a fait le coup, si jamais c'est lui qui, qui, a, qui a tué Grégory, ça lui laisse combien de temps pour faire cet acte odieux Voilà, encore une fois, ça dépend de plein de paramètres, il y a plein de théories différentes. Mais si on part du principe qu'il part à 17h du collège euh, et qu'il faut à peu près 6 minutes... Euh, Allez, s'il si y a un pépé devant lui, il va mettre 7 minutes, donc il arrive à 17h07 au pavillon. Il faut à peu près une minute, une minute trente pour poster la lettre. On, oui. on pense qu'elle a été écrite à l'avance, cette lettre. Hein. Oui. Donc il poste, il poste sa lettre. Euh, et ensuite, il faut, euh, si je me souviens bien, je crois que c'est 6 à 7 minutes aussi pour arriver à Dossel. Donc on voit, on a l'impression que c'est des villages qui sont éloignés, euh, mais finalement c'est une, une longue route euh, et, et ça va assez vite. Donc, euh, il a largement le temps. Là où ça pose problème, c'est vraiment au niveau des déclarations de Muriel qui va dire qu'après Dossel, il a ramené à Omonzé. Euh, mais ça, ça a aucun sens. Parce que s'il était retourné à Omonzé, il serait parti avec sa voiture, donc à mes 8 breaks, pour aller chercher le vin. Et il, oui. aurait, il aurait laissé Sébastien à Muriel chez Louisette. Euh, parce que bon, prendre, euh, je ne sais pas combien de cartons, là, 150 bouteilles de vin, euh, finalement, lui, il va dire qu'il a laissé Sébastien à la caisse parce qu'il a dû prendre un deuxième chariot alors que c'est un enfant qui ne doit pas rester seul parce qu'il ah. a euh, quelques difficultés. Euh, ouais, voilà, que on se... voilà. dit, Daniel, moi. Ou, ou alors, à, à moins que la Mi8 Mi servait à autre chose, tu vois. Mais Marie-Ange, elle travaille, non euh, Marie-Ange, elle, elle, elle se rend comment sur son lieu de, de travail Alors, elle y va en bus. Elle travaille non, à, dans une ville qui s'appelle Gérardmer, une usine, une usine de profilage. Donc, je crois qu'ils font des... Des pneus ou quelque chose comme ça. Ok, ok. Et elle, le soir, quand elle rentre, donc il euh, y a un arrêt de bus, pas très loin de chez Bernard. Et Bernard laisse toujours la voiture de, de Marie-Ange devant sa tante, chez sa tante Louisette. Et ensuite, euh, Marie-Ange prend donc cette fameuse 305 verte. Elle rentre à 21h. Hein, et elle remonte euh, jusqu'au domicile euh, des Laroche, hein, donc chez elle. Euh, parce que ça remonte, il y a quand même une sacrée cote. Euh, euh, donc bon, euh, voilà. Mais en tout... En mmh. tout cas, en tout cas, en tout est pour tout. Ça veut dire que l'enfant aurait été enlevé, euh, ficelé, enfin, euh, guy ou tué, ficelé, jeté dans la vologne en une de... et plus la lettre de revendication, plus l'appel, tout ça en une demi-heure, quoi. Mmh. C'est complètement hallucinant, je trouve. C'est surhumain. Ouais. Bah après, en fait, sans être surhumain, ça, ça dénote d'une forme de détermination. Euh, une frénésie, oui. Absolu. C'est-à-dire que soit, soit le gars, effectivement, il, mentalement, il, sait, il, sait toujours, euh, il a toujours visualisé tout ce qu'il ferait, et le jour J, euh... tu sais, des fois, les, les pilotes d'avion, euh, ils refont les mêmes mouvements dans, dans le vent, tu sais, juste euh, ouais. pour, pour, pour un petit peu la mémoire du geste, tu sais. Ça se trouve. Euh, optimisé. optimiser. Voilà, ouais. ça se trouve, il s'est fait mille fois le scénario, il s'est fait mille fois les, les chemins qu'il prendrait, il sait exactement à quelle cabine il appellerait, etc. Et puis ce jour-là, tout passe crème, c'est envisageable. Hein oui, Et oui. oui c'est oui, vrai oui. que ça me... Waouh, je me dis... Euh... C'est vrai que moi, ce n'était pas envisageable. Euh, en 2017, surtout qu'il faisait état de ce qu'avait dit Muriel, le retour à Omonzet. Donc moi, je pensais vraiment deuxième équipe. Mais avec le travail de Daniel, on commence à, à voir que c'est réalisable. Que c'est réalisable par un, par un homme qui connaît bien la région, euh, qui a répété son plan, etc., qui a fait du repérage parce qu'on sait que... Si c'est Bernard Laroche, une voiture similaire a été vue à l'école de Grégory dans les heures de midi, avant midi, en début d'après-midi aussi devant l'école. La voiture a été vue à circuler les jours précédents. Donc, de toute façon, c'est un acte prémédité. Maintenant, maintenant, on le sait, tout se, tout se recoupe. Je oui. dis bien, si c'est Bernard Laroche, si c'est pas une autre personne qui a une voiture verte. Alors, après, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis par rapport au repérage. Alors, c'est vrai qu'il y a, y, a y a une voiture verte qui a été repérée euh, la veille et le jour même euh, devant l'école euh, ouais, à, à midi, midi 15 et ensuite 13h20, un truc comme ça. Oui, oui, oui. Mais elle a été vue fréquemment. Vu, j'ai fait un par rapport au travail de Daniel, moi j'ai fait un petit relevé. Elle a été vue à 11h30 le, le 8 octobre, à 13h le 9 octobre, à 13h le, le, le 11 octobre. Euh, alors, il y a même, même description, descriptions, Daniel va peut-être me donner plus de précision, mais tu as, as même le chauffeur qui a été vu, euh, moustache tombante, yeux globuleux, cheveux ondulés, à 11h30 le 8 octobre, à 13h le 9 octobre, à 13h le, le, le 11 octobre. Alors, moi, euh, moi, pourquoi je trouve ça intéressant euh, surtout le jour même et, et, et la veille, c'est parce que euh, c'est parce que le, le, la semaine précédente, le Grégory n'est pas allé et à l'école. Donc le 16, on est un mardi, donc euh, le 15, on est un lundi. On peut imaginer que le gars veut s'assurer que Grégory soit à l'école. Et pour s'assurer qu'il soit à l'école le matin et qu'il y retourne l'après-midi, ben, les heures correspondent. C'est-à-dire euh, il peut, ouais. peut guetter ah, la sortie. Euh, oui, et ce qui qu est intéressant, Run, c'est le fait qu'il y a de la surveillance qui a été faite avant que Grégory tombe malade. Et que quand il est malade, je... si le 15, tu as eu de la surveillance, le 15, a de la surveillance, je... il avait repris l'école le 15, Daniel Grégory euh, Ouais, je crois que c'est ça, ouais. En tout cas ce qu'on sait, c'est que le 15, il est resté 5 minutes dehors, euh, ouais. parce qu'il était malade, il n'avait pas le droit de rester dehors, euh, mais est il n'est pas resté longtemps. Euh, Donc voilà. tu Après, pour tous, que ces, que proche, tous ces hein. témoins euh, la personne qui a vu euh, quelqu'un devant l'école, tout ça, connaissait Bernard Laroche, parce qu'il était marié ah oui. à une cousine. Euh, mais bon, il se connaissait euh, de, de loin, vie. on va dire, mais il se, il se connaissait quand même. Et le mec va quand même dire, si c'était Bernard Laroche, je l'aurais reconnu. Donc ça, il faut le dire aussi, il hein, faut être honnête. Ah, donc, il dit, il, donc, donc il ne reconnaît pas Bernard Laroche. Voilà, alors ensuite, euh, on sait qu'il il connaissait quand même bien la famille. Donc, euh, c'est Michel Derudé, il s'appelle. Hein. Euh, lui, il va changer aussi au, au fur et à mesure euh, que les années passent, il va modifier un peu ce qu'il dit. Qu au début, il va dire Oui, euh, je l'ai vu aussi en lisière de, de forêt avec une arme. Avec un fusil, euh, ouais. Mais j'ai pas osé le regarder. Euh, euh, et puis plus tard, il va dire ah, Je l'ai regardé droit dans les yeux. Enfin, en gros, hein, j'exagère un peu, mais oui, c'était pas, pas Bernard Laroche. Quoi. Euh, mais c'est vrai que potentiellement, c'est juste euh, quelque chose qui a rien à voir avec l'affaire. Par contre, il y a une voisine euh, au HLM euh, où habitait la nounou euh, qui, elle, ouais. a vraiment reconnu Bernard Laroche. Elle a dit Oui, c'est ça. Ce que je te dis, euh, Daniel, c'est euh, le chauffeur, alors, le témoignage de la, de la dame au niveau de l'HLM, c'est chauffeur, moustache tombante, yeux globuleux, cheveux euh, épais. Ouais. Alors, moi, ça. Moi, moi, pour rentrer dans les détails, je trouve pas, voilà, je trouve pas perso qu'il qu ait les moustaches tombantes, hein, les moustaches de Bernard Laroche. Ah, il y a des photos, il les a tombantes. Hein. Ouais. Mais, euh, mais il se dit, alors je ne sais, sais pas si tu as gratté par rapport à ça, Daniel, mais il se dit qu'il y a eu du passage au coiffeur et puis euh, rectification de, de look de certaines personnes de la famille. Alors ce pas forcément une preuve de culpabilité, mais c'est justement du fait de dire Putain, j'ai pas envie qu'on m'accuse, je vais, euh, vais léguer un petit peu tout ça, parce que le, le con qui a fait le coup, le, le portrait robot qui est, qui est montré à la presse, me ressemble un petit peu. Alors ce n'est pas forcément un signe de culpabilité, ça remonte les, en, les enquêteurs aussi. J'ai entendu parler de ça, Daniel. Je ne sais pas si tu as, as eu vent de ça aussi, de, de Passage chez le coiffeur, ou euh, j'ai lu ça dans un bouquin, dans le livre Le de, de bûcher des innocents. Oui, en fait, il y a un témoignage d'un cousin euh, qui s'appelle Marc Jacob. Et lui, il va dire Oui, euh, quelques, quelques jours après le crime, euh, quand les portes robots ont été diffusés, Bernard a coupé euh, ses, ses favoris. Euh, sauf que nous, on, a, on est retombé bien plus tard, parce que j'y croyais un peu aussi. On a pu débunker ça parce que Jean-Marie est lui-même questionné là-dessus. Et il lui dit, mais Bernard Laroche, est-ce que ça pourrait être l'homme au portrait robot Et Jean-Marie, il n'y croit pas. quoi. Et puis il lui disent, oui, mais il avait quand même des favoris, Bernard Laroche. Et Jean-Marie, il dit, non, il en avait pas. quoi. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance à Jean-Marie Villemain, mmh. qu'à mais... d'autres personnes. Oui, c'est Mais le portrait robot, alors, encore une fois, c'est un feeling perso, mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il ressemblait plus... Alors, je ne dis pas qu'il ressemble à, mais il ressemble plus à Marcel, Marcel Jacob qu'à Bernard Laroche. Je parle du portrait robot connu, hein, Damien, si tu. Si ah, les tu dieux. Veux bah, euh, Damien, c'est Marcel Laroche, il est qu'un chien, je t'ai envoyé plusieurs photos de lui. C'est euh... bah, Marcel Jacob. Mais tu ah, sais, c'est les, 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 les favoris, quoi, les et, et, et la forme de la moustache qui me fait surtout plaisir. Les dieux aussi, parce que Bernard Laroche, il a vraiment des yeux beaucoup plus ronds, globuleux, comme on dit. Hein. Peu tombant un peu triste. Euh, ouais, ouais ouais ouais. Et, et après, après, après il y a peut-être aussi le fait que c'est une représentation en noir et blanc, donc forcément ils ont mis les moustaches noires et les cheveux noirs. Mais du coup, bah, moi ça me fait fatalement penser un peu plus à Marcel Jacob, même si ça se trouve, trouve c'est peut-être absolument pas lui. C'est peut-être c'est des gens qui ont les moustaches dans les années 80. Euh, Masse, hein. Tous les potes de mon père ils avaient des moustaches. Hein. Ah oui, <laughs> c'est pareil. Mon donc, père en avait bah aussi. <laughs> c'est ça, quoi. Donc, euh, donc ça ouais. veut rien dire, mais 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 ouais, ouais c'est c'est parlant là ce que nous a mis C'est très, très nébuleux et en même temps, il euh, y, y a plein de choses qui, qui s'éclairent s'éclaire aussi. Euh... Alors, Alors, on, sur le... on peut dire quand même plusieurs choses par rapport à ces portraits robots. Mmh. Déjà, ce qui est fascinant, c'est que. Le portrait robot numéro 2 et le numéro 3, ils sont identiques. On peut les Sur Photoshop, on peut les superposer, mettre un peu de transparent. C'est exactement le même. Donc là, déjà, on se pose la question, comment deux personnes qui ont rien à voir l'une avec l'autre peuvent faire exactement la même description Alors que par exemple, avec le grillé, euh, on a vu que c'était pas tout à fait ça. Ouais, mais il y avait euh, combien donc... de choix de... Tu sais, s'il y avait pas beaucoup de choix de yeux, ni de moustaches, ni de cheveux... C'est comme ça que ça marche. Ah c'est à main libre, c'est de du dessin Non, non, non c'était avec des, avec des calques. Ah oui, d'accord. Des... Ah, voilà, okay. ah, oui, euh, des choses prédessinées, mais on voit qu'ensuite au crayon, la moustache a été un peu. Bon, oui, ça, c'est déjà une chose. Et ensuite, okay. pour le tenancier, donc, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, le café de la Poste, l'hôtel de la Poste, mmh. à Dossel, euh, il faut vraiment avoir quelque chose en tête. C'est qu'il ne dit pas qu'il l'a vu qu'une seule fois. Il dit qu'il l'a vu deux fois. Et la première fois, c'est à 16h30. Et en okay. fait, on sait que Marcel Jacob, lui, euh, S'il a une possibilité de sortir, c'est à, à, à partir de 16h45. Parce que jusqu'à 16h45, il a une réunion de, du comité d'entreprise de l'usine Walter à Monzé, et les patrons sont présents. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on a appris récemment. Les patrons étaient présents, tout ça, donc il n'y avait pas euh, moyen de faire ça. Donc, euh, l'hypothèse, c'est toujours de dire, est-ce qu'après, ça, il aurait pu partir euh, Mais ce qui est sûr aussi, c'est que Corneli lui, il a dit, je reconnaîtrai cette personne parmi 100 personnes la personne qui l'a vu. Euh, or, il n'a pas reconnu Bernard Laroche, donc ça c'est plié, et euh, il était encore vivant en 2017. Moi, j'ai vu nulle part qu'il avait reconnu euh, Marcel Jacob, sachant que Marcel Jacob, à 6h30, il ne peut pas être à Deuxailles. Il peut être plus tard, la deuxième fois qu'il voit, je crois que c'est à 17h30, euh, ou peut-être un peu avant, je ne me souviens plus très bien. Euh, mais voilà, ça, ça rend la chose compliquée. Oui, puis même euh, ça prouve rien, quand bien même. Euh... Et, et ça prouve rien. Et en plus, là, ce qu'il dit en fait, Cornelis, il dit oui, alors il y a un mec qui est venu, il avait l'air un peu nerveux, il regardait tout le temps sur l'horloge, euh, et puis il avait la pointe. Euh, c'est tout quoi. Ouais, c'est euh, sûr. Euh, voilà, sachant qu'en plus c'était un informateur des gendarmes. Oui. Euh, donc voilà, on ne sait pas exactement dans quelle dans quelles conditions. Et ce café il est, juste, euh, il est juste à quelques mètres de l'endroit où on a retrouvé le corps. Donc même d'un point de vue stratégique, quand on voit tout ce qui s'est passé avant, le corbotage, ce que je disais tout à l'heure, il y a un côté euh, social engineering où il va vraiment euh, manipuler les uns. Je pense pas qu'il soit bête au point d'aller dans un café, euh, même avec un complice euh, qui est si proche, euh, et de se faire remarquer à deux reprises. Euh, donc ça, bon, il y a eu ce portrait robot, on a essayé de le, de le mettre quelque part. Euh, moi, je sais pas trop où le mettre, mais c'est que mon avis personnel. Ouais. Ouais. Et puis après, on part dans des hypothèses. En fait, c'est ça qui est terrible dans cette histoire, c'est que à chaque élément, il y a de multiples embranchements et on, et on peut s'y perdre facilement. Quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour, pour revenir un peu sur Bernard Laroche, moi, je me suis amusé à faire deux colonnes, euh, en, en gros, les motivations, ou plutôt la haine que Bernard Laroche aurait pu éprouver à l'encontre de Jean-Marie Villemain. Donc, on a dit tout à l'heure que, euh, que Jean-Marie Villemain était devenu contre-maître. On sait que Jean-Marie Villemin a occupé le poste de contremaître sans CAP. Bernard Laroche, lui, avait un CAP et est devenu contremaître après Jean-Marie Villemin. Son enfant, Sébastien, est né avec un, un handicap, un handicap avec une, un kyste à la tête, c'est ça, qui l'handicapait. Grégory, tu vois les photos, c'est un enfant en pleine santé, un, un enfant vraiment radieux. Quand tu vois Sébastien Laroche à l'époque, tu vois qu'il a du mal à marcher, etc. Il y a vraiment deux poids deux mesures tu as un enfant lumineux puis un enfant malheureusement qui est en souffrance. Euh, Bernard Laroche a une, une petite une maison une maison assez standard sur, sur, un, sur un terrain euh, qu'il a hérité de son père, une maison une maison euh, traditionnelle. Jean-Marie Villemain, on voit qu'il a un pavillon, un beau pavillon aéré avec un terrain, euh, on voit que c'est assez sympa quoi, c'est un peu un peu reculé de tout le monde, il s'est mis un petit, peu, un petit peu en retrait. Et dans notre entourage, de toute façon, on a toujours entendu oh, T'as vu, il a une grosse baraque, si ça, ça. On sait que la maison, euh, chez l'être humain, c'est souvent une source de jalousie. Euh, après, tu t'aperçois, tu, tu, tu quand tu grattes un petit peu vers la roche, qu'il a tendance à brancher les femmes euh, des uns et des autres. Euh, il a branché Christine Villemin, il a, pris un, il a pris un revers, il lui a fait du pied durant une soirée, et il, il s'est fait, euh, fait gentiment bouler. Euh, bon, il avait marié Ange à la roche, mais tu vois que c'est pas les deux mêmes femmes non plus. Quoi. Tu, tu vois qu'on a une peut-être un peu plus classique et que Christine Villemain, bon, à l'époque, elle est comme son, comme son petit, elle est, elle est radieuse. C'est une très belle femme. Donc, tu, tu, tu prends toutes ces, euh, peut-être ces frustrations de Bernard Laroche à l'époque, même si elles sont démenties par euh, Marie-Ange Laroche en disant euh, non, non, on n'avait rien à envier aux Villemain et tout ça. Si, si, tout, 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 montre que les Villemains avaient une belle vie, une vie euh, avec de la réussite, avec un bel enfant. Euh, L'avenir à l'époque leur, leur, souria, leur souriait vraiment avant ce drame-là. Donc, on peut comprendre surtout le fait que, Jean-Marie euh, Jean Villemain soit devenu contre-maître alors ça c'est la goutte d'eau qui a dû faire déborder un petit peu le vase sans CAP et que Bernard Laroche malgré son CAP ait vécu une période de chômage et n'a jamais pu occuper euh, n'a pas occupé ce poste-là avant Jean-Marie mais, mais au-delà de ça aussi pardon euh, Daniel non non vas-y ouais je disais au-delà de ça aussi il euh, y a un truc qu'on n'a pas évoqué c'est que dans la tête de Bernard Laroche lui il n'est pas sûr que son père soit son vrai père ouais bien sûr donc ça c'est quelque chose d'important aussi parce que euh, bon déjà, premier petit détail entre guillemets, c'est quand le papa de Bernard Laroche meurt malheureusement d'un cancer, euh, son cousin, donc euh, Jean-Marie Villemin, ne va pas voir le, son père agonisant, parce qu'à l'époque on pense que le cancer se oui, transmet et Jean-Marie est le filleule. Jean-Marie Mar Laroche. Voilà. Et deuxièmement, euh, quand, la maman, euh, quand la maman meurt, la maman de, de Bernard Laroche meurt, elle tient à ce qu'on appelle son fils Albert. Et ça, c'est pareil, ça a suscité nombre de questions dans la famille, parce que Albert, forcément, ça ramène à Albert Villemin. Et, et je pense que. Euh, et, je pense, et en plus, la maman a dit qu'il qu existerait une lettre qui serait destinée à Bernard, auquel Bernard n'a jamais eu accès. Donc. Mm. Ça, je pense aussi que c'est un élément qui pourrait être déterminant dans, dans, dans la psyché de, de Bernard Laroche, encore une fois. C'est-à-dire que au fond de lui, il ne saura jamais s'il est vraiment le fils de son père. Et potentiellement, oui. potentiellement il pourrait être, dans, dans, son, dans sa tête, hein, il pourrait être un fils Villemain rejeté. C'est ça. Surtout que sa mère avait été surprise au lit avec Albert Villemain. Il se dit ça, après on n'y était pas. Voilà, c'est ce qui est dit. Ce qui est dit du temps où il vivait dans les cités HLM. Daniel, tu nous, tu nous rattrapes si on dit des bêtises. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça, c'est une théorie qu'on qu connaît un peu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce corbeau, il va cibler Roger Jacquel. Et Roger Jacquel, on lui pose la question, on lui dit Est-ce que vous avez eu des relations avec euh, la grand-mère de Grégory, Monique Villemin Ils sont de la même génération. Et lui va dire Non, non, pas du tout. Par contre, j'ai eu des relations avec sa sœur, euh, Thérèse Jacquel, oui, qui est la mère, donc il dit ça sur PV, euh, des relations sexuelles avec la, la mère de La Roche. Quand on voit que le corbeau a ciblé quand même pas mal euh, Jacquel ça pose question. Et j'aimerais bien apporter aussi une autre précision, parce que là, tout le monde dit « Oui, mais finalement, Bernard, il avait deux maisons. » Et ce qu'il faut savoir, et ça, euh, on ne nous le dit pas, hein, parce que Marianne, j'ajoute toujours là-dessus, en fait, en disant « Mais nous aussi, on allait bien, euh, on avait ouais. une voiture, tout ça. » Mais en réalité, on a compris que le corbotage, il commence vraiment à partir de septembre 81. Euh, donc, euh, l'enfant de Laroche, il naît à peu près, il naît dans les années 80, et en 81, euh, l'usine de Bernard, a mis la clé sous la porte. Du jour au lendemain, en fait, ils sont pas prévenus. Euh, ils arrivent à l'usine et il euh, y a déjà un, un liquidateur et, et c'est fini. Donc, les ouvriers de l'usine en selle à Grange-sur-Volaine, ils vont se battre euh, pour que les huissiers ne puissent pas euh, euh, saisir les machines, etc. Et en fait, cette période de, ch de chômage de Bernard, elle commence donc en 81. Euh, je crois que c'est janvier-février 81. Et l'usine va rouvrir que en janvier-février, pareil, 82. Euh, il faut savoir que Bernard, lui, il avait fait donc euh, euh, Tisserand, donc il avait une formation de Tisserand. Euh, sauf que ça marche plus du tout, euh, et, et donc quand l'usine euh, rouvre en 82, début 82, la plupart des salariés doivent faire une formation qui va durer six mois. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de janvier-février 81 à juin 82, Bernard il travaille pas. Donc ah ouais. déjà, il a, il a tout le loisir euh, de, de téléphoner. Euh, donc apparemment, il faisait un peu du bois, des choses comme ça, mais aussi. Et ça, c'est important. Euh, il n'est pas seul chez lui. Euh, il a aussi à sa charge euh, Isabelle Boll, qui va faire des séjours euh, plus ou moins réguliers. Il y a des périodes où elle sera pas là, mais euh, elle est quand même là euh, euh, pendant plus d'un an. Et, euh, et ils sont seuls en fait les deux. Euh, et, et dans cette affaire, on entend souvent parler euh, d'une voix féminine, d'une voix masculine. Euh, et, et donc, on va s'orienter souvent vers des personnes connues du dossier. Euh, mais on voit qu'il y a certaines choses. Donc, pour remettre en, en perspective, euh, Bernard, il vient de faire construire sa maison, euh, donc à crédit évidemment, et du jour au lendemain, euh, il perd son job. Euh, il va demander de l'aide à Jean-Marie, il demande s'il s'embauche à, à Autocoussin. Jean-Marie va dire non, non, euh, il s'en fout un peu, quoi. Pas euh, suite, hein. Donc là, ils ont vécu une, une seule période. Pour la voiture, c'est pareil. En fait, cette voiture, ils l'ont achetée quand Ils l'ont achetée en juin 82. Quand le un peu plus tard d'ailleurs quand le père de la roche décède parce que là il va toucher un héritage et donc ce qu'il faut comprendre c'est que entre janvier février 80 jusqu'au moment où il touche cet héritage il galère et justement c'est cette période où le corbotage commence et où l'argent est très présent en fait dans dans ce que dit le corbeau donc voilà ça c'est je pense que c'est crucial de, de le comprendre bah, et la facture téléphonique euh, explose chez, chez Bernard Laroche, mais aussi euh, visiblement chez les Jacob. Il euh, y a une surconsommation, ouais, de téléphone, ça c'est sûr. Voilà, et chez les Villemins aussi, et donc après il y a trente 000 explications. Euh, en tout cas, effectivement, il y a des notes de téléphone. Alors pour Bernard, je crois que c'est plutôt 84, euh, à une période où Isabelle Boll revient chez eux. Euh, et donc elle, elle va dire qu'elle appelait euh, son, son compagnon de l'époque qui était euh, qui faisait son service militaire en, en, Allemagne. en Allemagne de l'Ouest, et, euh, et donc a donné 50 francs pour chaque euh, communication au, au La Roche. C'est comme ça qu'ils vont justifier le truc. Euh, mais après apparemment ça c'est pas un élément qui peut être utilisé euh, pendant un procès parce qu'à l'époque il y avait quand même plein d'erreurs sur les mmh. comment on appelle ça sur les, les oui. ouais. donc il y avait des gens qui se retrouvaient avec des factures pas possibles et c'était des erreurs euh, euh, des PTT à l'époque. Euh, donc, c'est quelque chose qui est cont contestable, en fait. Donc, euh, ça ne servira pas à grand-chose, mais c'est quand même intéressant. Bah, et Puis, en même temps, euh, si tu veux corboter, euh, tu n'as pas meilleur alibi que celui-là, en fait. S'il y a quelqu'un, justement, qui téléphone régulièrement dans un pays étranger, tu peux justifier facilement une note de téléphone élevée par, par, juste par ça. Donc, euh, et... c'est toujours le serpent qui se mord la queue hein, ouais. en termes de, de, de prétexte et d'alibi, quoi. As une chose intrigante par rapport à Isabelle bol aussi sœur de Muriel euh, c'est qu'Isabelle bol est tombée, euh, est tombée enceinte et euh, apparemment enceinte de son copain de l'époque et elle a été avortée très rapidement et mise à la porte par euh, marie ange Laroche aussi. C'est ça Daniela. Voilà c'est ça c'est un peu complexe parce que il y a plusieurs versions quoi mais en gros euh, elle tombe enceinte elle doit avorter donc logiquement bah, moi j'aurais tendance à me dire une sœur, elle va soutenir euh, sa sœur qui doit avorter. Et là, elle va être euh, renvoyée chez elle quoi, euh, par Marie-Ange. Euh, Louisette le dit aussi, app apparemment c'était une brouille au sujet d'une blouse de travail. Donc euh, comparé à la situation dans laquelle sa soeur se trouve, elle vient d'avorter, et une histoire de blouse de travail, ça paraît un peu, ouais. un peu particulier. Complètement. Donc tu, que vous, ça veut dire quoi en gros que euh, potentiellement on pourrait éventuellement suspecter qu'il y a une histoire entre euh, Isabelle et Bernard je bah, mets les pieds dans pas, le plat, hein, mais c'est pour comprendre. Je que Bernard s'ennuyait l'après-midi et qu'il aimait bien passer son temps euh, éventuellement à faire autre chose que la télévision. Tu veux dire ça, Ron C'est ça ah, Je sais pas, je pose la question <laughs> par à... non, mais oui. On y pense tous. <laughs> Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ça se passe quand même en 84. Euh, donc, franchement, je pense pas. Mais en tout cas, la réaction de Marianne, j'ai particulière. Euh, et puis, c'est un peu. On ne sait pas trop. Euh, c'est une possibilité, mais maintenant, je pense que c'est pas ça qui est crucial avec euh, Isabelle Boll. C'est plutôt la période 81-82 où elle, elle travaille pas du tout en pension chez Laroche et Laroche qui travaille pas du tout non plus. Euh, et finalement, on est dans une période où il y a du corbotage. Euh, voilà. Euh, c'est particulier, sachant qu'en plus, quand on, on retrace un peu les appels, la chronologie des appels, on s'aperçoit que euh, Marie-Ange dit qu'elle aussi, elle a reçu des appels. Euh, d'une voix féminine et là la voix féminine disait à Bernard je t'aime je t'aime lui déclarer son amour alors que avec toutes les autres personnes qui ont e été corbotées, donc elle, elle va dire que ça commence en février 81 les autres ça commence en septembre donc Bernard euh, vraiment alors que cette voix féminine elle harcèle tout le monde Bernard lui il a réussi à la séduire euh, donc voilà moi, je trouve ça un peu euh, ouais. un peu particulier les premiers, voilà les premiers appels du corbotage c'est chez Marie ange Laroche alors, dans le dossier, les premières traces qu'on trouve, ouais, c'est, euh, si je me souviens bien, c'est ça. Alors, euh, ça, c'est fou, fou parce que, enfin, c'est fou. Dans, dans, dans le film de Clouzot le corbeau, qui est une espèce ouais. de mode d'emploi du, du corbotage, euh, le premier à être corboté, finalement, c'est le corbeau, entre guillemets. C'est un, un peu ça. une des règles d'or euh, du truc, en tout cas dans, dans le film, c'est comme ça. <laughs> Donc c'est pour ça que, je, tu vois, je ne savais pas, moi je croyais, que le, je croyais que les premières traces de corbotage, c'était chez Albert et Monique. Et est-ce que tu t'es amusé, Daniel, à voir si le film avait été diffusé à la télévision, Le Corbeau de Clouzot, ou au cinéma à proximité, ou à la télévision juste avant les faits Oui, oui, on l'avait fait. Euh, on avait travaillé avec... Euh quelqu'un qui avait fait une capsule là-dessus, euh, spécifiquement sur euh, le corbeau, et essayer de trouver des parallèles. Et donc on avait fait les recherches, et effectivement il avait été diffusé, mais je me souviens plus de la date. Euh, mais en tout cas, c'était un film qui était connu quand même. Euh. Ouais, euh, il, ouais, ouais. il aurait pu s'en inspirer. Euh, nous, on s'est aussi toujours posé des questions, pourquoi est-ce qu'il est passé aux lettres euh, Et puis après, si on va plus loin dans le dossier, il y a d'autres personnes aussi qui ont été corbottées. Euh Ça part un peu dans tous les sens, et, et on dit souvent qu'il s'arrêtait en 83 euh, Jusqu'en 84, mais on voit qu'à cette période, il y a d'autres personnes qui vont être harcelées comme ça et, et plus les lèvilliment. On ne sait pas trop pourquoi. Euh, Peut-être parce qu'il a réussi son coup, il a réussi à isoler euh, Jackie euh, et il essaie d'isoler un peu Jean-Marie. Euh, mais en fait, on a l'impression que ça s'est jamais vraiment arrêté, quoi. Mm. Mais il y, ah. y a aussi un élément déterminant, je trouve, en tout cas, si, si on si on, on veut rentrer dans la psyché du corps du du Corbeau, et si dans l'hypothèse où ce serait Bernard Laroche, c'est euh, cette fameuse visite euh, de Michel chez euh, Jean-Marie Villemain, euh, genre trois jours avant euh, l'enlèvement, avec cette fameuse séquence du, du canapé en cuir. Euh, ça, c'est ça, c'est pareil. C'est quelque chose que je trouve euh, parce que on est d'accord que le corbeau, pendant un an, on n'en entend plus parler, et d'un coup, il revient en force, mais enfin, c'est c'est. C'est vraiment particulier, je trouve. Euh, tout à fait. Je sais pas si c'est vraiment le canapé. Euh, en tout cas, ça a dû bien l'énerver, c'est sûr, hein, de voir un Jean-Marie qui réussit, euh, et euh, qui, qui le flambe montre. un peu, et qui le montre. Euh, par contre, ce qu'on sait, c'est que euh, Michel était en froid avec son père. Et on suppose, on dit, bon, si c'est Bernard, son meilleur pote, c'était Michel. Michel était une pipelette. Euh, euh, et puis, en plus, il était haineux. Il hein, y a plein de gens qui disent, Michel, euh, il y avait la haine contre tout, toute la famille, finalement. Michel est en froid avec Albert. Et il veut plus lui parler, et, euh, et Monique va lui reprocher, et, et ils s'entendent plus non plus, euh, et il envisage même de se séparer de Monique. Euh, donc on, on sait oui. pas exactement la date, mais on sait que durant l'été 84, donc c'est peu avant le crime. Euh, finalement, t'as tous les frères et sœurs, t'as Albert aussi qui participe, euh, tout le monde sauf euh, Monique et Michel, euh, qui sont chez Jean-Marie, qui l'aide à réparer, enfin, à agrandir son garage, des choses comme ça. Euh, Michel et Monique sont isolés. Donc, on peut se dire aussi que le corbeau est privé d'une source d'information. Euh, parce que moi, je pense que Michel, il a surtout servi de, de courroie de transmission au corbeau, euh, parce qu'il racontait tout. On sait que Monique était une pipelette. Et donc, si, euh, si dans cette euh, séquence, euh, comme nous, on l'a compris, il euh, y avait un froid entre Michel et Albert, euh, que, les, que les enfants, Albert, ils avaient plutôt tendance à rester chez Jean-Marie, et systématiquement, Jean-Marie ne demandait pas à Michel de venir. Euh, ben, le corbeau, il n'avait pas vraiment d'informations. Euh, il ne pouvait pas jouer avec eux en disant Ah, Je sais que vous avez fait ceci, cela. Euh, en plus, on suppose qu'il est plutôt au Monzé euh, et que depuis chez lui, il voit un peu euh, euh, ce qui se passe au niveau du pavillon d'Albert et, et Monique. Là, ça se passe dans, dans un autre village, à l'Épange, et il n'a personne pour lui raconter ce qui s'y passe. Et on sait que dans cette période, euh, été 84, donc tu as. Euh, la sœur, le frère, il, je crois que même euh, le beau-frère et la sœur de Jean-Marie restent une semaine euh, au pavillon. Ils passent des vacances une bonne entente. Et Bernard euh, passe un peu à l'improviste. Oh. Il va demander une règle à béton euh, à Jean-Marie et on, on peut avoir l'impression qu'il regarde un peu ce qui se passe parce qu'il il, il a plus d'informations, quoi. Parce que Monique et, et Michel vraiment, à cette ouais. époque sont, sont isolés, quoi. Ah ouais, la fameuse règle à béton, j'ai entendu parler de cette affaire-là, ouais, effectivement, ouais, ça paraît bien suspect. Tu as ça et tu as également l'appel, tu sais, chez, euh, chez Jackie, du corbeau, euh, où Bernard appelle juste derrière. Tu, tu peux éventuellement, ou toi, ou Ron, parce que je sais que Ron connaît bien cet événement-là aussi. Vous pouvez relater un peu les faits, les gars. L'appel du corbeau et l'appel de Bernard juste derrière, comment ça se déroule déjà Ouais, moi, au niveau des dates et tout, je vais être un peu perdu. Moi, moi tout ce que je sais, c'est que j'ai fait un... Justement, pour préparer le live, j'avais euh, fait une, un, un test. Je suis tombé ouais. sur une intelligence artificielle qui s'appelle lalaï.com, euh, où on peut, euh, sur n'importe quelle musique, tu vas mettre absolument n'importe quelle musique, il va te séparer toutes les pistes. Euh, euh, tu vois le, le, toutes les pistes, la basse, la voix etc, etc. et j'ai vu aussi qu'il y avait une fonctionnalité qui permet de supprimer euh, les, les bruits et je me suis dit bah tiens je vais l'essayer sur la voix du corbeau et euh, donc euh, du coup je suis allé euh, sur, le, sur le Discord de, de Daniel j'ai récupéré des enregistrements du corbeau et effectivement, il y a un enregistrement du corbeau où euh, où il y a. Bah, écoute, Daniel raconte parce que c'est vrai que moi, je, je pense que j'ai mêlé les pinceaux sur les dates et sur les protagonistes. Mais en tout cas, il y a un appel du corbeau mmh. euh, qui, 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 qui demande, enfin qui, au sujet la ah, partie de belote. Ça. Ah oui, oui, ok. Alors je sais pas si vous l'avez, ce serait bien de l'écouter. Euh, mmh. Mais sinon, je peux, je peux essayer de restituer le truc. Euh, en gros. Jackie et Liliane vont recevoir un appel. Et euh, Liliane, elle avait un dictaphone, je crois, parce qu'elle travaillait pour un journal local. Donc elle enregistrait les appels. Euh, et ça intervient à une période où tout le monde est fâché avec euh, Jackie et Liliane, pense que c'est eux les corbeaux. Euh, et je pense qu'un peu par hasard, il y a le, le frère de Jackie et de Jean-Marie, euh, Gilbert, avec sa compagne, euh, qui est chez Jackie. Donc c'est exceptionnel. Et euh, ils ont de la chance parce que le corbeau appelle. Donc euh, c'est notre corbeau avec la voix rock, tout ça. Euh, donc là pour euh, Jackie et Liliane, finalement c'est le jackpot parce qu'ils vont pouvoir prouver que c'est pas eux, puisque eux-mêmes ont été victimes d'un appel, ils l'ont enregistré, et Gilbert euh, et est là avec sa compagne pour, pour en témoigner. Quoi. Euh, donc il y a cet appel qui est assez euh, assez hardcore, quoi, assez violent. Euh, et, euh, et là, en fait, il y a une phrase, je crois, de Jackie qui va dire euh, euh, Ah de toute façon tu peux m'emmerder toute la nuit, je m'en fous, euh, un truc dans le genre, quoi. Et quelques minutes après, Bernard Laroche appelle et dit « Ah, salut, c'est Bernard. » Et il dit euh, « Ah, euh, 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 ah j'ai essayé d'appeler tout à l'heure, mais c'était occupé. Euh. » Et puis là, t'as as Liliane qui lui dit « Bah ouais, c'était l'autre andouille euh, qui a encore appelé, donc le corbeau. Mmh. » euh, Et là, Bernard, il dit « Ah, ok, d'accord. Euh, » Et elle dit « Oui, Bernard. Euh, » Et dit « Oui, parce que je voulais vous demander si vous vouliez faire une belote. Euh, » Et donc là, Liliane lui dit bah, « Bernard, tu sais très bien que, que nous, on travaille, quoi. » Euh, tu connais nos horaires. Euh, et puis il dit Ah merde, oui, j'avais oublié. Et, et en fait, dans, dans cette séquence, on comprend que euh, Jackie a un peu burné le corbeau, en faisant croire qu'il ne devait pas travailler. Euh, dans cet audio, il y a aussi Gilbert hein, qui imite le corbeau et qui lui dit euh, Va te faire péter. Euh, donc il est un peu mis en PLS comme ça, par, euh, pour une fois, par les villemains. Euh, et, et là, on sent que le corbeau, en fait, qui a toujours voulu tout mettre sur le dos euh, de Liliane et Jackie, il, il s'est piégé lui-même. Parce que Gilbert est témoin tout ça et donc on a un Bernard je pense qui appelle après encore une fois si c'est pas juste du pur hasard hein, ça pourrait être le cas euh, et qui veut en savoir plus pourquoi Gilbert est là alors qu'ils sont censés être fâchés pourquoi Jackie travaille pas et donc il va utiliser un prétexte de belote euh, en plus il va dire c'est Marie-Ange qui m'a demandé d'appeler euh, et euh, donc là on sent quelque part que ben le Corbeau il peut pas demander pourquoi Gilbert est là euh, pourquoi tu travailles pas Jackie parce que c'est le Corbeau il est censé les harceler euh, et donc là on a quelques minutes après euh, Bernard qui appelle et euh, puis fait ah merde ok euh, bon bah ciao et puis on sent que Ginette, euh, euh, Ginette, que Liliane elle a vraiment peur quoi et sur PV ils vont dire à ce moment là on s'est tous dit que c'était Bernard le corbeau euh... bah, et puis moi comme, comme je disais comme j'ai utilisé l'intelligence artificielle là, comme j'ai nettoyé les deux pistes les unes après les autres euh, pff, ouais, je suis désolé mais pour Moi, j'ai eu une espèce de révélation au moment où j'ai eu le résultat, où je me suis dit, mais je j'avais vraiment l'impression de reconnaître la voix de, de la Roche. Franchement, hein. je sais pas si je sais pas si tu si Damien, tu peux passer les enregistrements, c'est à dire, je crois que c'est appel 1 et appel 2. Euh... Ah, ils sont terribles, ces enregistrements. Ouais. Mm. Alors pour les, pour les, les auditeurs, ceux qui ne connaissent pas l'affaire, quand on parle de, ja, de Jackie Villemin, c'est le fameux bâtard. C'est euh, l'enfant illégitime de Monique Villemin qu'elle a eu avec le, le Turio euh, Une relation extra-conjugale, euh, extra même pas, une première relation qu'elle a eue avant, euh, avant Albert Villemin. Donc, quand elle s'est mariée avec Albert Villemin, elle était déjà enceinte d'un autre homme. Et euh, Albert Villemin a reconnu cet enfant comme étant euh, son fils. Hein, il porte le nom, bien entendu. Jacky Villemain, mais quand le Corbeau parle du bâtard, il parle de Jacky Villemain. Voilà, c'est ça. Et, euh, et d'ailleurs, euh, voilà, suite, euh, suite à la plainte qu'il y a eu à Corsieux, c'est ça qui est intéressant, c'est que le Corbeau, il va même appeler les gendarmes. Donc hum. il va appeler les gendarmes, et, et, et enfin, Liliane suspecte euh, quelqu'un, euh, la famille est allée voir un voyant, ils ont dit que c'était quelqu'un avec un... Comment on appelle ça Avec un uniforme, donc il pense à un mec qui s'appelle André Jacob. Et okay. Liliane, qui travaille au journal local, va va rapporter une photo, quoi. Et en fait, le corbeau va appeler les gendarmes et leur dire, oui, c'est Dédé, le cerveau de l'affaire, truc comme ça, quoi. Et les gendarmes, ils vont pas y croire, ils vont dire, ouais, c'est cette Liliane qui a appelé. Euh, et ils, ils vont le dire à Liliane, euh, ils vont le dire aussi à Jean-Marie, et ils vont plus se voir pendant. Euh, Jusqu'au 16 octobre, en fait, ils vont rester fâchés, ils vont en venir un peu aux mains. Mmh. Euh, donc, ça, c'est intéressant aussi de voir un peu le côté omnipotent euh, de ce corbeau. C'est qu'il est capable d'appeler les gendarmes. Et les gendarmes tombent dans le panneau. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils vont dire non, mais on est sûr que c'est la journaliste qui a appelé, euh, euh, alors que c'est évident que c'est un, un piège. Mmh. Moi, je fais pas. On, la la on la peut écouter un, un extrait du son nettoyé justement par, euh, par Ron. Ou alors, bon, c'est nettoyé. Encore une fois, j'ai mis ça dans le logiciel tel quel. Sur chez Netflix, j'ai vu qu'ils avaient vraiment un nettoyage parfait. Là, c'est beaucoup plus propre que les enregistrements bruts, mais ça permet d'avoir d'entendre un peu mieux le timbre de voix du corbeau Ok. écoute, on va en écouter pour voir ce que ça donne. Donc là le son a été no... est... nettoyé Run, c'est ça bah Écoute moi j'ai un problème c'est que j'ai pas de retour son sur, euh, sur les documents que t'envoies donc je... <laughs> On va en écouter un autre juste pour que les gens puissent se faire une idée Allo Oui oui. Ah, Bonjour, Popov. Oui. Euh, qu qu'est-ce qu que vous faites ce soir Ben, bah, non, euh, Ben, je ce soir. Ah, merde. Oui, pourquoi, dis Non, non de de une autre. Ah, ben bah, oui, ben, je le maintenant. Ah, oui. Mais avec y quelqu tu quelqu'un hein? qui Oui. J'ai téléphoné, ça se nous oui. Oui. Oui, oui. oui. oui, oui.

Ouais. Ouais, voilà. Oui, Ouais, voilà. Donc là, on a entendu le... ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire cette, euh, bon. cette, cette invitation-là. Euh, hmm. Je tiens à m'excuser. J'ai dit tout à l'heure le Turio, c'est le Thiebo pour le père à, à Jackie Villemain. D'accord. Et on va juste réécouter un, un autre appel du corbeau avec le son euh, dont parlait run. C'est pas grave, non Qui Je ne sais pas ce que c'est. Oui D'accord. Oui, oui, oui. Je pense que c'est du... Allons, on va voir qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là. Je pense que c'est du... Je ne sais pas ce qu'il y a à ce moment-là. De nom c'est quoi C'est du... Alors c'est vrai que par contre on a du mal à comprendre ce qu'il se dit, hein euh entre l'accent et puis le, la qualité du son <laughs> euh... bah et puis ci, ce qu'il faut voir c'est que c'est des téléphones des années 80 donc ils mettaient l'enregistrement le, le, l'enregistreur à cassette sur l'écouteur direct euh, ouais. forcément euh, c'était pas les, les Chorus ou les Amaris où tu pouvais mettre au parleur à l'époque c'était ouais. des vieux trucs donc euh, c'est vrai que c'est pas évident hein. Il y, a, il, y a, il y a un petit point, messieurs, où je voudrais revenir. C'est euh, quand euh, il y a la perquisition au domicile euh, de Bernard Laroche. C'est quand même assez révélateur à mon sens parce qu'il a la panoplie parfaite du corbeau. Il a euh, le, une cassette avec un morceau enregistré euh, qui était diffusé durant les appels en question. Euh, un petit verre, chef, c'est ça, dans chef, on a soif. Donc C'était quoi le morceau C'était Chef un petit verre en a soif. Voilà, chef un petit verre en a soif. Il a ça, il a une longue vue aussi qui est dissimulée dans un placard avec des magazines. Donc c'est vrai que vu sa position géographique en hauteur par rapport au domicile des Villemins, avec une longue vue, il a quand même une vue parfaite sur l'arrière de la maison. Il y a quand même pas mal d'éléments comme ça. Il y a également des, des courriers, des écritures un petit peu ambiguës. Euh, Daniel, c'est ça, le, le contenu des, euh, des courriers, c'est quoi déjà C'est des insultes, je crois, ou euh, des choses comme ça Oui, voilà, je crois qu'ils vont trouver des lettres, en fait, euh, où il y a écrit, euh, alors je sais plus, bande de, de menteurs, ou bande de cons que vous êtes tous, ou quelque chose comme ça. Marianne, elle va dire, euh, oui, ça, c'est, je, je m'étais brouillé avec ma sœur, et puis elle en envoyé ces courriers. Euh, donc, je pense que c'est vrai. Hein. Euh, par contre, c'est intéressant de se dire que Marie-Ange garde ça comme ça dans, dans un tiroir. Euh, un peu comme du compromat euh, euh, c'est ouais. étonnant, hein, puisque apparemment elle est en bon terme avec sa sœur. cest okay ça. <laughs> euh, bon, la longue vue, on sait qu'elle appartenait euh, au père de la roche, euh, il avait vendu à Michel, je crois. Enfin, bon, elle a toujours été un peu là. Euh, et par contre, ce qu'on sait, c'est, voilà, Bernard le dit sur PV lui-même, il dit depuis chez lui, il voit très bien euh, chez, chez Albert et, et Monique, qui voit à nu, en fait. Donc, ça, c'est vrai que c'est un élément parce qu'il y a quelques appels. Euh, par exemple, les gendarmes vont rendre visite à Albert et Monique et le corbeau va appeler et dire Ça sert à rien d'appeler les gendarmes, euh, euh, j'enverrai des lettres. Ou, euh, donc, ils voient en temps réel ce qui se passe euh, chez Albert et ça. Monique. Les, les pompes funèbres, tu l'as eu ton cadeau aussi, c'est ça il, il sort ça au téléphone, ouais. Juste après le passage des pompes funèbres ou des, des fleurs, il y a, y a une livraison de fleurs ou quelque chose comme ça, et le corbeau signe le méfait avec un coup de téléphone, t'as eu ton cadeau, quoi. <laughs> voilà, il va dire tu l'as eu ta surprise, il avait, il avait un non-servant. Euh, voilà, on a l'impression quand même qu'il qu voit en temps réel, même si c'est un gros bluffeur aussi. Hein. Et, et d'ailleurs, précisément sur cette histoire de tu l'as eu ta surprise, euh, il avait Corbeau en, en parallèle au même moment Christine et il lui a dit la même chose, donc bon... Sur celui-là, c'est moins évident. Mais en tout cas, sur les gendarmes qui passent chez Monique et instantanément, il appelle et il dit euh, « ça sert à rien de, de mettre les gendarmes sur le coup », ça, ça donne une bonne indication, en tout cas, sur, sur la géographie du courbeau, ou en tout oui, cas, oui. euh, d'un des courbeaux. Bah. Ouais. Vas-y, vas-y, Tommy. Non, oui, alors je disais, c'est quand même marrant, parce qu'après, on va revenir forcément sur 2017, c'est marrant de s'apercevoir que les deux domiciles étaient équipés l'un de jumelles, et puis la, le domicile d'à côté, Marcel et Jacqueline Jacob, de, de Long Vue chez La Roche, et jumelles chez, euh, chez Marcel, euh, Marcel Jacob. C'est quand même marrant de, de voir qu'il y, euh, y avait cette, euh, cette envie des pieds euh, chez les, chez les villemains, donc euh... Ouais, mais est-ce qu'il n'y avait pas des jumelles dans tous les domiciles, finalement enfin, je, je, je bah, En bord de mer, ouais. J'ai envie de dire en bord de mer, ouais. <laughs> Après, quand tu as mais un, dans, des dans des les -là... aussi, dans les ouais. Vosges aussi, c'est montagneux, c'est une belle région. Oui. Euh, tu sur place, jumelles... tu vois, vois l'intérêt des jumelles, toi, dans ce genre de, de, de coin-là, du côté non, de l'Orlandais Non, mais bah, moi, après, tu vois, ma fille, elle, elle a voulu des jumelles très tôt, elle est passionnée par tu vois, les jumelles, et il n'y a rien à voir, tu vois, ici. Il y a un côté hitchcockien là-dedans, quand même. <laughs> ouais, c'est Alors, c'est sûr, sûr, sûr que ça ouvre plein d'imaginaires possibles, mais, mais moi, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir. Aussi un élément dont on n'a pas parlé et d'ailleurs qui ne figure pas dans le documentaire Netflix, c'est ce fameux foulage. Alors ce oui. foulage, ce foulage donc visiblement sur, alors visiblement encore une fois avec toutes les précautions sur la lettre de revendication du Corbeau, il euh, y a quand même, euh, ils auraient quand même retrouvé un, un foulage. Donc un foulage, ça veut dire euh, une, une trace laissée par un stylo. Euh, qui, qui, qui ressemblait à la, à la signature de Bernard Laroche donc ils en seraient les policiers, enfin en tout cas les gendarmes en seraient venus à la conclusion que la lettre du corbeau proviendrait d'un bloc papier euh, qu'aurait utilis qu utilisé Bernard Laroche et visiblement il aurait signé euh, sur un papier euh, au dessus quoi donc ça aurait laissé la trace, sur le, ça aurait imprimé la trace de la signature sur le papier du dessous donc ça moi pour tout dire euh, c'est quelque chose qui m'avait vraiment convaincu qui m'a toujours convaincu mais mm, bien que je reconnaisse le l en cursive j'ai du mal à voir la deuxième lettre quoi en fait mmh. mais, mais malgré tout euh, il y a, y, a, y a quand même beaucoup de gens qui se sont penchés dessus alors évidemment la, le, la lettre a été massacrée par le par les, les moyens de l'époque hein, pour, pour pouvoir relever les empreintes donc génial, euh, ouais. le foulage n'est absolument plus visible aujourd'hui mais les gens euh, qui, qui apparemment il y a quand même eu constatation euh, même le juge Simon euh, a constaté ce foulage etc etc et j'imagine à moins qu'ils soient complètement biaisés euh, par la culpabilité potentielle de La Roche ils ont quand même tous dit que oui euh, c'était euh, identique à la signature de, de Bernard Alors, je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté oui, c'est révélateur. Il me semble que la pièce a été annulée, si je ne dis pas de bêtises, dans ce que j'ai vu dans les bouquins. Je ne sais pas, je, il me semble que le, le foulage, maintenant, il y a eu des soucis par rapport à ça. Daniel, je crois que c'est le témoignage du gendarme qui a posé problème, où il se contredisait, ou je ne sais plus quoi. Enfin, bon, apparemment, ouais, ouais, ce n'est ouais. plus, plus dans le dossier actuel. De toute façon, maintenant, Bernard Laroche est décédé, donc euh, est mort. Il faut donc faire plus, attention au, au foulage aussi, parce qu'il y a une image qui circule. Même moi, je l'ai un peu diffusée euh, sur certains lives. Euh, mais apparemment, c'est juste un, un truc de l'époque, de journaliste. Il s'agissait apparemment d'une lettre calligraphiée, LB, comme La Roche-Bernard, sa signature. Même si, honnêtement, euh, moi, je peux pas dire que c'est vrai ou que c'est pas vrai. En fait, euh, la lettre a été détériorée et euh, on pourra jamais vraiment savoir. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que le colonel Sésma, quand même quelqu'un d'intègre, moi, j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Euh, donc voilà, s'ils ont vu ça. Après, on ne sait pas, est-ce hein, qu'ils ont vraiment vu LB ou qu'une seule lettre. Euh, mal malheureusement, elle a été. Euh, ils ont mis de la poudre magnétique dessus et, et elle n'a pas pu être analysée avec les outils euh, qui auraient permis euh, d'aller plus loin, quoi. Donc c'est c'est pas c'est pas quelque chose de déterminant, je pense, dans, dans cette affaire, et quoi. Ce que j'aime entendre, ce que j'aime quand le colonel Cesma euh, parle, c'est que pour eux pour eux l'affaire était résolue. Ils étaient sur la sur la sur la bonne piste et on peut saluer leur travail avec le peu de moyens qu'ils avaient, Est-ce que la, la gendarmerie, à l'époque, avait un, 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 un très court passif judiciaire. Je crois qu'il pouvait euh, mener des, des, des enquêtes en qualité d'OPJ de, depuis très peu de temps. Et euh, l'affaire Grégory, à ce que j'en ai lu dans les bouquins, j'étais pas sur place bien entendu, mais ça me paraît vraiment très sérieux, contrairement au travail du SRPJ derrière, qui me paraît tout sauf sérieux. Et, et c'est vrai que la gendarmerie, on peut leur tirer notre chapeau. Et par rapport à, à l'affaire Grégory, ils sont même remis en question. Et maintenant sur le domaine des enquêtes judiciaires, ils sont vraiment top, top, top. Tout ce qui est science scientifique judiciaire, la, la scientifique et tout, ils sont top. Ils sont même remis en question. Alors que pour moi, par rapport à l'époque, ils avaient quand même fait un boulot assez solide. Et le, le problème a été plutôt le juge Lambert, dit le petit juge, où, la, où, les, où les avocats de, de, la, de la partie La Roche sont engouffrés dans ces vices de procédure et ces erreurs qu'il n'a pas fait les choses normalement. Et le travail des gendarmes n'a pas été démonté par leur travail à proprement dit ou les choses qu'ils auraient oubliées, mais par le travail de la justice, du laxisme de la justice. Et c'est vraiment une affaire, quand tu te documentes dessus et que tu, tu, tu reprends euh, tout le côté judiciaire, policier, euh, je ne parle pas gendarme, mais policier SRPJ et euh, journalistique au moment-là, euh, avec le, le, la famille Bézina, euh, ça fait un petit peu mal, mal au cœur parce que euh, l'affaire qui était en grande partie résolue, il y a sûrement des zones d'ombre en, encore. Si c'est bien vers la roche du coupable, il y a encore des choses à éclaircir par rapport à ça, complicité ou pas. Mais la suite de l'affaire, c'est vraiment le, le, le chemin de croix pour la famille Villemain. Et euh, très sincèrement, ce qu'ils ont enduré, euh, on voit que c'est des, des gens solides et qu'il y a franchement un amour très profond entre deux parce qu'ils ont réussi à se reconstruire après tout ça. Euh, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est pour ça que le juge Lambert porte une très grande responsabilité. Et moi, ce qui m'a surpris par rapport au juge Lambert, c'est que jusqu'à la fin de sa vie... Il, a, il, a, il était dans le déni total alors que n'importe quelle, quelle personne lisant un livre dit sérieux euh, s'aperçoit que ça a déconné sévère quoi. bah ouais un déni ou alors euh, ou alors il y croyait vraiment euh, moi, moi je sais et j'ai je jeté un coup d'œil sur le chat rapidement mais je vois que dans, dans, ouais, que dans les commentaires euh, c'est comme dans ma famille moi à l'époque je me souviens que c'est mon père, c'était, il était pro Laroche. Tous ses potes, mmh. de toute façon tous ses potes, c'était des camarades popov. Hein. Tous <laughs> ses potes, c'était, le genre. Donc il s'y retrouvait euh, voilà, il retrouvait beaucoup euh, dans Bernard Laroche et disait et surtout les images après sa libération, quand il est avec son fils et tout, je me souviens qu'il disait c'est impossible qu'il ait fait le coup, c'est pas possible, c'est pas lui. Un bon mec. C'est un bon mec. <laughs> et, euh, et donc, il était plutôt euh, sur l'hypothèse de Christine Villemain, au fur et à mesure. Et c'est comme ça aussi que ça a été vendu hein, dans les. dans, dans, dans ah la, non, la sorcière la presse, de l'éponge hein. La dans sorcière la de l'éponge, carrément, La sorcière de l'éponge, la, la, la presse ne savait plus quoi mettre, c'est la folie. Ah, puis Marguerite Duras, c'est tout le bordel. Ah, ça a fait et, mal. Et, et ma mère, c'était tout l'inverse. Ma mère, c'était. Euh, pour elle, c'était inconcevable que ce soit Christine Villemain. Une mère ne peut pas faire ça à son enfant. Non, 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 c'est pas possible et tout. Et donc, je sais que euh, chez moi, euh, je veux pas dire que ça se déchirait, mais euh, la, la conversation n'était pas possible. Une conversation ouais. sereine n'était pas possible parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les familles, on parlait de ça aussi. On parlait de cette, cette histoire-là. Et même ah dans oui. les familles, ça se déchirait entre les pro Laroche et les pro Villemain. Mais ouais. en fait, euh, moi, ça va toujours fait halluciner ce truc-là parce que je me dis mais il n'y a pas à être pro-ci si, pro ça en fait on cherche la vérité quoi quelle que soit la vérité c'est factuel c'est ça vers, vers quoi on doit tendre alors euh, alors oui effectivement sur un live de deux heures ou de trois heures on ne peut pas euh, on ne peut pas parler de tout et d'ailleurs qui peut parler de tout Merci euh, ah si, euh, je... Daniel Radio YouTube pour, euh, avec euh, 10 vidéos de, de, je sais pas, de 4 heures ouais, <laughs> Daniel parle même, de tout mais, <laughs> et en même, même plus que 10 vidéos mais c'est vrai que c'est passionnant et c'est pour ah ça ouais. que moi je, je, me les, je me les refais régulièrement les vidéos et, et parfois j'oublie des choses et parfois, et parfois même ça peut être parfois un petit peu j'ai l'impression que, euh, que Daniel il évolue aussi dans sa façon de penser donc euh, mm -hmm. des fois il y a des choses qui sont plus tout à fait actuelles euh, etc donc ouais. euh, c'est vrai que c'est complètement... Euh, c'est un, ouais. un rabbit hole, comme ils disent les Américains. Ouais, ouais. Moi, Daniel, moi, je m'endors avec tes, tes, Les PV, moi. Les PV sur Spotify. Moi, je m'endors en écoutant <laughs> ça des fois. <laughs> mais ouais. mais c'est vrai qu'on mais... évolue. Ça, c'est intéressant que, que tu en parles. Euh, ça va bientôt faire deux ans. Moi, j'avais fait surtout une grosse vidéo qui s'appelait La Piste La Roche. Et entre-temps, mm. évidemment, bah, bah, les gens nous font confiance. On a accès à des, à des documents, des choses comme ça. On évolue, nous aussi. Euh, et puis on... On affine un peu nos théories, on arrive à dire que certaines choses sont invraisemblables. Donc ça évolue tout le temps, quoi. Et d'ailleurs, je ne suis pas tout seul, quoi. Il y a toute une communauté. Alors on n'est pas tous d'accord, mais quelque part, il y a quand même pas mal de monde encore sur cette affaire. Et tout le monde cherche dans son coin. Des fois, il y a des gens qui sont sur d'autres lignes, qui vont sortir un truc, ça fait réagir les autres. Et donc effectivement, c'est vrai qu'on est tout le temps en pleine évolution. Et des fois, on revient euh, euh, à ce qu'on a pensé euh, deux ans avant, puis des fois, euh, on abandonne certaines, euh, certaines pistes. C'est ça je qui sais est que intéressant. As beaucoup évolué sur euh, 2017, on en reparlera tout à l'heure. Mais quand je t'ai eu au téléphone, tu m'as dit que tu avais commencé l'affaire en pensant, en ayant des idées bien arrêtées par rapport à la 2017, la mise en examen des Jacob. Et tu m'as dit qu'en rentrant vraiment dans l'affaire, en investiguant, tu as changé ton, ton point de vue par rapport à ça. Voilà, alors il y a quand même des indices ouais. concordants, on va dire. Voilà, ça reste quand même une possibilité. Mais c'est vrai que plus on regarde dans les détails, il y a des choses comme ça qu'on nous balance. Hum. Euh, voilà qu'on prend un peu pour argent comptant et puis quand on va dans le détail, on s'aperçoit que c'est invraisemblable. Comme je disais tout à l'heure, euh, 16h30, loterie travaille. Euh, c'est un peu rocambolesque. On, on nous a parlé aussi de deux personnes qui ont été vues avec des jumelles. Euh, bon, ce qu'on dit jamais, c'est qu'ils ont été vus dans un dans une camionnette Mercedes. Euh, donc il oui. faut leur trouver une camionnette Mercedes. Et je trouve que ça fait pas mal de comment dire de logistique pour un crime qui est tout con en fait. Hum. Euh, et puis après, il y a aussi, ça on en a pas beaucoup parlé, mais aussi le profil psychologique de la personne qui a fait ça, euh, ça ressemble quand même beaucoup à un lot solitaire. Et je pense que, euh, je vais pas me faire des amis en disant ça, hein, mais je pense aussi, euh, euh, je crois que le colonel Césauma c'est un peu ce qu'il voulait dire, mais je veux pas parler à sa place. En tout cas, personnellement, euh, j'ai l'impression aussi que c'est très difficile pour la justice d'avancer euh, sans complice euh, de Bernard, parce que finalement, ça on l'a compris à partir du moment où elle, il est mort. Le suspect principal est mort. On peut pas enquêter contre un mort euh, parce qu'un procès n'a aucun sens finalement. Euh, Bien sûr. Donc pour qu'il y ait des analyses euh, ADN, toutes ces choses, finalement, euh, de toute façon, euh, ça peut pas marcher sans euh, complicité. Euh, donc peut-être que si on est pris dans ce jeu là, euh, ça n'empêche pas que euh, la haine de Marcel Jacob envers euh, Albert en particulier, euh, une certaine animosité aussi envers Jean-Marie. Elle est réelle, euh, qu'ils habitaient juste à côté de, de Bernard Laroche, qui est quand même le principal suspect. Euh, donc, bon, tout ça fait que, malgré tout, je pense qu'ils en savent beaucoup plus euh, que ce qui semblent euh, dire. Quoi. Ça, c'est évident. Maintenant, pour le 16 octobre, c'est encore différent. Euh, voilà, on peut pas. C'est difficile quoi, de, de les mettre dedans. C'est vraiment très théorique mmh. sur des suppositions. Et puis, on voit que. Euh, ils, ils ont été mis en, en examen en 2017 en, oui. en 2023 ça va bientôt faire 6 ans oui. Oui, oui oui voilà quoi euh, oui j'essaie de trouver justement une photo euh, une photo de la bande demosée de comme j'aime l'appeler je ne sais pas si tu l'as Damien sous le coude mais Mo, Monique il semble quand même qu'elle en savait euh, qu il, y a, il y a quand même des il y a quand même des conversations entre Monique Villemain et le corbeau où elle semble presque avoir une forme de je veux de... quand même pas dire de tendresse, mais genre... Euh... Ouais, tu ne... Elle le taquine un peu, genre bah dis donc, t'es bien matinale, etc. Euh, ce ça Ça bien de... coup et tout, ouais. Ouais, c'est ça. Euh... Et on, on dirait quand même que... Après, c'est peut-être... Tu sais, après, c'est peut-être une habitude. Hein, à force que le mec, il appelle toujours chez toi, tu finis par un petit peu le. le... Je ne veux pas dire le connaître, mais même sans savoir qui c'est. Euh, tu, peux, tu peux avoir des conversations, on va dire, euh, moins agressives, c'est peut-être aussi pour la madouée mais dans cette conversation-là en particulier, j'ai l'impression qu'elle, qu qu presque, elle sait qui c'est en fait. Je trouve ça assez intriguant. Et il y a aussi un truc dont on a parlé en off euh, avec Daniel il y a un PV euh, de Monique Villemin au, au, au croisement euh, au niveau de la boucherie Pérodin. Et elle dit à la, au, au, au flic que euh, quand elle se rendait chez Jean-Michel, elle était avec euh, Michel, Albert et elle dans la voiture. Et ils, ont, ils auraient croisé Bernard Laroche qui revenait de Bruyère et qui a tourné à l'Aveline, à, à Lave route de la Poste, en direction de, ses, de chez ses beaux-parents. Or, si c'est vrai, là c'est pareil. Ça fout un merdier pas possible dans la chronologie. Donc, même là, je me dis ok que croire qui croire est-ce que il euh, y a volonté de, de protéger euh, Bernard Laroche en disant ça est-ce que il se trompe dans les heures est-ce que c'est vrai donc euh, tout ça c'est tout ça c'est vrai que tout ça c'est vrai que ça en fait plus il y a de détails c'est ce que je disais euh, c'est ce que je disais à Daniel plus il y a de détails et, et moins et plus on a l'impression de de moins en savoir. Quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais. Moins on en sait, on dirait. Damien nous a partagé une photo, messieurs, sur ce que j'appelle la bande monzel Donc là, il y a quand même bah, les, les Jacobs, Jacqueline et Marcel à droite. On Michel Villemain qui se retourne avec son regard très atypique. Et il y a Bernard Laroche. Voilà, Bernard Laroche, euh, en soirée, il reste à identifier celui où on voit juste les oreilles et puis peut-être des lunettes sur la tête. Alors, effectivement, bon. il, il, effectivement, là, il a les moustaches tombantes, mais il y a pas les, il y a pas les roues flaquettes. Alors les plaquettes, regarde, c'est Marcel Jacob qui les a. Ouais. Mais, mais par contre, il a un bouc. Ouais, après, ouais. <laughs> ouais. Mais bon, c'est toujours. Euh, flé, ouais, flé. Façon, voilà, donc c'est... Là, on a l'indic, comme on dit, plus ou moins, celui qui faisait remonter les informations et les trois personnes d'en face. Euh, voilà. Qui était euh, si jamais si jamais les livres que j'ai lus parce que moi je n'accuse accuse pas ces gens là hein. moi j'ai lu euh, le livre de Tourangeau j'ai lu euh, le livre de, de Sesma, qui est très sérieux et celui de Solano donc quand tu lis ces livres là si jamais ces auteurs disent la vérité effectivement dans cette photo là tu as tu as la clé de l'énigme pour moi et cette photo là m'intrigue énormément tu as tellement envie d'être de une petite souris d'écouter ce qui se raconte <laughs> ça c'est sûr. Da Daniel, est-ce que tu pourrais éventuellement nous parler des deux intrusions qui a eu lieu à l'épanche chez les Villemain, l'intrusion quand Jean-Marie et Christine étaient partis en Italie, si jamais elle a bien eu lieu parce que c'est pareil, c'est euh, Madame Chastel qui, qui raconte ça et je sais que par rapport au témoignage de Madame Chastel, tu es un petit peu de réserve. Ah, ça c'est impressionnant. Hein. Le, le, le nombre de, fin, les témoignages qui, qui prétendent qu'il y a eu de, des tentatives de de kidnapping ou même ouais. d'assassinat. Il y a une voiture qui aurait foncé sur oui, le, sur le sur gamin. Ça, c'est pareil. C'est le genre de truc que je trouve très, euh, j'ai envie de dire, euh, cinématographique presque. Mais est-ce que ça est que ça vraiment existé C'est toujours le doute que j'ai. Il y en a eu plusieurs. Il y en a une qui a existé, c'est sûr et certain. Je crois que c'est le, euh, le 22 novembre. Euh, Caro Cassé chez, euh, chez Christine. En fait, elle reçoit un appel. Euh, le mec l'insulte, c'est le début du film, euh, bon, elle préfère décrocher le téléphone. Et, euh, et je pense que le mec, à ce moment-là, à l'époque, les téléphones, ils continuaient de sonner. Euh, et d'ailleurs, on va parler de tous ces appels dans un prochain podcast. Mais en gros, le mec, il, il appelle, le téléphone est débranché, mais ça sonne encore. Donc là, il doit se dire j'ai réussi à, à faire peur à Christine, elle est partie chez sa mère, quelqu'un quoi. Euh, et à 23 heures, elle, en, elle est allée se coucher, elle entend du bruit. Euh, Quelqu'un qui essaye de défoncer sa porte en gros. Euh, donc elle allume la lumière, euh, et puis là elle voit un bras comme ça qui, qui s'en ouais, qui va, va, Qui dans la nature elle n'arrive pas à reconnaître euh, plus qu'un bras quoi. Et elle s'aperçoit que le carreau qui y avait dans la porte euh, eh ben, a, a cassé quoi. Donc c'est du double vitrage, je crois qu'il y a qu'un seul carreau qui a, qui a été cassé. Mais bon, euh, là on a vraiment une tentative d'intrusion euh, à l'intérieur du domicile. Et on s'est souvent posé la question, est-ce que déjà là, il voulait faire quelque chose euh, à Christine, à, à Grégory euh, Ou alors, est-ce qu'il a vraiment pensé qu'il n'y avait plus personne parce qu'il n'arrêtait pas d'appeler et que ça ne répondait pas Et c'est dire, il bah, n'y a personne, euh, je vais aller euh, casser des trucs chez eux, je vais je rentrer. Euh. Euh, en tout cas, là, on sort du corbotage classique. Parce, parce que ce qu'on ce qu sait, c'est qu'en général, les corbeaux, ils passent jamais à l'acte. Euh, donc là, on a quand même... Euh, c'est un profil un peu différent du corbeau classique. Euh, lui, il, il, voilà, il, il rentre dans, dans la 3D. C'est ça. Et tu as vraiment l'impression. Moi, j'imaginais la scène quand je, je lisais ça dans, dans le bouquin. Tu as, as limite l'impression de voir. Euh, J'exagère, mais Halloween, tu vois de Michael Myers qui pète un carreau, qui va pour ouvrir la porte. Mais pour une femme, vivre ce genre de scène en pleine nuit, je pense que Christine Villemin, c'est une femme. Euh, femme avec un gros tempérament parce qu'il y en a plus plus d'un en voyant juste un vrai avec un carreau pété et putain mais euh, tu t'éménages tu vends la maison euh, tu, tu, tu deviens fou quoi. Ouais, Est-ce est -ce que la... c'est lié, est -ce est lié au corbeau cet événement ah, je... et Oui oui puisqu'il a appelé avant. En ouais. fait il appelle il a harcèle tout ça. Euh, ce qu'on sait aussi c'est que ce jour-là c'était un dimanche euh, Jean-Marie euh, travaillait euh, et, et c'était pas connu à l'avance à quel, moment, quel dimanche il travaillait euh, hum. euh, ça, ça se faisait un peu le planning était affiché au travail et les membres de la famille le savaient sûrement aussi. Donc, il savait que Jean-Marie n'était pas là. Il a appelé, il a harcelé. Donc, elle a dit, bien, c'est cette voix qui m'a appelé. Donc, il euh, y a aucun souci, c'est bien lui. Hein. OK. Euh, okay. Et, et ensuite, plus tard dans la nuit, euh, il va essayer de défoncer la porte. Moi, moi vraiment, ce que je pense, c'est qu'il a cru qu'elle n'était plus là. Euh, il, a, il, il a dû téléphoner, téléphoner. Il s'est dit, attends, la sonnerie, c'est tellement chiant. Euh, elle est partie. Il n'y a plus personne. Donc, euh, voilà, là, il a essayé de... Une intrusion dans quel but ah ben, C'est ça la question. Alors, est-ce que c'était peut-être pour euh, casser des, des choses ou a ouais. ou qu montrer qu'il était euh, tout puissant peut-être aussi. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il dit, du, hein, chez... quelque chose et puis euh... il a dit hein, chez, chez Jean-Marie, j'y vais quand je veux, euh, euh, qu'il avait un côté comme ça sur de lui. Euh, mais voilà, ça c'est une caractéristique particulière de ce corbeau. C'est quand même... bon, il, le 16 octobre, il passe à l'acte. Mais en plus, voilà, il fait des trucs un peu plus, plus costauds qu'un corbeau normal. Quoi. Et, et par rapport à Mme Chastel, est-ce que tu prends son témoignage en... pour, pour, pour réalité, euh, Daniel, par rapport à ça Tu sais, la, la scène de nuit où justement euh, garde Grégory au domicile, c'est en 83, je crois 83, ouais, ou avant Ou 82, je ne sais plus exactement. 82, 83. Parce que Grégory ah, petit, euh, est petit dans son lit de, de bébé, et puis tu as, as une, une tentative d'intrusion pareille. Et c'est une 4L, je crois. Alors voilà, c est, c est là où c'est compliqué, c'est que finalement, euh, ils vont être questionnés euh, pendant toute l'enquête, dès le début, un peu sur ouais, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier Ils n'ont jamais parlé de cette scène. Euh, ils vont dire qu'ils étaient en vacances euh, en Italie au moment où, où ça se passe. Euh, ils vont dire alors comment s'est passé votre séjour. Il n'y a rien à signaler. Et en 87, euh, ouais. la mère de Christine va dire euh, Oui, quand ils étaient en Italie, j'ai reçu un appel. Euh, du corbeau, il croyait que c'était Christine. Euh, et puis tout d'un coup, dans la nuit, euh, j'ai entendu du bruit, enfin sur le gravier. Euh, j'ai allumé la lumière, j'ai sorti la carabine, mais la carabine est restée coincée. C'est un peu spectaculaire. Mmh. Euh, alors je sais pas, peut-être, je sais pas trop quoi dire. Mais moi, ce que je trouve particulier, c'est que euh, des tentatives d'intrusion, il y en a pas eu beaucoup, il y a eu que celle qu'on a évoquée tout à l'heure, donc euh, euh, le 22 novembre là, euh, et donc là, ce serait une deuxième fois. Et, euh, et il aurait complètement zappé. Ça me ah, paraît stop. un peu bizarre. Ouais. Je suis obligé de dire ce que je pense, quoi. Je suis honnête. Oui, mais t'as raison. Puis même Chastel, c'est comme le coup de la lavande où elle monte dans la voiture de Bernard Laroche le jour de l'enterrement de Grégory, c'est ça? Le, oui, ouais, c'est ouais. le jour avant Grégory, et puis elle, elle, elle raconte en 87 qu'elle euh, avait senti la lavande le jour-là. Ça paraît bizarre de ne pas l'avoir dit avant parce que Christine Villemain parfumait les vêtements de ses enfants, de, bah, les vêtements de la maison et de la lavande. C'est quand même bizarre qu'elle ait gardé tout ça pour elle. C'est vrai que ça, tout ressort en 87 l'impression peut-être, alors je sais pas, peut-être que malheureusement avec les événements elle a pris des cachets ou je, je ne sais quoi et qu'elle a occulté des fois c'est ça, hein, des, tra des traitements lourds et ça te fait occulter une partie de la, ouais. de la, des choses, hein, c'est une hypothèse mais, mais beaucoup de choses reviennent en 87 et c'est dommage que ça ne revienne pas avant quoi. soit c'est des, des faux souvenirs ce qui oui. peut arriver aussi hein, tu reconstitues des souvenirs par rapport à des trucs que tu crois avoir vécu ou alors c'est des trucs qui remontent à la surface après quoi oui, oui, oui. Moi, je vous avais oui. une anecdote où j'ai où où vécu un, un, un drame, on va dire, mmh. et, euh, et, et les événements, euh, toute une séquence d'événements qui s'était passé avant, mais revenus bien plus tard, genre deux, trois ans plus tard. Oui, euh, oui c'est possible, C'est ça prend en considération, au même titre que tout à l'heure, Daniel nous disait que euh, Grégory, le fait qu'il n'ait pas eu de... De marque au niveau des poignets qui ne soit pas t'es tu être paralysé par la... des réactions humaines comme ça où tu occultes, tu, tu ne bouges plus, tu es, es effrayé. Oui, c'est vrai. C'est vrai, l'être humain est surprenant des fois. Bon après, il y a toute la piste de l'insuline et tout, mais ça serait trop complexe. En fait, c'est ce que je dis, c'est tellement une affaire à tiroir que. Puis Daniel a démonté la piste de l'insuline en plus. Ouais, ouais 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 mais je sais qu'il y a des gens qui vont dire ah, il ne parle pas de l'insuline, il ne sait pas de quoi il parle, mais c'est mmh. vrai que c'est c'est vrai que c'est un labyrinthe ce, ce, ce truc en fait tu as l'impression un petit peu comme les gendarmes quand ils sont arrivés sur, sur l'affaire ils se sont dit bon bah ça va être, ça va être réglé en deux deux quoi ouais. et bien, en fait ça n'en finit plus il faut ouais. se remettre dans le contexte aussi c'est-à-dire que euh, les gendarmes sont des il bon, y a laroche qui est, euh, est tué par jean-marie et il y a christine qui est accusée euh, et est ça, ça. Va mettre longtemps avant qu'elle ait son non-lieu donc aujourd'hui, voilà, ça s'est réglé. Donc on peut parler, je pense, de façon un peu plus libre. Euh, mais il faut dire qu'à cette époque, il y a quand même une espèce de complot qui se met en place euh, contre elle. Euh, et donc on peut comprendre aussi euh, que sur certains points, euh, ils aient essayé de trouver des éléments euh, pour, euh, pour la sauver quelque part. Il y a par ouais. exemple un élément, moi, au auquel je ne crois pas du tout, et qui fait partie de toutes ces théories du, du dépôt tardif de l'équipe. C'est par exemple Albert qui, soudainement, euh, en 87, euh, va tout d'un coup déclarer alors qu'il a toujours dit le contraire euh, que c'est bien lui qui a donné la ficelle à jean-marie et dans la foulée il va dire au juge simon que quand il a pris le corps euh, euh, au hangar que le corps était encore chaud alors que le docteur petit euh, lui il va dire que non le, co le corps était froid euh, et lui il va dater le décès à 18 heures. Euh, donc il faut comprendre aussi que voilà c'est une période difficile. il euh, y, a, y a tout un complot médiatique. il y a aussi le côté ça, on n'en a pas parlé, mais euh, on a l'avocat des Villemins euh, qui est pour la peine de mort, euh, un peu de, de droite républicaine, on va dire, mais quand même assez dur. Mmh. De l'autre côté, on a des avocats qui sont euh, vraiment à gauche, voire, voire communistes. Communiste pour, pour mettre pompe. Toi. Voilà, et, et finalement, cette affaire elle prend tellement d'ampleur. Euh, on est on a en pleine période de l'abolition de la peine de mort, euh, donc tout ça, ça va avoir aussi euh, des effets sur, sur le politique. Euh, donc il y a plein d'intérêts qui s'entrechoquent, il y a donc la mère tout d'un coup qui se retrouve accusée. Donc voilà, des fois, il y a eu des arrangements euh, aussi pour, euh, voilà, pour sauver une innocente. Quoi. Bien sûr, et puis quand tu vois euh, la, la libération de Bernard Laroche, c'est parce que le juge d'instruction, Lambert, est tenu par les avocats de la défense. Ils font, ils font pression sur lui. Euh, Bernard Laroche, euh, il a, en, en gros, ce que j'ai lu dans l'excellent livre, Le bûcher des innocents, de la cour, c'est que bernard laroche, euh, bernard laroche, le juge lambert, est tenu euh, par ses avocats, et si jamais euh, il ne libère pas bernard, bernard, bernard laroche, ils le font plonger pour certains éléments, comme avoir violé le secret de l'instruction, etc., etc., il est, il est tenu de ces de, de de erreurs, ce, ce juge-là. et euh, les avocats, euh, les avocats de, de, de laroche font un excellent travail de démolition, ils réussissent à, à, à viser le vice de procédure, et Dieu sait qu'il y en a. Dieu sait que le juge d'instruction a, a fait un travail un petit peu aléatoire, pour ne pas dire autre chose, pour ne pas dire du mauvais travail, et c'est du pain béni pour ces avocats-là ces avocats qui, sont, qui sont excellents dans leur domaine. Et comme tu dis, justement, Daniel, il y a un contexte politique c'est Badinter qui est, qui est garde des Sceaux, qui a aboli. La peine de mort après l'affaire euh, Ranucci. Euh, malheureusement, euh, pour les villemains, ils ont, ils ont pris un avocat qui était euh, connoté euh, ennemi de, de Batinter et, et de Prompte. Hein. Il y avait un gros différent entre eux et ça a certainement desservi euh, les villemains, mais euh, par contre, ça a servi euh, la partie Laroche. Parce qu'il y avait une connivence parti socialiste et apparemment d'autres réseaux aussi et le, le SRPJ qui a été qui a, qui a été saisi après que les gendarmes aient été saisis par le par le juge Lambert, œuvrait pour pour pour, pour l'avocat de la les avocats je ne même pas ce nom, pour les avocats de la de la Roche et, 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 euh, et également pour pour la pour la presse ça roulait ensemble donc les Villemains ils ont fait ils ont eu à faire un sacré rouleau compresseur euh, déjà émotionnellement la, la libération du meurtre de leur fils parce que pour eux Jean-Marie Villemain et Christine Villemain sont persuadés que c'est le meurtrier de leur fils donc la libération c'est dur à encaisser derrière on, on, gentiment mais sûrement on met le feu sous la cocotte Christine Villemain on commence à accuser à accuser sa femme elle qui a perdu son fils qui a perdu ce qui est le, le plus cher en sa vie et ben en plus de ça on l'accable de l'assassinat de son de son enfant donc quand Jean-Marie Villemain dit justement, mes, 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 mes veines étaient remplies de chagrin, et qu'il passe à l'acte de Bernard, de Bernard Laroche, il ne faut pas cautionner, mais on peut comprendre la situation. Malheureusement, il y a un ensemble de choses, les étoiles sont alignées au mauvais sens, et puis il y a un passage à l'acte et Bernard Laroche est tué. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est la différence de version entre Jean-Marie Villemain et Marie-Ange Laroche au moment du tir. Ouais c'est intéressant ça, hum. ça, ça, là je me dis il bah, y a quelqu'un qui ment mais à 100% parce que c'est deux, deux versions qui sont complètement contradictoires d'un côté il y a Jean-Marie Villemin qui dit que Bernard Laroche euh, alors encore une fois je parle de souvenirs hein, je suis désolé si je ne suis pas extrêmement précis mais en gros qui presque euh, qui revendique euh, le truc quoi, en disant euh, on, on a payé pour que alors il dit on peut-être qu'il dit un on global hein, pas on en s'impliquant mais on a payé pour accuser euh, ta, ta femme je ne sais pas quoi ouais les, les, les avocats ont payé les experts c'est ça et euh, on a payé les experts je crois qu'il dit on il dit pas les on. avocats justement c'est ça peut-être qui aurait déclenché le, 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 le tir de, de Jean-Marie Villemin et d'un autre côté Marion jaroche qui dit euh, Bernard il disait ouais on va t'expliquer euh, on va s'expliquer viens rentre prends un café etc etc là pour moi c'est deux versions qui sont diamétralement opposées ouais, ben ouais. Et, et moi il y a un autre détail aussi qui m'a toujours interpellé c'est euh, quand, euh, quand Bernard Laroche il, il est, euh, il est, il est relâché, et, euh, et il y a un journaliste qui lui demande alors Bernard Laroche, est-ce que vous êtes innocent il y a, il y a... Moi, c'est un truc qui m'a toujours marqué il y a Marie-Ange Laroche qui dit euh, on n'a rien fait, on est innocent. Tu vois oui. En fait, je me dis pourquoi elle s'implique euh, là-dedans euh, enfin oui, on oui, pose oui, La question à son mari euh, et, et, elle, et elle, elle, elle s'implique en disant ça... on est innocent. Tu vois et elle dit pas oui, oui, est innocent. Et ça, c'est le genre de truc. Là, ça s'appelle un astuce révélateur. Vois. Et tu as, as, as ça, Ron, mais tu as également une vidéo que Daniel a postée où elle met euh, Bon, ben, mon mari est libéré, faut, maintenant il faut trouver l'autre corbeau. Ah oui, l'autre hum. corbeau. Ouais. Ça, c'est quand même, euh, quand même, énorme. Bah, quand même après, énorme. Alors, Après, à, à décharge, je me dis aussi que c'est des gens qui n'ont pas forcément un vocabulaire. Euh, tu vois, extrêmement euh, fourni et que peut-être euh, c'est des raccourcis de langage ou des. Enfin, oui, vois, oui, 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 c'était à prendre en ligne de compte aussi. Voilà, mais... c'est possible aussi. Mais c'est vrai que moi, c'est le genre de, de petits détails qui m'interpellent. Mmh. Ouais, et mmh. puis, il faut, faut se mettre à leur place aussi. Encore une fois, dans cette affaire, on a tendance à diaboliser tout le monde. Euh, mais voilà, même pour eux, ça peut pas dû être facile. Et effectivement, euh, on a par exemple l'avocat de Marie-Ange qui dit toujours que Jean-Marie a assassiné. Euh, euh, la roche de, devant les yeux de, de Sébastien. Bon, apparemment, ce n'est pas vrai. Bon. Mais malgré tout, c'est ce qu'il a fait quand même. Alors, on le comprend, mais c'est quand même horrible. Et euh, je pense que c'était une erreur grave. Euh, et donc, ces gens-là, coupables ou pas coupables, en tout cas, ils ont, ils ont tous vécu euh, des drames. quoi. Bien sûr. Mais euh, Donc, a... après, on les comprend aussi. Hein. Euh, ce n'était pas facile. Et Marie-Ange, on, on peut critiquer plein de choses, mais on peut lui laisser une chose. Euh, voilà, c'est qu'elle est courageuse quand même. Bien ouais, voilà. ah, oui, oui. sûr, bien sûr. Mais Marie-Ange, elle, elle avait pas dit aussi, encore une fois, je parle de mémoire, hein, mais qu que, que Bernard venait de lui, enfin, euh, qu'elle venait d'avouer à Bernard qu'il allait être papa une deuxième fois. Il y a pas un truc comme ça aussi. Ah, c'est le roman arlequin qu'elle a fait publier. C'est ce que ce qu'on parlait. Euh, Daniel, tu sais, c'est toujours. Euh... Mais c'est ça. Elle est Elle a tendance à faire de. Oui, oui. Ils étaient très amoureux et patati et patata. ouais, belles histoires. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc ou pas Elle a vraiment dit ça Oui, oui. Elle a vraiment dit ça. Mais voilà. Après, c'est son récit. Elle. On peut pas savoir si c'est vrai. Mais c'est très. Comment dire Romancé quoi. Romancé. Voilà. C'est ça. C'est romancé quoi. Après, c'est normal. Enfin, je veux dire. Voilà. elle va parler des Jacob, par exemple. Comme oui. Des, des cousins de Bernard, des vieux retraités. Bon, <laughs> c'est pas, pas non plus. Euh, voilà, à l'époque, c'est pas des vieux retraités. Euh, ce qui est intéressant dans son bouquin, ça, ça vaut quand même le coup de, de, de lire tout le monde un peu quand même. Oui, bien sûr. Euh, c'est voilà, elle a toujours tendance à minimiser quand même euh, euh, les Jacobs euh, oh. et, et, et à toujours très bien les traiter, quoi. Euh, oui. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Pour... Ah pourtant, ce qui est intéressant, c'est que eux, eux, quand ils sont interviewés, ils disent qu'ils les connaissaient pas. Oh, on les voyait une fois, oh, une fois ou deux par an, comme ça, de loin dans le jardin. Tu écoutes euh, la défense de Marcel Jacob. On en parlera tout à l'heure en 2017, mais c'est à mourir de rire alors qu'ils sont euh, considérés, euh, bah, c'était les comme deux frères et tout. Oh, on les connaissait à peine, à peine. <laughs> la défense hasardeuse. L'interview du nouveau détective de Marcel et Jacqueline Jacob est euh, plutôt euh, plutôt à leur décharge. Hein. Ah, je pense qu'il je 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 qu y a des avo ouais. qu qu avocats qui doivent dire bon, écoutez. Euh, ouais. C'est euh, <laughs> sûr que c'est compliqué. Sûr que compliqué. Mmh. Mais alors dans, dans ce dossier, messieurs, ce qui est euh, arrivé par la suite. Alors on sait que Christine Villemin a été, euh, a été accusée. Elle a été, euh, elle a été inculpée. Elle a fait un, un court séjour en. En prison, Jean-Marie, en parallèle, a été emprisonné pour le, le meurtre de Bernard Laroche. Le juge Lambert a été décédé du dossier, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a eu quand même l'arrivée du juge Simon. Donc, du juge Simon, c'est quand même une chance pour, le, pour, le, pour cette affaire-là, pour les parents de Grégory, parce qu'il a réussi à remettre la locomotive dans le, dans le bon sens sur les rails. Et euh, ça a apporté du, beaucoup de positifs à mon sens, et moi c'est vrai que quand tu t'intéresses à l'affaire, que tu, tu vois le passage Simon, après ce que les vivants ont traversé, bah, ça fait du bien, ça aère ça un petit peu, il reprend vraiment tout, il consacre du temps à des choses importantes où le juge Lambert avait consacré très peu de temps, les chronomètres par exemple, et différentes choses, la reconstitution de, la, de, la, de, 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 de Grégory dans l'eau, là justement, où il aurait été euh, balancé. Euh, tu as pas mal de choses qui ont été reprises par le juge Simon, et bien heureusement, parce qu'on euh, en est là, bah, on n'a pas encore le, vraiment le fameux de l'histoire, mais, mais il a réussi à faire des belles choses, et, euh, et c'est vraiment intéressant, et il a commencé à s'intéresser également à élargir un petit peu l'entourage, le, je crois que c'est avec le juge Simon, tu me reprends Daniel si j'ai des bêtises, qu'on a commencé à entendre parler des Jacob, il euh, y a eu quelques petits, quelques petits éléments intéressants à venir sur le, sur le grill, donc euh, tu as des éléments par rapport à ça Daniel toi et que ce ouais, du alors, déjà pour revenir sur le jugement, c'est vrai que voilà c'est euh, c'est un mec qui a vraiment fait le taf. Et lui finalement il a voulu se faire sa propre opinion. Il a interrogé tout le monde. Donc, vraiment il a pris le temps. Moi j'ai eu l'occasion de parler à plein de protagonistes qui ont été donc interrogés par Simon. Euh, et ils m'ont dit tous du bien en fait. Ceux, ceux qui ont été interrogés par Lambert me disent c'était expéditif, mmh. ils s'en foutaient un peu. Alors que le Jus Simon, il a vraiment considéré chaque personne. Il a écouté et il a réussi à en tirer pas mal d'informations. Et effectivement lui il va commencer à questionner tout le monde et on cherche des gens qui aimaient pas les Villemains. Donc c'est sûr que quand on cherche des gens dans l'entourage qui n'aimaient pas les Villemains, on tombe sur les Jacob, parce qu'il y avait eu quelques histoires. Mais après voilà, c'est pas non plus, euh, euh, il, voilà, il y a, est, ça est jamais venu vraiment au coup. Il n'y a pas eu euh, quelqu'un à l'hôpital ou quoi. Mais il y avait une certaine animosité. Euh, et il y a aussi Michel. Et finalement, quand on lit les carnets du jus Simon, euh, eh ben on voit un peu l'évolution de Simon. Donc au début, il interroge les gens. Et puis, à chaque fois, il y a surtout Ginette et Michel qui ressortent, en fait, dans ces oui. carnets. Donc, euh, tous les gens qui l'interrogent disent quand même, « Ouais, Michel et Ginette, ils avaient la haine contre la, la famille. Michel était haineux. Euh, » C'est surtout là-dessus. Et ensuite, il va aussi avoir des gens qui vont dire, « Oui, euh, avec les Jacob, il y avait quelque chose. » donc, donc, lui, à la fin, parce que voilà, ces carnets, ça dure deux ans, euh, sur, la, sur la fin, il va dire, « Bon, bah, de toute façon, le coupable se trouve dans le triangle Laroche. » Michel et Ginette et Jacob. Euh, voilà. Et donc après, il part dans plein de théories, même si honnêtement, c'est lui qui a fait le, le, le gros du travail. Mais aujourd'hui, on a encore plus d'informations. Il euh, y, y a d'autres enquêteurs qui sont passés après. Euh, donc il y a certaines, certaines choses auxquelles euh, il croyait euh, Mordicus, qui se sont avérées fausses aussi. Hein, euh, notamment sur euh, euh, la paternité de Daniel, le fils de, de Ginette et Michel, des choses comme ça. Euh, voilà, il y, y a certaines théories qu'il avait qui se sont avérées fausses. Il pensait à Laroche pour la, la relation, euh, pour la paternité de Daniel, c'est ça Voilà, avec Ginette, des choses comme ça. Il y, y a eu plein de théories. Il lui aussi pensait à un moment qu'éventuellement, euh, Albert... Euh, mais il se base toujours sur des témoignages. Euh, donc Albert aurait pu avoir une relation avec la mère de la roche, euh, un deuxième bâtard. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je vois ça d'un peu plus loin. Euh, je pense que le bâtard, c'était surtout parce que ça, ça touchait aux angoisses. Euh, des membres de la famille. Il y avait déjà eu un bâtard, euh, Jackie, euh, et tous les frères se disaient, et si moi j'étais aussi un bâtard, euh, des choses comme ça. quoi. Oui, » oui, oui. euh, Donc il a su toucher là où ça faisait mal, et je pense qu'il ne faut pas forcément chercher euh, un, un vrai bâtard. quoi. Surtout qu'il se non. contredit des fois, il va dire, oui, il y en a un deuxième de bâtard, et puis ensuite il dit, euh, ah mais que du beurre au cul, enfin il dit des trucs comme ça. Il oui, n'y euh, oui, oui, oui. A, a, a pas ça, enfin. Euh, Lui-même se contredit ce corbeau. Quoi. Donc, euh... Mais le faisceau de, de suspicion de Daniel par rapport au corbeau, il est quand même assez facile à, à orienter puisqu'il épargne, euh, épargne toujours la famille Jacob. Et pourtant, dans la famille Jacob, on sait qu'il y a une grosse histoire d'inceste puisque le, le père Léon, Gé... Léon Jacob a fait un enfant à sa fille euh, Louisette Jacob en la présence de Chantal Jacob. Donc, ça, c'est quand même marrant parce que si ça veut parler de bâtard et d'inceste, si le corbeau est avide de ça, pourquoi n'a-t-il pas parlé des Jacob Bon, on a tous une petite réponse par rapport à ça, parce que soit il y a de la proximité avec la famille Jacob, c'est des amis, c'est de la famille euh, qui lui sont chers, ou alors euh, bon, il fait partie euh, intégrante de la famille. Ça, c'est assez intéressant. À... Ouais, c'est un, un gros angle mort, hein, c'est vrai. Il ouais, faut savoir ouais, que Louisette, ouais. c'était. Euh, Louisette Jacob, euh, elle, elle, elle habitait dans la maison du père de Bernard. Et Bernard, il, elle, elle a un peu élevé Bernard comme, comme une mère, cette Louisette, qui était donc euh, née d'un. Inc... Euh, Enfin, elle non, mais sa, sa fille était née d'un inceste avec euh, son père. Donc sa fille s'appelait Chantal Jacob. Et, euh, et le seul qui s'occupait quand même de cette Louisette, euh, c'est euh, Bernard, quoi. Donc ils étaient assez proches. Après, le corbeau, il a quand même ciblé des Jacob, Il a ciblé ce fameux André Jacob. Euh, en appelant, en disant c'est Dédé le corbeau, tout ça. Donc euh, euh, je pense qu'il a vraiment orienté euh, les soupçons. C'est qu'on comprend, quand on regarde vraiment de près chaque appel, euh, qu'il y a vraiment un jeu entre un corbeau féminin. Et un corbeau masculin. Euh, et c'est ça qui a orienté euh, euh, sur Michel et Ginette, euh, sur les Jacobs. Euh, moi, des fois, qui me fait regarder un peu du côté de La Roche et Isabelle, euh, c'est parce qu'on comprend quand même qu'il y a un jeu comme ça, il y a un tandem. Et, et ça, c'est pas évident au début. Alors, il y a plein de possibilités. Hein, Est-ce que c'est une femme qui s'est imitée un homme Un homme qui s'est imité une femme Pour moi, le plus probable, c'est quand même qu'ils sont vraiment deux. Donc, éventuellement, là, il y a au un minimum. corbeau qui. Qui est encore en liberté, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais est-ce que tu penses pas, Daniel, qu'ils sont même peut-être plus que deux Je ne sais pas. Je te euh... dis ça parce que René Jacob, tu sais, son témoignage, tiens, c'est euh, Jacqueline là. C'est quelque chose. C'est vrai que c'est vrai que ce passage-là, c'est gênant, hein. Ben ouais, et puis en plus, il a cette naïveté très euh, presque d'enfant, tu vois, où, où il demande confirmation aux journalistes. Tu vois, il dit euh, ja « C'est Jacqueline, ça ouais. ?» Il y, y a un petit côté euh, « C'est bien elle, quoi ?» bon, bon, Tu, ouais. Ouais. Et puis, et puis, tu sais, « J'ai bon, j'ai bon. » Et puis ça vient du cœur quand même, tu vois. Puis après, ah il ouais. y a bon flottement. J'allais dire ça. Le, le flottement, c'est méfiez mal Méfiez-vous des apparences, parce que c'est ce fameux René Jacob qui était dans le maquis. Euh, c'est des, des gens voilà, qui ont cette culture du secret, tout ça. Ah On oui. va dire ça euh, après euh, la mise en examen, etc. Et on voit qu'il y a une autre, euh, une autre cousine qui s'appelle euh, Marie-Thérèse Bonato. Oui. Qui a d'ailleurs dit oui. qu'Isabelle lui avait raconté des choses, tout ça. Euh, elle aussi. En fait, il, les Jacob, ils ont tendance à toujours accabler Jacqueline. Parce que voilà, ils ont cette mentalité de clan. Donc c'est pas anodin non plus que que René dit ça. Puis après, on sait oui. pas dans, dans quelles conditions ça a été enregistré. Oui. En tout cas, c'est vrai que c'est bluffant. Moi, je l'avais mis sur une oui. autre chaîne qu'on a. C'est vrai que c'est étonnant euh, qui ouais. dit ça. Euh, maintenant, voilà, c'est comme euh, les, les membres de la famille qui sont certains que c'est Liliane et Jackie à un moment. Oui, bien euh, sûr, bien sûr. Euh, et ça, nous, on le remarque aussi quand. On... Parce qu'on a aussi un Discord, quoi. Donc, des fois, on se passe des audios, des choses comme ça. Mm. Et en fait, tout le monde entend quelque chose d'autre, quoi. Il y en a un qui veut me dire euh, Moi, j'entends une voix de femme, une voix d'homme. Oui. Euh, une femme qui se fait passer pour un homme, un homme pour une femme. Enfin, il y a tout. Euh, donc voilà, je sais pas vraiment... Euh, il ouais, y a euh, beaucoup de biais de confirmation. Ouais. À partir du moment où tu as ton hypothèse en tête, tu entends euh, ce, qui, ce qui confirme ton hypothèse. Du ce qui me fait drôle, c'est quand René Jacob dit euh, ⁇ Oh non, Marcel, c'est pas lui, il est bien trop gentil ⁇ Alors que ce soit pas lui, euh, c'est sa conviction, mais qui dit qu'il est bien trop gentil, euh, bon, c'est pas trop ce qui est relaté, quoi, et euh, on va pas revenir sur 2017. Euh, les gendarmes, ils avaient quand même des biscuits. Euh, c'est pas, c'est pas gentil. C'est Marcel Jacob, nerf de bœuf, quoi. Il y a, il y a quand même des, il est, il est pas vraiment gentil, gentil, gentil. Donc c'est ça, c'est vrai que René Jacob a tendance à charger sa, sa belle-sœur et puis à faire passer son frère pour un bisounours, ce qui n'est pas forcément le cas, quoi. Voilà. Après, ils ont fait des, des tests de quotient intellectuel. Ils sont vraiment très, très bas. crois Qu'on euh, est sur du 70-80 pour, pour oui. les deux, quoi. Euh, donc René, là aussi, René, voilà, ils n'ont pas René vraiment. Marcel. Euh, non, Marcel et Jacqueline. Bah, et Jacqueline, euh... tu vois, le juge, le juge Simon. Euh, alors, il y a les tests de, de QI, c'est du factuel. Hein. Ça, on peut pas les remettre en cause. Mais comme quoi, euh, le juge Simon avait une hypothèse, une, une vision un peu faussée de Jacqueline parce qu'il apprenait, il l'appelait le serpent ou la vipère, je ne sais plus quoi, et il disait qu'elle était, elle était maline, quoi. Je je pense tu peux qu être est malin avec un quotient intellectuel Oui, C'est vrai. vrai. Tu, tu peux être vrai. Très, très adapté et, et manipuler ton environnement. En... Mais qu'est-ce que tu voulais dire par rapport au conscient intellectuel, Daniel Ils ont... On voit vraiment que, que c'est machiavélique ce corbotage. Euh, donc ça demande une certaine intelligence. Euh, donc, donc J'ai du mal à, à imaginer euh, les deux loustiques. Bernard était considéré comme beaucoup plus intelligent que, que Marcel ah oui. et Jacqueline, par exemple. Euh, et son père aussi, le, le père de Laroche, était aussi considéré comme plutôt intelligent. D'ailleurs, il y a un PV où il y a une histoire avec euh, Ginette qui prend mal le fait qu'on dise que, que, que Sébastien est intelligent comme, euh, comme son père. Elle, 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 elle prend ça mal parce que Michel est lui aussi considéré comme euh, comme un illettré, tout ça. Enfin bref, ben, en tout cas, on sait que voilà, ils étaient plutôt considérés comme intelligents, les Laroche et, euh, et par rapport à Marcel, euh, c'est vrai qu'on nous en fait un truc, mais on parlait tout à l'heure de l'histoire d'inceste. Eux euh, donc, les fils, hein, et, et en particulier Marcel Laroche, quand ils apprennent que le père, il euh, y a eu un inceste avec sa propre fille, ils vont lui casser la gueule. Mmh. Euh, donc, ça, ça montre aussi que c'est quelqu'un, évidemment, comme c'est quelqu'un d'expressif, d'impulsif, et, euh, et qui règle ses problèmes de suite, euh, eh ben, euh, on va le suspecter lui, parce que c'est plus voyant. Euh, mais on voit que le corbeau, c'est un autre jeu. Euh, pour l'histoire du nerf de bœuf, là, fin, quand il y a une. Euh, comment s'appelle une altercation un, un soir de réveillon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont doublés par euh, par Bernard Noël et lui en fait, il arrive à activer son feu de recul alors qu'il continue à rouler. Et donc il n'arrête pas de les provoquer. Et évidemment, quand ils les ont doublés, ils ont reconnu que c'était euh, le Marcel et ils n'arrêtent pas de l'allumer tout ça. Donc lui, il est sur la route, c'est un réveillon et puis il y a un mec un kéké qui n'arrête pas de de le provoquer. Marcel, c'est le genre de mec à sortir et à dire voilà. Euh, ensuite il y a une espèce d'altercation euh, et plus tard il redescend euh, chez Albert et il dit « descend si un homme euh, ». Donc c'est quelqu'un qui va exprimer euh, finalement son désaccord, sa violence, tout ça. Alors que chez le corbeau, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'ombre. Euh, même Jacqueline finalement, elle exprime sa haine, elle va dire « saleté de villemain ou main oh, ouais. ». Alors que le corbeau, il va dire euh, « euh, ah c'est l'hiver euh, ». Euh, les, chats sont, les chats gris vont sortir, euh, c'est toujours des, des sous-entendus, je vais te tirer, euh, je vais te tirer dessus, et puis si je te rate, euh, je te tirerai dans le dos, et si je te rate, euh, je t'apporterai des oranges à l'hôpital. <laughs> Donc ouais. ça veut vraiment dire, c'est un mec qui dit, voilà, je, je suis là, je suis dedans, et, et, et tu t'en aperçois même pas. Alors que pour euh, Jacqueline, Marcel, euh, euh, limite même Michel, euh, c'est flagrant en fait, qui sont jaloux, euh, euh, tout ça. Oui, oui, bien sûr. Il y a un côté de travestissement avec le corbeau que vous n'avez pas. C'est une évidence. Oui, mais après, euh, ça peut... Fin... Moi, je reste toujours dans l'hypothèse de, 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 de quelqu'un qui se fait monter le bourrichon euh, en boucle et en boucle et en boucle. Hein. Et, du coup, euh, et du coup, même s'ils n'ont pas participé euh, au, au rapt euh, et, et à l'assassinat, ils... est-ce qu'ils n'ont pas corboté Est-ce qu'ils n'ont pas participé Consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs, à, mmh. à, à ce Le, drame. La logistique aussi. Peut-être, peut mais en même temps, ça c'est très hypothétique. Oui, oui. Mais, mais, mais en tout cas, euh, moi, je suis aussi interpellé euh, par cette. Euh, alors, est-ce est -ce une réelle anecdote ou pas Mais cette lettre qu'on retrouve chez Jacqueline, euh, à, qui commence par mon cher fils et qui fait quand même écho à cette fameuse lettre que oui. la maman de Bernard. Euh, aurait écrite et qui n'a et, et qu'elle n'a pas pu euh, et qui n'a pas été donnée à, à son fils quoi. Mmh. Jacqueline enfin ouais. c'est en plus c'est l'écriture de Jacqueline, c'est retrouvé chez elle, ça commence par mon cher fils et elle dit eh ben non c'est non c'est pas moi qui l'ai écrite. Mmh. C'est vrai que c'est compliqué et oui oui et il y a un cercle de haine quand même euh, de la part de, de Marcel Jacob et Jacqueline Turiot il faut qu'on en parle un peu parce que quand Jean-Marie Villemain était, euh, était plus jeune et euh, qui s'était syndiqué, il a fait partie apparemment d'un mouvement de contestation, euh, d'une grève, je crois, si j'ai des bêtises, tu me rattrapes, Daniel. Et euh, il aurait demandé éventuellement des jours de repos pour un mariage, chose qu'on lui aurait accordée, mais le, le, le patron lui aurait reproché derrière. Et euh, Marcel Jacob était délégué euh, CGT euh, FO, euh, ainsi qu'un euh, ainsi, ainsi qu dénommé Jean-Claude Paternoster. Et euh, ce qu'il y a de marrant de, ce de, marrant de, 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 de voir dans tout ça, c'est que Jean-Claude Paternoster, qui était délégué syndical, qui n'a pas aidé Jean-Marie Villevin, comme Marcel Jacob qui était délégué syndical, Paternoster, il est marié avec Raymond Turiot, euh, c'est la sœur de, 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 de Jacqueline. Je ne dis pas de bêtises, euh, Daniel. Voilà, c'est ça. Après, je crois que Jean-Marie dit quand même que, euh, que, que les CGT, ils ont quand même essayé de... De bien ouais. ranger le truc, mais que ça n'a pas marché. Quoi. Mais, mais c'est vrai que oui, effectivement, ouais. paternoster Noster, euh, il est marié avec une sœur euh, de Jacqueline, enfin Turio. De Jacqueline. Et en plus, il habite pas loin, euh, il habite lui aussi en haut sur la colline. Théoriquement, lui aussi peut voir euh, ce qui se passe ouais. chez Albert. Voilà, et il y a Daniel Turio aussi, qui était le, le contremaître de la, de la filature en question, où travaillait Jean-Marie à l'époque. Et Daniel Turio, c'est le cousin Léonie Jacqueline. Donc, euh... non, 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 ça ah. c'est une erreur par contre. Euh, ça on l'a vérifié, en fait c'est Anacrim qui s'est trompé, c'est un, un, ah, oui. un homonyme, il n'y a aucun rapport avec euh, ce ah, Daniel qui travaillait euh, à l'usine et euh, il y a un ah, autre Daniel quoi, Giriot, ouais, Et puis si Anacrim commence à, 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 à se planter aussi... Ça. ça dépend ce qu'on rentre dedans, c'est toujours le même problème. Après c'est un, un dossier, je pense que c'est le dossier criminel le plus... Il ah, n'y a que des gros, de, de France quoi, il y a ouais. plus de 20, 20 000 pièces c'est beaucoup plus c'est énorme en fait donc c'est normal hein, que même euh, les opj parce qu'on voilà on s'est beaucoup servi d'anacrime en fait c'est pas vraiment une intelligence artificielle c'est moi de ce que j'en ai vu c'est surtout des des, des des rapports de synthèse ouais. euh, sur euh, à tel horaire qui a fait quoi euh, des choses comme ça c'est pas vraiment une intelligence artificielle qui a fait le travail c'est quand même des opj derrière qui ont rentré toutes les pièces euh, euh, voilà dans, dans ce logiciel et qui ensuite ont essayé de combiner des choses c'est plutôt du mot clé en fait hein. 18 h ils ont cherché tous les PV où il y avait écrit 18 heures ont essayé de connecter ça euh, et il y a plein de théories à l'intérieur ça euh, grosse euh, quoi qui, qui tiennent plus aujourd'hui euh, voilà. d'accord et, et, et tu vois dans, la, dans le plan Jacob il y a également une personne qui est très intéressante qui est plus de ce monde c'est Georges Jacob Georges Jacob c'est euh, le frère un des frères de Marcel Jacob et euh, il, est, il est marié avec Cécile Jacob. Et Cécile Jacob, c'est quand même la personne qui révèle à Jackie Villemin le fait qu'il n'est qu pas le, le, le fils d'Albert Villemin de façon un petit peu, un petit peu précoce, hein, j'ai envie de dire, parce que ses parents ne l'ont pas du tout euh, averti de, de tout ça. Et Cécile Jacob, je pense qu'elle fait ça de façon un petit peu malveillante. Et le Georges Jacob, son, son fils, c'est euh, Jean-Paul Jacob. Et Jean-Paul Jacob, j'ai appris dans une de tes vidéos, Daniel, que c'était également un confident de Michel Villemin. Alors, lui, il va se dissocier, je crois, en 82 euh, de Michel et Ginette et il va dire on a arrêté de les voir parce que ils étaient trop haineux envers les membres de la famille. Euh, D'accord. Mais c'est vrai que lui, il est sorti avec Ginette. Oui. Ginette s'est séparée de lui parce que, d'après elle, il en voulait à son argent. Euh, mais bon, après, c'est. Euh, c'est histoires un peu euh, secondaires. Mais oui, Jean-Jacob, ouais. euh, non, bah, je il... pense qu'il a plutôt arrangé. Euh, il a plutôt arrangé tout le monde. Hein. Jean-Jacob, tu veux dire, oui. Oui, ouais, ouais. et euh, lui était présent aussi quand euh, avec les parents quand euh, Michel a, a demandé à, à Lionel d'aller chercher les parents il, il était avec euh, d'accord et Monique parce que il a, il a toujours été tu sais question que la corde retrouvée sur Grégory bon tu en, on en a parlé tous les deux mais c'est juste pour le, pour le grand public en fait que la, la corde retrouvée sur Grégory venait apparemment de chez Georges, Georges Jacob mais on a eu l'explication c'est qu'il en distribuait déjà un petit peu à tout le monde et c'était une corde qui était, une corde qui était assez répandue bah, non, donc, là, si là. les avis divergent, en fait, il y a, y a la théorie euh, euh, des balles de coton des usines euh, qui étaient entourées d'une cordelette végétale. Euh, et puis après, il y a la théorie euh, de la ficelle de Georges Jacob, euh, qui, elle, provenait d'une quincaillerie euh, verdonale euh, à granges sur vologne mm. Et en fait, c'est compliqué, parce qu'il y a eu des expertises, mais on est aussi dans un contexte où les expertises, elles disent toujours un peu... Euh, euh, elles vont toujours un peu dans le sens de l'instruction. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Hmm, D'accord. Donc, on ne sait Et... pas trop. Moi, moi je n'ai pas réussi à y voir clair euh, si c'était bien celle de Georges Jacob ou si c'était plutôt celle des bols des russes. D'accord. OK. Ouais, c'est sûr c'est compliqué. C'est sûr c'est compliqué. Mais voilà, c'est vrai que dans la, dans la famille Jacob, il y a quand même... Pardon. Il y a aussi, moi, c'est qui m'a J'en ai parlé avec Ron au moment-là. C'est le fait que le, le corps de Grégory a été déposé à proximité d'un local de pompiers. Donc, dans mon raisonnement, je me suis dit que la personne qui pouvait faire ce genre de choses était forcément au courant de la présence ou non des pompiers à cette heure-là. Et euh, rien de mieux pour être au courant de ça que d'être un pompier volontaire par exemple. Donc j'ai commencé à gratter là-dessus et je me suis aperçu qu'il y avait quand même quelques deux Jacob, je crois, deux Jacob qui étaient pompiers volontaires, il me semble, et qu'il y en avait un autre qui était à l'ONF, donc garde des forêts. Donc il y avait, il y avait de l'uniforme dans la famille, mais moi, j'étais parti un petit peu là-dessus, tu vois. Et c'est le fait aussi qu'il y ait ces fameux appels directement euh, des pompiers par le, le corbeau, le corbeau euh, féminin, si je ne me trompe pas, euh, l'appel des pompiers avec le numéro de l'officier de permanence, c'est ça, qui était indiqué sur le sur le calendrier. calendrier. Et, et, et je oh, me vrai. suis dit que ça, c'est ce que les gens, euh, les gens ont pensé peut-être à cette solution-là, mais je me suis dit peut-être qu'également, c'est quelqu'un qui était pompier volontaire et qui, qui avait connaissance de ce numéro-là sans forcément passer par le calendrier. Donc j'avais mis ça, si tu veux, en perspective également le fait du dépôt du, du petit à proximité du local des pompiers. Parce que c'est quand même assez risqué, tu n'es quand même peut-être pas à l'abri qu'il y, qu y ait un pompier volontaire ou un pompier volontaire qui arrive chercher du matériel. Ou je ne sais quoi. Maintenant, je sais que tu as, as fermé un petit peu ces pistes-là, mais moi, à l'époque, je m'étais posé la question. Ou alors, quelqu'un de proche d'un pompier volontaire, tu vois, qui était assez, euh, assez serein, assez sûr pour engager euh, un dépôt de corps euh, à proximité de ce local. Ouais, après, c'est souvent ça aussi, c'est qu'on essaye de tout connecter. Moi, je pense ouais. qu'il y a des choses qu'on ne peut pas. <laughs> C'est-à-dire que s'il avait été déposé à côté euh, d'un garagiste, on aurait cherché un garagiste, quoi. Mmh. Euh, oui. J'exagère à peine, quoi, mais c'est un peu ça. Euh, je crois que c'était un, un hangar de pompiers, mais c'était pas forcément une caserne. Euh, je, je sais pas. Euh, à mon avis, ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Ouais. Euh, ah, le mec euh, connaissait quand même. Euh, enfin, le mec connaissait quand même l'endroit et, hein. et. avait anticipé. Ouais, C'est ça, quoi. Elle avait anticipé euh, que là, il serait pas dérangé, en tout cas. J'imagine. Mm. Bah, C'est oui. comme la lettre à la poste, en fait. Euh, Quelqu'un de normal. C'est ça qui est difficile dans cette affaire, c'est qu'on a affaire à quelqu'un euh, qui est complètement déraisonné, mais, mais qui malgré tout a une certaine intelligence. C'est ça, ça qui est un peu euh, contradictoire et, et qui rend tout le monde perplexe. Euh, après, voilà, aller poster une lettre en plein milieu du village, euh, c'est complètement idiot. Alors qu'il y a des boîtes aux lettres partout. Euh, déposer l'enfant à Dosel, pareil, c'est idiot. Euh, il aurait pu se faire euh, gauler à n'importe quel moment. Mais peut être ouais. qu'il s'en foutait et que finalement, c'est par chance que personne ne l'a vu. Ouais c'est ça. Euh, voilà, hein. euh, parce que dans ouais. la lettre, il ne dit pas voilà, vous ne saurez jamais euh, euh, qui qu c'était ou quoi. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est fait. Euh, Ce n'est pas ton argent qui te redonnera ton fils. Et après, le mec... Euh, euh, donc voilà, après, pour Deucel, on avait réfléchi pourquoi cet endroit. On sait que c'était quand même un, un coin prisé des pêcheurs et on sait qu'il a souvent ciblé, ciblé Roger Jacquel qui était un pêcheur ah, reconnu oui. dans la région, éventuellement Dossel, parce que c'est un coin, euh, surtout cet endroit-là, c'est un coin à pêcheurs, euh, on ne sait pas trop. Et puis, est-ce qu'il est qu a vraiment été déposé au niveau de la caserne des pompiers Aujourd'hui, ça fait un peu consensus, mais euh, il y a d'autres possibilités, peut-être en face, euh, mmh. euh, on ne peut pas vraiment savoir. Mmh. Oui. Oui, oui. Mais tu sais, ça s'est encore orienté, si c'est bien déposé là, tu dis que c'est un coin de pêcheur, c'est encore orienté sur Jacquel. Mais moi, tu vois, le, le plan, le type du, du, du corbeau, il a quand même raté une dernière étape, parce que pour moi, si Jean-Marie Villemain prenait son fusil et flinguait euh, Jacquel le soir du 16 octobre, le plan était réussi à 100%. C'est vrai qu'une fois mort, Jacquel n'aurait pas pu euh, euh, comment dire, montrer de blanche et, euh, et sa bonne foi. C'est vraiment peut-être la dernière étape qu'il a manqué au Corbeau pour avoir réussi son pour réussir son plan à 100 Tu sais un peu comme dans la fin du film Seven quoi. Euh, Jean-Marie Villemain qui a tellement été monté euh, contre jacquel qu'il en prend son fusil, il tue euh, Roger jacquel un, un innocent et euh, l'affaire est bouclée quoi. L'affaire est bouclée sous, sous avec un avec un mauvais mort j'ai envie de dire. Et cette dernière étape là parce qu'il a il a bien fait en sorte le Corbeau de faire monter la mayonnaise euh, envers euh, Roger jacquel Liliane et Jackie Villemain et tout. Hein. Et à quelque chose près, ça ne s'est pas joué à grand chose. Parce que s'il y a pas la 4L devant la maison, on en parlait, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que fait Jean-Marie si Christine n'appelle pas Je veux dire, ça, ça, peut, ça peut être un, un bain de sang le soir même. Quoi. Voilà. En tout cas, c'est la preuve que Jean-Marie Villemain ce n'est pas un, un tueur sanguinaire ou quoi. Parce qu'il aurait pu le faire ce jour-là. Oui, et oui, d'ailleurs, ça fait même partie des éléments. Où les gens se disent mais pourquoi il l'a pas fait, finalement euh, Donc voilà, je pense que c'était. C'est dur aussi et, et Jean-Marie c'est pas c'est pas un tueur quoi contrairement au Courbeau. Non non euh, non. Mais, oui, mais en tout cas oui. il y avait sûrement cette volonté de de tout mettre sur Jacqueline et ça ça a marché parfaitement. Ça a failli ouais, ça, ça a failli non. marcher. Mais il y, y a pas il y a pas un père moi je moi je moi je, je suis père il y a pas un père au monde qui ne réagirait pas comme Jean-Marie Villemain a réagi ou aurait pu réagir. Ton, ton, on tue un de tes enfants et on te dit c'est telle personne. Euh, voilà. Je me projette même pas, je ne sais même pas à quelle réaction j'aurai, mais ça pourrait être très compliqué, je pense. C'est une réaction tellement tellement, tellement humaine et en découle malheureusement l'assassinat de Bernard Laroche, mais, euh, mais voilà, c'est compliqué. Hein. Vrai que... Surtout qu'il le savait, le corbeau, puisque quand il a commencé à menacer directement. Euh... Euh, le fils du chef, euh, ouais, c'est là où Jean-Marie a réagi euh, vertement, quoi. Donc ouais. euh, là il a su que euh, là il a su qu'il qu avait l'objet de sa vengeance, en fait. C'est ça, parce que Jean-Marie, dans ses réponses, il fait toujours preuve de, de sang-froid, t'as vraiment l'impression d'avoir affaire à un rempart, un rempart infranchissable, et puis comme tu dis, run justement, c'est le coup du de, de de son fiston, et ben bah ben là, il y a une faille dans la dans la muraille, et puis le, malheureusement le corbeau l'a repéré et s'engouffre dedans, quoi. Mais c'est terrible. Quand tu prends un peu de recul sur cette histoire, c'est juste terrible. terrible. Ah ouais, c'est c'est le, comme disait le juge, le juge Simon à juste titre, il y a, il y a un côté diabolique dans cette affaire. Là, 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 on y est vraiment, on est vraiment dans le pire du pire. Le pire du pire, c'est, terrible. Okay, okay. J'ai un gosse de stage là, tu vois, j'ai mon, mon fils, il a, il a exactement le même âge. C'est, c'est inimaginable. C'est, ouais, c'est ça quoi. Tu, tu dis, ben, mais quelle horreur. Subir ça, c'est inimaginable, mais le faire, je sais pas. Ah non, pas, mais c'est un délire. Je ne comprends pas. Ah ouais, il y, y a des énigmes quand même dans l'espèce humaine. Il y a des grands points d'interrogation. À certains moments, je me dis. Euh, comment on peut mec, faire ça le, le mec qui a fait ça, je pense qu'au fond de lui, c'était légitime de le faire. C'est-à-dire que ah oui. c'était plus un enfant, c'était un objet. C'était le, c'était. Tu vois, c'était peut-être même qu'il l'a fait entre guillemets contraint et forcé. Genre, je suis obligé. Ouais. là. Voilà. Il y avait une, sou une souffrance emmagasinée une souffrance emmagasinée, euh, quelque chose qui, qui, qui n'allait pas. Les, les batteries étaient pleines aussi de haine. Ce que Jean-Marie Villemain, suite à ça, dit qu'il a les, les veines remplies de haine, mais le, le corbeau, il, il fait ça parce qu'il est rempli de haine depuis des années aussi. Hein, et, et, ma, et malheureusement, si c'est bien lui, hein, je dis bien si toujours, euh, Bernard Laroche, quand tu regardes son parcours et, et ce qu'il a pu peut-être endurer et tout ça, avec. Euh, le décès de sa mère à la naissance, euh, son père aussi, où ce n'est pas forcément bien passé, euh, le cancer et tout, euh, le mot retrouvé, euh, Albert, me, Albert me, me raquette, ou je ne sais plus ce qui était marqué, pas me raquette, mais Albert le me. chantage. Me Demande me fait du chantage. Il y a, il y a une espèce d'embrigadement là-dedans. Euh, voilà, il y a pas mal de choses aussi. Ce n'est pas, pas justifiable, mais tu peux même pas comprendre ce qu'il fait, mais tu te dis, bon, pour ces raisons-là, si c'est bien lui, ce tome là est passé à l'acte le, le 16 octobre, et puis c'était la, la, la folie. Et, et c'est vrai que le juge Simon, quand il parle d'affaires de, de, diaboliques, et ben, on, y est, on y est vraiment. Hein. C'est une certitude. Et malheureusement, le parcours du juge, du juge Simon est, est arrêté en plein vol puisqu'il bah, subit, c'est ça, c'est une attaque cardiaque, je crois, avec le, le, sur, le surmenage, dû à son âge, il était déjà cardiaque. L'attaque des médias aussi qui ne les font pas de cadeaux, et puis tu as, tu as toujours les avocats de la défense qui sont, euh, qui sont très virulents à son encontre. Hein, les il a fait de... un petit faux pas aussi, il a fait un petit faux pas. Ouais. A... C'est ça. Mmh. Ouais. ça. Et, et c'est bien malheureux parce que ce qui, ce, qui ne, ce qui ne pouvait pas se permettre, il l'a il malheureusement fait, il s'est fait piéger. C'est par le Nouveau Détective, je crois, ou le magazine oui, voilà, comme ça. ça. ouais par euh, Pradier. Ouais. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, euh, avec le juge Simon, c'est que dès le début, euh, donc, il reprend l'enquête, en fait, il a déjà des problèmes de cœur. Et, ouais. et en fait, à chaque fois dans ses carnets, c est, c est, il y en a une tonne, hein, à chaque fois, il dit « j'espère que, que j'aurai encore le temps de résoudre cette affaire pour Grégory ». Et en fait, c'est un peu impressionnant. C'était un mec mystique, malgré tout, même si ça se voit pas. Ouais. Et... Euh, et, et ce qui va lui arriver, quelque part, il, il, le, il le prédit à l'avance. Euh, oui. et, et voilà, il sait qu'il a des problèmes de cœur, tout ça. Et je pense qu'à un moment, il est lui-même attaqué euh, par, euh, par le côté d'en face. Et puis c'est le jeu, hein, c'est normal. Euh, voilà, chacun fait son, son job euh, sur Terre et, et ailleurs. Et, euh, oui. et finalement, à force d'être attaqué aussi, eh ben, il, il vit ce que les parents ont vécu aussi. Et c'est vrai qu'à un moment, il y, a, il y a quand même un parti pris, mais de toute façon, euh, l'enquête le mène le de toute façon vers ça. Euh, et, et moi, ce que j'ai trouvé hyper triste, c'est de voir euh, son, son destin, en fait, où il, il prévoit tout à l'avance. Et, euh, et quand on retourne en arrière, on dit, bah, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Et il, il avait prévu, il avait anticipé. Euh, euh, donc, c'est un mec hyper intéressant. Mais c'est vrai que sur ouais. la fin, il a, il a gaffé, quoi. Il avait dit qu'il ne parlerait pas aux médias. Au ouais, début, c'était vraiment plus... le mec un peu discret. Euh, et puis à la fin, il donne cette interview euh, à la 5, à Paul Lefebvre. Euh, et, et là, déjà, on le sent pas serein. Euh, D'après moi, hein, il joue un peu le mystérieux. Il dit oui, une ou ouais. plusieurs personnes. Ça fait un peu comme ces gens qui, diront, qui disent, euh, ah, tu verras bien euh, ce qui va t'arriver, tout ça. En fait, c'est du bluff. On, on le sait tous. S'il ouais. y a quelque chose, on le dit. Et s'il ne faut rien dire, on ne dit rien. Mais si on vient à la télé comme ça et qu'on joue le mystérieux, c'est que finalement... Mmh. On, on essaye de mettre un, un coup de pied dans la fourmilière. Bien sûr. Et je pense que là, voilà, il y a. Et, et puis bon, il, il recevait des menaces, euh, sa hiérarchie le soutenait pas forcément. Euh, donc tout ça a fait qu'à un moment, euh, euh, il s'est fait piéger euh, par, euh, par le nouveau détective, ouais, euh, qui a sorti une fois cette interview. Mmh. Et, euh, et puis là, bah, il savait qu'il était condamné. quoi. Et euh, il a fait une crise cardiaque un peu plus tard. Euh, c'est un, un sacré destin. En tout cas, il était sincère dans, dans sa démarche. Euh, ouais, même si des fois il, 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 se trompait, il se trompait complètement, hein, d'après moi. Avec le recul, euh, mais par contre, il était sincère. Et il n'a ouais. pas euh, enquêté seulement sur, sur Bernard ou euh, sur Ginette Michel, les Jacob, mais, mais aussi sur Christine. Hein. Il, il a interrogé oui, les, 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 les filles de la poste. Il a regardé. Oui. Euh, il a même dit bah, sur les filles de la poste, c'est vrai que les témoignages, est ce que euh, donc il était sincère. Euh, euh, mais à la fin, il a eu quand même les mêmes conclusions. Euh, ouais, euh, voilà. tu parles des filles voilà. de la Poste. Il faut, faut peut-être rappeler aux, aux auditeurs ce que, qui sait. Les filles de la Poste, c'est des trois femmes qui ont témoigné contre Christine Villemain, comme quoi elle aurait posté un courrier le 16 octobre, donc euh, à l'heure à, à laquelle le, le courrier du Corbeau a été posté. Donc Christine Villemain a été suspectée d'avoir posté ce fameux courrier. Euh, courrier pardon. Et elle aurait été vue par trois collègues à elle, dont une avec laquelle elle était en mauvais terme, je crois, et quelque chose comme ça, ou une histoire de, de prise de, de bec au travail. Donc ces, ces femmes-là n'étaient pas forcément très bienveillantes envers cécile. si j'ai bien compris, Daniel. C'est ça. Voilà, c'est ça. Par contre, il y a eu même plus que ça. Il hein, y a eu plus que trois, trois collègues hein, qui ont dit ça. Il euh, y, y avait aussi des rumeurs d'appels anonymes. Enfin, c'est un peu compliqué, mais d'après moi, c'est. C'est pas forcément euh, lié, à, lié à toute cette affaire, c'est. Comment on appelle ça euh, C'est un truc parallèle encore. Mais, mais bon, en tout cas, ces nanas, elles avaient l'air sincères. Alors, on sait que la veille, le 15, Christine avait posté, euh, je crois que c'était un, un, un courrier pour, euh, pour une commande à distance ou un truc comme ça. C'est ça, ouais. Et euh, Et elle avait les mêmes vêtements euh, que la veille, donc peut-être qu'il y a eu confusion ouais. à ce niveau-là. Mais c'est vrai que même là, le juge Simon, en fait, lui-même, il dit « tiens, c'est est bizarre, est-ce qu'éventuellement Christine, elle n'a pas voulu dire euh, qu'elle a, qu a peut-être posté quelque chose ouais, ?» En c tout cas, ce qui aussi, est sûr, hein. c'est que le, le juge Simon, il a réussi à la mettre en confiance et, et, et à faire avouer certaines choses, euh, alors qu'avant, elle était toujours en position de l'accuser. Et oh. Simon, lui, il a vraiment essayé de comprendre euh, et de faire confiance pour que les gens, euh, finalement, disent des choses aussi. On se livre euh, un peu, bien sûr. Ce ouais. livre, et il a plutôt bien réussi. D'ailleurs, je crois qu'un des fils de Jean-Marie et Christine s'appelle Simon. Oui, euh, mmh, voilà. tout à fait. Mais une question que je me pose, Daniel, parce que toi, tu as été sur le, sur le terrain là-bas, et moi, il y a toujours un petit intérêt ésotérique par rapport à certaines choses. Et je sais que les Vosges, c'est une, une région qui est réputée pour, euh, pour avoir certaines pratiques un petit peu occultes et tout. Et je me dis que cette affaire-là, euh, la, la, on, on a du mal à la résoudre. D'une part, il y a les avocats de la Défense qui font un gros travail, mais en plus de ça, il y a quand même de la malchance. Il y a des, il y a, il y a des enchaînements de situations où tu te dis que les étoiles sont alignées dans le ciel pour, le, pour, le, pour la malveillance. Pour la malveillance, et, euh, et quand le juge Simon une d'une affaire diabolique, on, on y est pour moi. Est-ce que tu, quand tu as interrogé des gens de là-bas, est-ce que tu as entendu parler de pratiques dans les campagnes, un petit peu le mauvais oeil, le ci, le ça, ça Tu as entendu parler de ça ou quoi Non, 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 pas du tout. Enfin, non. oui. Ils pratiquent tous, mais finalement c'est. Euh, ouais, ils pratiquent tous, mais c'est des plantes médicinales, des choses comme ça. Et oui, puis oui, après, oui. on sait que Christine apprenait un pendule, des choses comme ça, mais ça reste de la pensée magique. Oui, c'est Mais mais c'est pas de la magie noire par contre. Ça doit exister oui. à la périphérie comme partout, mais c'est pas plus représenté euh, mmh. qu'autre part. Mmh. Euh, D'ailleurs, une, une des choses, moi, que j'ai trouvé bien en me rendant sur place, c'est de m'apercevoir à quel point on délirait euh, sur les Vosges. Oui, euh, ah, oui, on oui. Tu euh, <laughs> fais gaffe, tu vas te faire tirer dessus. Enfin, j'y suis arrivé, j'étais angoissé, quoi. C'est des Tesœux. Euh, et puis ouais. finalement, j'arrive, au contraire, c'est des gens su super sympas, bavards, enfin euh, comme partout, quoi. Peut-être même plus sympas qu'ailleurs. Tu avais euh, peut-être dû voir le complément d'enquête où euh, le, le, le lieutenant-colonel Sesma se fait recevoir avec un journaliste, euh, tu sais, au niveau du, de l'ancien pavillon des Villemains, ils ont affaire à quelqu'un qui est exaspéré et qui veut plus tout voir les mains et qui hurle dessus. Je ne sais pas si tu te rappelle quelque chose. Ah la scène oui, était, à, fait, ouais. était amusante. J'ai oh là là, dit, oh, le mec est chaud là, le mec est chaud, il ne faut pas rester là. <laughs> ouais, et c'est lui qui a tiré plus tard aussi sur le drone Netflix. Ah d'accord, euh, ah, okay. ouais, ouais, c'est le même. Moi, ouais. Je ne suis, suis pas surpris, hein. okay, ça <rire> correspond. <rire> mais bon, après, on, on peut le comprendre aussi. C'est à dire ça devient un lieu de pèlerinage. Euh, tu as toujours des mecs qui font des photos devant chez lui. Et euh, hum. voilà, je, je dis coupable, hein, je l'ai fait aussi. Euh, euh, donc on le comprend, mais sinon vraiment la population est hyper relaxe dans les Vosges, c'est une belle région, il euh, mm. y a des montagnes, des paysages magnifiques, et c'est vrai que cette affaire, elle leur a fait du mal. Quoi. Quand on en parle euh, sur place, euh, ben on, on sent vraiment que ça leur a fait du mal. Et en plus, c'est pas des gens euh, non plus agressifs ou quoi. Euh, non, non, c'est très paisible en fait, il n'y a pas d'embrouille, il euh, y, y a même un côté des fois euh, euh, années 60. Euh, ah la oui. façon de communiquer, tout ça. Ouais, ouais. Après, c'est moderne quand même, mais je veux dire, dans le comportement des gens, il n'y a pas ouais. cette agressivité qu'on qu retrouve dans les grandes villes. C'est vraiment calme, il ne se passe pas grand chose. Ouais. Euh, et, et je pense que voilà, ce qui a été décrit par, par la presse à l'époque, c'était surtout dû au contexte économique. Voilà, C'est des gens ça. qui. Euh, C'était un bien. peu communiste. Ces, ces entreprises, il y avait euh, euh, la crèche, euh, l'école, le magasin, tout appartenait à, à, à ces entreprises. quoi Et puis les vacances. Euh, et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, ils partaient tout. Ça. Euh, donc cette tension, elle venait de là. Quoi. Et voilà, des gens qui étaient euh, euh, affectés par, euh, par ce contexte économique. Et on les a décrits comme des sauvages. Euh, ce qui est complètement faux. Au contraire, hein, c'est plutôt des gens débrouillards et euh, qui sont très malins. Hein. Moi, j'ai essayé de, des fois de, de discuter comme ça et on, on, les, on, on les voit manœuvrer tout ça. On sent aussi qu'ils euh, ont un côté euh, un, un bon sens et euh, euh, voilà, qu'on ne retrouve pas partout d'ailleurs. Hein. Ouais. Euh... Oui, mais c'est les journalistes. Moi, c'est pareil. Je viens du nord de la France. Euh... Pendant un moment, on était dans une boîte euh, tu vois, qui faisait de l'informatique. Et, et, et en, quand on parlait de nous, c'était euh, des terrils. Euh, des terrils les terrils, c'est les gros monts de charbon. Des terrils euh, au, au, à Internet. Il y, y a toujours ce, ce raccourci, cette caricature de... Euh, donc on vient du nord de la France, donc forcément, euh, tu, vois, on, on est, tu vois, on sort des mines de charbon. Euh, J'ai envie de dire, c'est un malheureux raccourci euh, journalistique qui fait... Euh, qui essaye de, de romantiser entre guillemets le, 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 le truc en, en, en stigmatisant un petit peu ouais, la population, en disant ouais, c'est les Vosges, c'est. Un petit coup de zola, quoi. C'est ça, il se passe des drôles de trucs et c'est normal, ça n'arriverait pas chez nous, tu vois. Il ouais. y, y a toujours ce truc-là sensationnaliste, malheureusement. Bon. Ouais. Il y, a, il y a eu un, un reportage euh, sur ta deuxième chaîne, euh, Daniel, où il y a un monsieur euh, assez âgé dans les années 80 qui parle de l'affaire Grégory. Et qui il disait justement il ne se passe pas grand-chose dans les Vosges, mais quand il y a un fait divers, il est, il est, euh, il est très cruel parce que c'est des, des crimes d'hommes, c'est des crimes rares, mais d'une violence extrême. Et il parlait de ça dans les Vosges euh, il y a toujours eu des faits divers, des trucs pas possibles, de façon très épisodique. Ce n'est pas régulier, c'est. Euh, il n'y a pas de délinquance et tout, mais quand ça arrive, ça arrive fort quoi. Ouais, ouais, c'est Frédéric Potcher qui dit ça, et je suis assez d'accord avec lui. C'est des gens vraiment sympas. Après, euh, voilà, il y a quelques trucs. Je suis allé dans des bars complètement perdus. Euh, et, et je me rappelle d'une scène où euh, je rentre donc dans le bar et ils étaient tous en train de fumer. Et euh, je suis tout seul, euh, comme ça, en, en mode gomme. Que... <laughs> et puis je leur dis, euh, ah mais c'est cool, on peut fumer ici. À l'époque, je fumais encore. Euh, et, et, et le mec c'était un vieux comme ça et puis il me dit euh, ouais ouais y a pas de souci et puis il me dit par contre s'il y a les flics qui viennent euh, faut cacher le cendrier quoi et, euh, et voilà donc euh, c'est ça que j'aime bien aussi c'est que moi je viens plutôt du sud de la France et dans le sud il y a aussi cette mentalité là euh, voilà il euh, y a les lois et puis après on s'arrange mais c'est quand même toujours bienveillant quoi et, euh, euh, mmh. voilà après bon il y a le problème de l'alcool par contre euh, qui était réel à l'époque euh, voilà, qui a fait beaucoup de mal. Je pense que dans le corps il y avait aussi beaucoup d'alcool. Oui. Euh, ça, par contre, c'était un fléau. Et la, la plupart des, des faits divers, euh, voilà il y avait une alcool, hein. consommation bah, d'alcool. Euh... Comme dans toutes les zones désinstru... enfin, désinstrualisées, quoi Ouais, ouais, ouais. ouais. Tu vois, ouais. Dans le nord, c'est pareil. Dans l'est, ça a été ça aussi. On a une belle preuve des dégâts de l'alcool, messieurs, parce que les euh, les Jacob ont reçu l'appel d'un corbeau qui est un de mes compatriotes. Je sais pas si vous avez écouté le, la teneur de l'appel, mais bon, ça sent l'apéritif et puis euh, il sort des insanités. Euh... Non, je crois, que... c est, c est à, je crois que c'est à c'est je crois que c'est à bah écoute il appelle il est complètement aviné il a été condamné et puis euh, il dit euh, ouais Marcel euh, ou Jacqueline, je sais pas quoi puis les insultes et tout. Euh, t'as plutôt intérêt à parler, ton frère René, c'est... Ah bref, voilà quoi. Ah, c'est un mec euh... qui a fait du harcèlement sur les... ouais, sur les... Ah ouais qui s'est à faire corbou mais en... Ah en, ouais. deux... en 2019, tu vois, de, de façon très grossière, il pensait être ah baisable ouais. et il s'est fait baisser, quoi. Ah bah, il <laughs> ouais, a dû prendre cher en plus. Et puis j'ai entendu la voix, tu sais, une voix, une, voix, une voix reconnaissante entre mille, qui sent un petit peu le... la Nice tu vois. Je dis, ah putain, ouais. merde. Ah, le mec a pris cher. C'est bah ouais, voilà. no normal parce que sinon, euh, s'il n'y si a pas un exemple, ah. toi, tout le monde va s'y mettre. Oui. oui, puis de toute façon, il y a, y, a, y, a y a une enquête en cours. Il euh, ne faut pas importuner les gens comme ça. La justice doit faire son travail. Euh, je pense que c'est le maître mot de, de cette affaire-là. Il faut laisser la, la justice faire son travail en silence, si possible, sans trop médiatisation et tout ça. Puis il ne faut pas parasiter euh, ce genre de choses. Voilà. Puis ce pas fin. Est-ce que, même... qu Est que vous pensez qu'on va qu'on va avoir la, le fin mot de l'histoire un jour. Ouais. à votre Et, avis. Ben, ouais, je vais laisser pas répondre peut-être Daniel par rapport à un sujet. Ouais, moi je pense que oui. Ouais. Honnêtement, euh, je comme si moi je pense que la vérité est dans le dossier. Maintenant, il y a tellement de pièces. Ouais. Euh, il faut essayer à... Déjà, il faut défricher le vrai, le faux. Ensuite, il faut faire un, un travail. Euh, pour expliquer aux gens, voilà, à quel moment les avocats ont placé tel tram et les avocats des deux côtés. Euh, c'est dur à dire, mais c'est vrai. Tout le monde, c'est un, un peu arrangé avec la vérité mmh. ou a dû faire avec avec certaines certaines choses. Euh, et donc, je pense que c'est déjà si on déchiffre, on déchiffre tout ça, euh, qu'on remet les choses à plat, qu'on analyse ça froidement. Et euh, et il y aura un moyen en tout cas de de déceler des choses et puis après on garde quand même l'espoir euh, mmh. voilà sur il y a des courriers euh, qui ont jamais été analysés on va voir s'il y a de l'ADN des ouais. choses comme ça si par hasard on tombe euh, sur un des euh, des suspects qu'on a déjà sortis du chapeau ce serait déjà une ce serait déjà pas mal quoi oui, bien euh, sûr. je pense que euh, ça ça reste toujours possible euh, puis la science évolue quand même oh. euh, et, et puis on peut aussi avoir des aveux tardifs des choses comme ça parce que les personnes de, qui savent quelque chose nous écoutent, euh, voilà, vous serez toujours les bienvenus euh, sur Radio YouTube. Voilà, c'est dit. Ça, c'est dit, tu as bien raison, parce que je pense sincèrement qu'une émission comme, euh, comme Damien nous a autorisé à faire ce soir à la séance de minuit, nous a reçu pour ce genre d'émission, pour une émission sur Grégory, ça tire euh, vers le haut parce que ça permet de ne pas oublier ce fait divers de pas oublier euh, la famille Villemain et Grégory Villemain. Et ça permet de médiatiser et puis justement, comme tu dis, peut-être éventuellement d'encourager les gens à venir te, te contacter sur radio YouTube pour avoir des infos, des éléments, des indices et tout ça et faire avancer un peu le le chemin public à notre, à notre petit niveau. Toi, ton ton niveau plus plus important, Daniel, ce que tu investigues. Mais mais nous, écoute, si on peut apporter, aider un petit peu et puis toujours une pensée pour cette enfance, ça c'est sûr. Messieurs, j'aimerais bien revenir rapidement sur 2017. Si ça, si vous avez encore un petit peu d'énergie. Ouais ouais, bah dit... ouais, ouais. Bah, la perquisition chez les, euh, chez les, le couple Jacob, qui est quand même relativement intrigante, et puis le comportement de, de ces deux protagonistes euh, depuis euh, le 12 décembre 89, où Marcel Jacob se présente seul au palais de justice de Dijon, donc c'est est, est, est Maurice Simon qui est en, qui est en place, et euh, c'est marqué sur l'enveloppe euh, Monsieur Marcel Jacob et Madame Jacqueline Jacob. Et Jacqueline ne se présente pas ce jour en question. Et Marcel prétexte qu'il pensait qu'il était convoqué tout seul. Donc le Maurice Simon a toujours dit que c'était un peu suspect. Le jugement trouvait ça un peu suspect. Et durant les auditions, il y a quand même Marcel Jacob qui efface toujours toute marque d'animosité entre, les... entre sa famille et les villemains. Il arrondit toujours les angles. Voilà, bon, il y a peut-être la pression de la justice ouais, aussi. Euh... C'est peut-être un peu légitime. Et oui. Il indique toujours avoir suivi de très loin l'affaire Grégory, ne pas être au courant de grand-chose. Donc, après, quand on va revenir sur les perquisitions, ça montre le contraire. Euh, que sa, femme, sa femme, auditionnée également par le, le par le juge Simon, parce qu'elle a, a été auditionnée, si je ne me trompe pas, Daniel, tu me, tu me corriges. Et le juge Simon l'a reçue et elle ne savait rien du corbeau, des agissements et tout ça, les lettres, les appels, elle ne savait rien du tout. Donc, c'est quand même un petit peu, un petit peu surprenant de par la proximité, la famille, tout ça. Bon, elle est quand même mariée avec le petit frère de, de Monique Villemain qui, qui souffre du corbeau depuis, depuis trois ans. Et les, lors, les, lors, il y a eu des dictées qui ont été organisées en 91 et 92. Et euh, Marcel Jacob a fait des crises de nerfs durant, cette, euh, durant les dictées, quoi, les, la convocation dictée. Et ça, ça a été rapporté par Monique Villemain sur PV. Ce que je vous relate là, c'est dans le livre de, Tour, de Tourangeau c'est le chapitre Ouvrir la cage au corbeau. Donc, je pars toujours sous couvert de Madame Touranchot, qui a produit un, un livre sérieux. Il y a aussi, moi, ce qui m'a toujours un petit peu interpellé, c'est ce fameux parler-off, le droit au silence que Jacqueline Jacob a adopté en 2017. Donc moi, je me suis un petit peu rencardé parce que c'est vrai que le droit au silence, c'était quelque chose qui n'était pas autorisé en France, qui était autorisé en Italie et qui était utilisé par les mafieux. Et après, qui a été utilisé aux États-Unis dans certains, dans certains États. Euh, ou peut-être même généralisé, je ne sais plus, euh, pas toujours par des mafieux aussi. C'est des pratiques de mafieux. Franchement, c'est pour ne rien dire, tu droit au silence. Il euh, y a aussi quelque chose, Maurice, euh, Maurice Simon a toujours, euh, dans, durant les auditions d'Arcel Jacob, a fait état de sa maladresse. Donc là, euh, Daniel nous a apporté peut-être la raison de sa maladresse. Euh, on sait pourquoi maintenant. Euh, il, voulait dé, il voulait dédouaner euh, Bernard Laroche, mais plus il parlait, plus il l'enfonçait en voulant le dédouaner. Donc c'est quand même. Euh, assez marrant et c'est un trait de caractère que justement euh, Daniel nous a nous a relaté euh, il y a également l'expertise graphologique du 2 mai 2017 qui indique que Jacqueline a écrit les courriers du 27 04 83 et peut-être le courrier euh, du 4 3 83 du euh, du 4 mars 83 donc là on n'est pas encore à la à la ouais, c'est ouais. vraiment euh, c'est vraiment les euh, alors il y a un courrier euh, qu'elle euh, qu aurait écrit et un peut-être qu'elle aurait écrit. Donc c'est du peut-être sur le deuxième courrier. Il euh, y a aussi quelque chose de bizarre, c'est que, alors Marcel Jacob, apparemment, bon, bah on s'intéressait on, on pas à l'affaire. Pourtant, Marcel Jacob, il avait conservé, durant la perquisition, ils ont retrouvé le PV de réunion syndicale du 16 octobre 84, sur le jour de la saint Grégory, attestant de sa, de sa présence. Donc euh, la question, c'est pourquoi ne l'a-t-il pas déjà remis aux gendarmes quand il a été auditionné le 22 euh, novembre 84 ou au juge, au juge Simon euh, en 89 donc la théorie que madame euh, Turanchot euh, établit c'est que c'est peut-être un alibi euh, forgé après coup et c'est vrai qu'en y réfléchissant tu te dis bah ben, si le mec n'a pas avait, avait cet alibi là, cette, euh, cette attestation de réunion en 84 et en 89 présenter au juge Simon ça aurait éteint toute suspicion à leur rencontre, donc, ouais. oui, il ne l'a pas fourni au moment là c'est peut-être quelque chose qu'il a constitué par la suite, ouais. après il y a Toujours ce fameux courrier testament de Marcel Jacob du 12 décembre 2009 adressé à Monique et Albert Villemain où il revendique son innocence pour le 16 octobre, innocent à 100%. Il y a également un courrier euh, qui a été euh, écrit bizarrement lors des, des prélèvements d'ADN dont il a fait partie en le, en, comment dire, en décembre 2009, où il était, il était, il était inquiet, comme quoi il n'avait rien fait en cette affaire et tout ça. Donc il était très inquiet au moment des, des prises d'ADN. Donc il a expliqué durant son, sa garde à vue que c'est parce qu'il ne connaissait pas l'ADN, il ne savait pas à quoi, voilà, et puis il avait peur de ce, ce nouveau procédé. Euh, tu as quand même le, ouais. également le portrait robot de l'hôtel de la Poste, euh, qui a, qui a été, qui a, où il a été vu deux, deux fois, ce fameux individu, à 16h35 et 17h, 17h15 et également devant l'école, où ça s'est décrit comme ressemblant fortement à Marcel Jacob. D'ailleurs, euh, il ne se souvient pas durant son édition s'il avait des pattes à l'époque, des favoris. là. Par contre, les gendarmes ont trouvé une photo de famille à l'automne 84, où il avait des favoris et une moustache. Donc ça, c'est du factuel, messieurs. Les gendarmes détiennent ont, ont une photo de Marcel euh, Jacob au moment des faits, en, en automne 84, où il a bien des favoris et la moustache. Madame Touranchot dans son livre. Euh, et c'est vrai que quand tu vois le portrait robot, ça peut éventuellement euh, prêter à, à confusion. Et euh, également, il y a le, alors, le portrait robot de la Poste. C'est M. Michel Cormy qui le donne, Daniel, c'est ça Le portrait euh, Cornéli, robot ouais. Cornélie, oui. Cornélie, voilà. Cornéli, d'accord. Oh, Mais okay. c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait. Il était encore à, à sa réunion. Et il faut oui. savoir que jusqu'au non-lieu, donc 93, en fait, il n'a même pas besoin d'alibi parce que euh, leur alibi, c'est qu'ils étaient au travail. Et c'est oui. beaucoup plus tard, en fait, avec la nouvelle, euh, dans les nouvelles mises en examen, que là, il y a des scénarios un peu... qu'ils auraient oui. pu sortir de l'usine, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Jacob, comme... Euh, il y a plein de gens qui disaient qu'il y, y avait eu des histoires avec Albert. Oui. Euh, dès 91, Jacqueline Jacob a fait des dictées, tout ça. Donc là, il faut se dire aussi, ils se, ils se savaient euh, soupçonnés. Donc à mon avis, s'ils avaient été coupables, ils auraient pas laissé les trucs chez eux. Ils se doutaient oui, oui, très oui. bien, et, et, et je pense que cette nervosité, moi j'avais posté un truc de 92 euh, où ils étaient déjà un peu jetés en pâture, leur nom, tout ça, euh, dans les médias. Euh, donc quand ils ont vu les erreurs judiciaires euh, qu'il y a eu, euh, ne serait-ce qu'avec Christine... Ouais, ça euh, fait peur. Euh, c est, c est, euh, on les comprend un peu, quoi. Euh, ah oui, non mais carrément. Hein. Euh, je suis pour moi, ça, ce n'est tu... pas forcément, forcément des aimants. Par contre, c'est vrai que cette lettre, euh, trouvée chez les Jacob, mon cher fils, euh, oui. Moi, j'ai longtemps pensé, hein, parce que je, je viens un peu de de, de, de ce truc sur les Jacob. Au début, j'y croyais euh, un peu plus. Euh, c'est vrai qu'on s'est toujours demandé si c'était pas cette fameuse lettre euh, écrite par Thérèse Jacob euh, ouais. euh, à sa mère, quoi, euh, ou alors un faux pour essayer de, de manipuler la roche. Mais euh, ce qui est ce qui est quand même intriguant, c'est qu'on nous dit toujours euh, dans les médias le seul truc qui fuit, c'est une lettre où il y avait écrit mon cher fils, et puis on nous donne pas la suite. Ouais. Euh, donc euh, et donc ouais, après chacun il va de sa théorie. S'il euh, y avait du concret, s'il y avait du béton, on nous aurait dit euh, voilà il y a une fausse lettre de Thérèse ou la lettre de Thérèse ou quoi. Là on nous dit juste une lettre mon cher fils et, euh, et finalement ça ça part dans tous les sens. Ouais, mais les avocats ils auraient pas chargé si si c'était si pas une lettre comme ça. Mais là dessus ça, il, il a pas été forc... enfin personne n'a chargé là dessus. De toute façon euh, voilà ils sont pas euh, voilà, ils ont été libérés, il n'y a pas de, a oui, pas de procès. Oui. oui, puis de toute façon, dans, dans, tout ce que, dans, tout, dans tous les trucs que tu énumères, Tommy, oui. finalement, on peut, on peut trouver une réponse à tout, même si c'est n'est pas ah une réponse euh, pas satisfaisante. Ouais. Par exemple, il garde le PV. Alors oui, c'est vrai que tu te dis bah, pourquoi il a pas donné le PV à l'époque. Mais moi, je me dis aussi un coup comme ça, si vraiment je suis à une, réun à une réunion et que j'ai la preuve de la réunion et qu'il y a ce genre de drame qui arrive. Bah, je peux te dire que je garde le PD aussi, tu vois. Donc... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, ce n'est pas ça qui me dérange le, le plus. Pareil, bah, la perquisition aussi, bon, pareil, euh, ils ont retrouvé, alors, ils ne s'intéressaient pas à l'affaire, hein, mais c'est un peu l'axe de défense des, des Jacob. Ils ne connaissaient pas les Laroches non plus, ils ne voyaient jamais, alors qu'ils étaient toujours faux ensemble. Ouais. C'est pareil, ils ne s'intéressent pas à l'affaire Grégory, mais ils ont un, un dossier avec 37 articles de presse, Grégory. Mais moi, je vois pas mal à ça. Mais pourquoi dire qu'on ne s'intéresse pas à l'affaire Grégory alors que. Ah, parce parce que a... lui, il dit. Alors moi j'en sais rien. Après je, je pense aussi que il se protège, mais mais c'est possible. Enfin lui, il dit en fait on lui offre. Il euh, y, y a des gens qui lui donnent, oui. et puis, qui, qui, qui les gardent Après tu, on peut s'interroger de pourquoi il les met pas à la poubelle si ça l'intéresse pas. Ah, c'est sûr, c'est sûr, est sûr tout, tout, tout est bizarre, mais finalement il n'y a rien de il a rien de, 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 de déterminant, je trouve. Voilà, c'est ça le truc. Alors après euh, je sais qu'en plus il euh, y a eu de l'investigation sur le sur le, le sujet. Mais c'est sa fille Valérie Jacob, moi c'est ça qui me pose un peu plus de problèmes. Après, apparemment, elle a ses parents, donc ça va prendre avec des pincettes. Mais euh, son père l'a contacté le, le 16 octobre 1984, alors qu'il était au travail, pour prendre de euh, des nouvelles de l'affaire Grégory. Euh, il voulait que sa fille aime la radio pour, euh, pour entendre les nouvelles, voilà, s'il y avait du développement. Euh, le fait qu'il ne participe pas aux recherches, bon, ça c'est ce que dit Valérie aussi, ça mais, euh, ça c'est pas, pas à retenir forcément. Euh, non, parce Comment que des dire... fois, il y a des assassins qui participent aux recherches, justement. Oui, ouais, ouais, bien hein. sûr. Alors, c'est les fameuses jumelles. Euh, son père était souvent avec des jumelles à regarder en direction de la plaine chez les villemains euh, plus bas. Alors ça, c'est quand même aussi... Euh, aussi il dit qui a gardé de... les, les biches et les... Oui, alors ça, c'est mieux par la suite. Parce ouais. que durant, euh, durant l'audition le, 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 de garde à vue, Marcel Jacob, il ne dit pas ça. Il dit qu'il n'avait pas de jumelles ou les jumelles saisies, il s'en servait jamais. Hum. Alors que là, tu vois, pendant le le, le nouvel, nouveau détective, l'entretien, et puis BFM, il a trouvé un, une raison à ses jumelles qui a gardé les biches, machin. Alors ça, c'est une nouveauté faite les pour chevreuil. le... Pour BFM, ouais. les chevreuils, ouais. Oh, ouais oui. <laughs> et voilà, alors, en garde à vue, pas, il ne s'est pas expliqué les raisons des, des jumelles. Par contre, devant BFM, bon, après, après consultation des avocats, il a trouvé une raison à ça. Euh, mais ils ont peut-être oui, alors... en fait ils ont peut-être peut-être encore une fois je parle pas oui. mais ils ont peut-être corboté participé au, au corbotage ils ont peut-être ah, monté le ah, bourrichon de de Bernard Lara par exemple sûr. consciemment bah. ou inconsciemment et puis après d'un coup là ils sentent que ça sent cramé ouais. que l'autre euh, il est parti beaucoup trop loin et puis maintenant bah, ils ah, vont oui, oui, oui. À, tu vois ce que je veux dire à mettre la poussière bah. sur le tapis c'est une possibilité, tu vois. C'est une possibilité. Il y, a, il y a la facture, la fameuse facture de téléphone. Là. Ça, c'est chez les Laroche il, il y a la Libye de, euh, du copain en Allemagne, mais mais chez les euh, chez les Jacob, Daniel et euh, Daniel et Ren, il y a quand même des factures plus 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 plus. Et ça, je sais pas. Ils, ils ont pas réussi à expliquer non plus dans le livre de Tourancheau, tu vois. C'est euh, le problème, c'est que on leur parle de, de ces fameuses factures. Et il n'y a il y a pas d'explication. Il y a Monique villemain qui a entendu également euh, Valérie Jacob. Derrière le, le corbeau essoufflé soufflé. Ah, c'est ce... là où ça devient intéressant, tu vois, parce que euh, finalement, Valérie, euh, c'est une réaction à chaud qu'on connaît tous, qu'on a vu à la télé, oui. euh, et a dit, euh, bah alors si c'est eux, euh, donc c'est si, hein, euh, bah, j'ai vécu avec des monstres, tout ça. Après, voilà, il faut relativiser. Euh, on sait que Monique a reconnu Valérie et Isabelle. Donc, oh. Valérie, soit elle sait tout, soit elle sait rien. Donc là, de toute façon, ce qu'elle dit, c'est ambigu. Et on sait qu'elle est en conflit avec ses parents. On sait ça. Parce qu'ensuite, euh, sa mère est partie avec euh, avec un autre mec euh, dans le sud de la France. Euh, elle voulait se séparer de, de Marcel. Tout ça. Et, et en fait, c'est la fille qui l'a mal pris. Euh, donc après, ça. elle dit être reniée par ses parents. Mais en fait, quand elle parle de ça, c'est quand euh, sa mère est partie. Mais ensuite, les parents, ils ont essayé de renouer un contact. Elle parlait un peu à son père. Mais elle en a toujours voulu à sa mère. Et d'ailleurs, quand sa mère est partie elle-même euh, était euh, fiancée, je crois, et elle aussi a fait une fugue, donc on voit aussi qu'il y a une relation un peu fusionnelle avec sa mère, et, euh, et voilà, soit, soit elle en sait beaucoup plus que ce qu'elle dit, oui. soit elle sait rien du tout, ouais. euh, mais c'est pas ce truc entre les deux, c'est... voilà, ouais, ouais, toujours mais... au conditionnel... Elle, elle a, a été muselée par les par les avocats, je pense, de ses parents, parce que sa première apparition, ça devait être 7 à 8 ou un truc comme ça. Et moi, je le reportage, j'arrive plus à le retrouver. Elle a fait plusieurs apparitions qui étaient plus modérées derrière. Elle a eu fait une apparition où euh, elle indiquait, et c'est marqué en de Tourancho, comme quoi euh, elle n'était pas du tout surprise euh, de la mise en examen de ses parents. Et elle était beaucoup plus incriminante. Et après, justement, tu as eu d'autres interviews de Valérie, et tu as eu également, tu sais, le, 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 le frère de... Le frère de, de, de Jacqueline, l'Indien, avec, avec un doigt au moins. Là. Je ne sais pas voilà. si j'ai pu le nom. C'est lui, le frère qui s'appelle Daniel Turio. Oui. ne ah, pas confondre avec, euh, avec le, le contre-maître. Contre ouais. Elle je en a fait deux, en fait, Valérie, d'interview. Une pour TF1 et une pour France ah, ça 3. Ça va être celle de TF1, alors. Je crois que c'est celle de TF1 j'ai dû voir. Mais dans et les même... deux, elle, elle dit bien, elle parle au conditionnel. Et, euh, et en fait, elle-même, elle apprend la nouvelle. Euh, ouais. bon, elle ne s'entend pas avec ses parents. Il y a aussi le candidaton elle dit bien dans l'interview, elle dit voilà, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Donc, tout ça, ça joue. Hein. Euh, en tout cas, concrètement, il euh, n'y euh, a rien, quoi. C'est Comme une nana qui disait que Christine était méchante. ou, enfin, euh, Matériellement, il n'y a pas grand-chose. Et, et encore une fois, pour, euh, pour la réunion, c'est une réunion du comité euh, d'entreprise. Oui. Euh, même si on entend parler de réunion syndicale. Ouais. encore une fois les, les patrons étaient présents et euh, Charles Didier Laurent qui était le patron de l'usine, c'était pas un communiste euh, euh, donc c'était pas euh, c'était pas une ah, MJC, quoi. Ouais, euh, ouais, ouais. donc là il fallait être présent donc on sait 16h45 donc en fait voilà après euh, la presse, il euh, y a des avocats qui font des sorties c'est repris par la presse, c'est amplifié euh, plus les théories des uns des autres ouais. et concrètement dans le fond il euh, n'y a pas grand chose Et je me souviens du procureur Bosque qui disait euh, quand le, leur garde à vue avait été annulée, tout ça, et avait dit non, mais on peut les remettre, euh, on peut les inculper à nouveau euh, avec les éléments qu'il y a déjà dans le dossier. Bon, oui, ça, oui, fait six, ça, ça fait pas. six ans, euh, ça, ça commence à faire un peu long. Est-ce qu'ils mettent pas du, un maximum de biscuits cette fois-ci Parce que je sais pas, je... c'est compliqué. Euh... Bah, moi, ils sont vieux quand même. Hein. Oui, ils, ils sont vieux quand même, les Jacobs. ils sont vieux, c'est vrai. vrai. Moi, les, moi, les trucs que j'ai trouvé un petit peu, qui m'ont un peu interpellé, mais je sais que c'est hautement subjectif, mais j'en parle quand même, c'est... Euh, et d'ailleurs, dans ton, dans, sur ta chaîne, euh, Daniel, il euh, y a Electra, que je trouve une intervenante vraiment extraordinaire, euh, qui, qui connaît euh, quasiment tout sur l'affaire, sur le bout des doigts, j'ai l'impression. Mais euh, à un moment donné, quand l'intervieweur demande à Marcel Jacob euh, s'il était en conflit avec Jean-Marie villemain Bon, je sais qu'Electra, elle, elle dit euh, non, moi, je pas ça, mais moi, j'entends quand même qu'il commence sa phrase par chef, tu vois, et ouais. et je l'ai entendu clairement, c'est-à-dire que, ouais. tu vois, j'entends clairement, et il fait chef, euh, non, euh, Jean-Marie, euh, non, non. Ouais, euh, ouais. Tu vois, il y, y, y a ce petit truc qui m'a interpellé. Alors, encore une fois, c'est pareil, c'est pas une preuve de quoi que ce soit, mais ça m'a interpellé. Et aussi, quand l'intervieweur, il dit euh, on vous fera la peau au Villemain avec une faute d'orthographe à Villemain il monte du doigt, Jacqueline. Oui, ils du doigt, Jacqueline. Je l'ai bah, mis à Damien. Je sais pas si euh, c'est bon de défiler ça. Je sais pas. Je me posais la question. Damien l'a sous coute quand même au cas où, mais je sais pas, messieurs, ce que c'est tiré d'une vidéo d'un autre youtubeur. Hein, je sais pas. Mais, mais, sais mais pas. ça, après, j'ai conscience qu'on n'est pas dans un film où euh, tu vois où d'un coup euh, tu peux regarder euh, tu vois le, le, le clignement des yeux pour savoir si un mec est coupable ou quoi que ce soit. C'est sûr. Ouais. Mais voilà, la communication c'est incriminant. La, la communication non verbale, ça, des fois, ça me, je trouve que c'est, c'est, ça peut te donner aussi des indices ouais. de, de l'état psychologique de la personne, en fait. Et ouais. vous savez, il y a également la, la convocation 89 chez Jules chimon où euh, Marcel dit à Valérie que s'il y a quelque chose, il faut pas le laisser tomber. Ça, c'est pas bon aussi, ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Je, c'est pas bon. C'est assez, c'est assez incriminant aussi, j'ai envie de dire. Maintenant, ah, ils sont. Il ouais, y a des, des erreurs judiciaires et tout. Il faut vraiment. Ah, Il oui, faut vraiment faire oui, gaffe avec ça, quoi parce que Christine a dit des choses aussi, et t'as des gens qui disent que c'est incriminant. Euh, en fait, depuis 80... Enfin, depuis 87, en fait, ils sont déjà dans le viseur. Euh, donc, effectivement, ils connaissent tout ça, euh, et ils se disent, voilà, ils, ils ont mis des gens en prison. Euh, Peut-être qu'ils sont même pas certains de la culpabilité de Laroche, même si j'en doute, hein, mais bon, admettons. En tout cas, pour Christine, ils l'ont vu de leurs propres yeux. Euh, ils ont vu aussi que Jean-Marie avait tué Laroche. Euh, Marcel ça était présent quoi. quand même, quand... Euh, ouais. Quand La Roche agonisait, tout ça. Euh, donc oui, on peut comprendre euh, qu'ils oui. qu disent attention, il y a des erreurs judiciaires et j'espère que, que vous n'allez ah, oui. pas croire. Euh, oui. Euh, oui. Voilà. Parce qu'ils se savaient quand bien même, bien. Euh, ils se savaient puisqu'ils étaient proches, ouais. euh, malgré tout de Ginette, Michel, La Roche, tout ça. Pour moi, c'est des réactions normales, en fait. Euh, voilà, en tout état de cause, euh, ils auraient pu être en proie à, à ce genre de choses. Et c'est peut-être ce qui s'est passé en 2017, d'ailleurs. Oui. Euh, donc la justice était sur eux. Ouais. Maintenant, euh, quand on voit le profil psychologique euh, des gens qui ont appelé, les manipulations, appeler euh, euh, chez les Ponts Funèbres avec une voix de jeune fille, se faire passer pour ouais. la fille de Monique, euh, dire euh, que, que le père est mort, appeler ensuite chez Monique avec une voix rock, dire ta surprise va arriver, euh, appeler en parallèle aussi, enfin, euh, ça correspond pas. Euh, non, non, c'est Ce genre de choses, en fait, euh, d'erreurs qu'ils vont faire dans ces interviews, Tout ça ne correspond pas. Euh, au profit psychologique de ceux qui ont fait les appels. Euh, c'est ça qui est intéressant. Euh, voilà. Euh, donc, donc je pense qu'il faut, faut mesurer ça parce que oui, oui. ça a été vachement amplifié par les médias. Euh, et il faut faire gaffe parce que ça, pour l'instant, euh, ouais. ils sont présumés innocents. Quoi. Bien, sûr. Bien sûr, toujours présumés innocents. Mais c'est vrai que leur sortie médiatique. Euh... Euh, bah, elles sont un peu euh, un peu maladroites et euh, je, sais ouais, que, refont, hein. je sais pas Je sais pas s'ils en refont parce que ouais, euh, Marcel c'est un, bon, un bon client quand même. Tu vois que bon ça ça, ça et tu peux faire un bêtisier limite quoi. C'est ça. Quand tu quand tu l'entends dire euh, les Laroches on les voyait jamais. Euh, non non bon c'est compliqué quoi. Ils habitent à 50 mètres sur le même terrain. Euh, c'est ni, ni l'évidence c'est pas forcément euh, s'arranger quoi mais, ouais, ils mais dire, on, sur... était vraiment, dire on était on était avec euh, il étaient quand même vraiment froids avec Laroche à cause d'une histoire de terrain ah, d'accord que le, le terrain sur lequel euh, Marcel a construit sa maison appartenait au père euh, de Bernard Laroche donc Marcel Laroche oui et euh, Marcel voulait euh, un bout supplémentaire du terrain et comme Bernard a fait construire sa maison sur euh, le même terrain il avait dit non et bon voilà c'est du Marcel quoi euh, donc, ils n'étaient pas forcément super proches. Euh, D'accord. Voilà. Euh, ça, ça aussi s'est prouvé. Et les, les, le couple Jacob, ils avaient tendance à être vraiment euh, entre eux, quoi. Euh, ils n'étaient pas trop famille. Euh, ils faisaient leurs petits trucs de, de leur côté. Euh, et c'est là où ça correspond pas non plus au corbotage. Un hein, mec qui sait tout sur tout. Ouais. Euh, euh, on, on voit bien qu'il est très proche. Et, et finalement, je me dis, bon, Marcel et Jacqueline, ils en ont rien à foutre euh, d'aller manger le dimanche euh, chez les parents. Alors oui, oui qu on bien voit bien que sûr. ça c'est quelque chose de très important pour le corbeau. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus proche, forcément. Euh, et après, voilà, les Jacobs, c'est des bons clients, on va dire. Euh... C'est ça. C'est ça. Et, et tu les tu on, on les voit pas, effectivement, est-ce que tu me dis là, une brouille de terrain, etc. On les voit pas se compromettre à monter à un coup avec le corbeau pour pouvoir euh, arriver à, à tuer un enfant. Quoi. Ça c'est clair. Et, et comme comme on dit comme je disais, des, euh, comme on en parlait, alors je ne sais plus si c'est avec Ron ou avec toi, Daniel, peut-être que Marcel, c'est le mec, quand tu vas faire une connerie, quand es gamin, tu ne mets pas en ta bande parce que tu es sûr que tu vas te faire balancer ou tu vas avoir un souci, quoi. Et de, fa de façon involontaire par le copain, quoi. Tu sais as toujours des copains qui voulaient bien faire. Et d'ailleurs, que le le juge Simon, en voulant dédouaner Bernard Laroche, il s'en est même pas compte, mais il chargeait, quoi. <laughs> bah, ni Marcel, ni, ni Michel. Hein. Ah Michel, ah enfin, Michel, c'est pas là, Donc Michel, je pense que d'une certaine manière, vous dites tu, tu dis rien transmission tu dis Michel, j'ai presque envie de dire euh, idiot utile en fait tu vois oui oui complètement il se rendait pas compte de il se rendait pas compte de 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 de, 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 de du biscuit bah, il bah, donnait, bah, à du à mal qu'il faisait bien sûr de façon involontaire ouais et de toute façon, ce soir, on a parlé de pas mal de protagonistes, mais tout le monde est présumé innocent. Ça, c'est important de le dire. Et, et, euh, et voilà, nous, c'est des théories. On parle au conditionnel, et puis, euh, bien, on lit, on lit des livres. Hein, donc, euh, on peut recommander aux gens qui sont intéressés par, par tout ça de, de se tourner vers Radio YouTube en premier lieu, et d'après, après, après d'acheter des bons livres. Il y a quand même des bons livres sur cette affaire-là. Le livre du Colonel Sesma est vraiment formidable. La rauque. Il y a également le, le, le bûcher des innocents, où j'étais pas forcément très courageux pour m'engager dessus. C'est Daniel qui m'a dit c'est très factuel, va dessus, et c'est un bon pavé, mais, euh, mais c'est intéressant. Et bon, ça parle beaucoup aussi des travers des journalistes et, euh, et certaines choses, mais euh, j'étais un peu réfractaire, mais euh, non, non, c'est un, un très bon bouquin. Et tu as la machination, la, machination, euh, la machination familiale, Grégory, la machination familiale, qui est très, très intéressant. Daniel, je voulais te poser une, une question. Euh, est-ce que, alors tu ne dis pas euh, le nom de la personne, rien du tout, si jamais c'est non, c'est non, mais est-ce que tu as rencontré un protagoniste de l'époque qui a vraiment une certitude à 100% par rapport à, à l'auteur de, 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 de cette affaire Alors en fait, toutes les personnes que tu rencontres euh, sont, sont sûres que c'est quelqu'un à 100%. Le problème, c'est qu'ils sont tous sûrs, mais c'est jamais le même. Oui, mais factuel, avec du factuel. Euh... Avec du factuel. Bah, okay. Nous, on n'est pas sûr. Enfin, moi, je ne suis pas sûr à 100%, par exemple. Bah, J'ai des hypothèses plus, hein. privilégiées. Mais ah, ouais, là, tu parlais des protagonistes, en fait. Ah, des protagonistes. Je sais que Daniel a rencontré euh, mais, le, oui, vous oui. le CESMA, a rencontré des gendarmes de l'époque et ouais. euh, des, des gens qui étaient soumis, sûrement, tu ah, sais, au, CESMA, ce, ouais, au secret ça, professionnel. Hum. Au secret professionnel. Mais je ne veux pas savoir le nom de la personne qui est, qui est vraiment convaincue et qui a parlé en off à, à Daniel. Peut-être éventuellement, lui a dit écoute, ou écoutez moi j'ai moi j'ai moi je sais ça ça c'est jamais paru parce que voilà mais euh, est-ce que tu as rencontré ce genre de personnes, daniel dans tes investigations Alors, pas, choses pas les gens que j'ai interviewé d'accord typiquement le colonel Sezma, il est pareil face caméra et derrière la caméra ouais. euh, j'entends la chaussée c'est pareil quoi euh, après j'ai rencontré d'autres personnes qui n'ont pas voulu euh, passer sur radio youtube en fait oui. Donc j'ai pu discuter avec eux, euh, même boire une bière, choses comme ça. Euh, bon, et, et là effectivement, ils m'ont dit des choses, mais encore une fois, quand même si c'est des gens qui étaient, euh, qui sont de la famille euh, ou qui étaient très proches, qui ont vécu avec eux, finalement, en discutant, on s'aperçoit qu'ils maîtrisent pas le dossier aussi bien que nous maintenant. Ah c'est ça. Euh, donc et, et, et à quel point aussi, euh, on va dire le spectaculaire, euh, donc le média, les séries, tout ça à quel point ça, ça a une influence, même sur ces gens. Euh, et des fois, même, ça, ça transforme le, le, ah, leur perception. Oui. Ils, oui. ils ont des faux souvenirs parce qu'ils adaptent un peu ce qu'ils disent euh, oui. à ce qui a été dit dans les séries. C'est même fascinant. Oui. Ah ouais, ouais. Voilà. Après, tout oui. le monde a une idée euh, sur, sur quelqu'un. Mais ça va de Christine euh, à La Roche, à La Roche avec Christine, à, ah, ouais, ouais. à, à Huling, euh, il y, y a de tout. Hein. C'est la théorie euh, qu'on a dit. Et Jacob. Euh, voilà, et, et on voit en tout cas que euh, plus, plus quelqu'un est médiatisé et euh, est un peu mis comme ça, comme euh, le, le coupable idéal, plus euh, la masse a tendance à suivre. C'est ça. Et c'est là où on voit le, le pouvoir des médias. Ça, ce sera encore une autre émission, mais euh, ça, ça joue beaucoup. Mais c'est pour ça que j'aime bien, euh, bien ta chaîne, pour ça aussi, euh, Daniel, c'est que je, je sens que c'est pas partisan, en fait. Je sens vraiment que tu es à la recherche de, de la vérité. Il y a, là, comme on a pu le voir ce soir, hein, tu vois, c'est tu, tu, vas, tu vas, mettre les nuances. Tu vas, si tu vas pas même si ça va pas dans ton hypothèse privilégiée, tu vas pas hésiter à le dire et à dire bah non, cet élément-là ne colle pas. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que des fois, il y a aussi des chaînes ou des gens qui sont tellement visés euh, bah, par leurs convictions que qui Vont faire du cherry picking et tu sais plus si c'est vrai, pas vrai, etc. Donc, euh, donc voilà, ça c'est voilà, c'est quelque ouais. chose que j'apprécie beaucoup et sur, sur du YouTube et, et que j'encourage quoi. Et tu partais neutre, Daniel. Tu m'as dit, on a, on a conversé tous les deux, tu partais neutre sur cette affaire là, n'avais pas vraiment d'idée arrêtée En plus, tu avais, t en a, avais eu, eu vent de l'histoire, tu m'as dit ça, je crois, et tu avais pas vraiment de parti pris quoi. À la base, je trouvais l'affaire Grégory et les gens qui s'y intéressaient un peu un peu ridicule quoi. Je me disais, voilà, ouais. ça. ça... Ça nous regarde pas, c'est un vieux truc, euh, et c'est par hasard, voilà, parce que on avait des amis qui s'intéressaient à ça. Euh, et euh, non, non, j'avais aucune idée. Après, j'ai été influencé d'ailleurs par ces amis qui pensaient que La Roche était innocent. Et ça en me rendant sur place, en faisant mes propres chronos en fait, que je me suis aperçu que plein de choses qui sont sur Internet, voire même dans des livres, euh, ne correspondent pas à la réalité du terrain. Euh, et ça. donc après, voilà, on évolue euh, tous les jours en fait. Ça se trouve demain, je vais dire ben, les Jacob. Euh, où en fait, Où je vais dire, c'est pas Laroche. Oui, euh, nouveau, voilà. élément, nouveau, nouveau élément dans le dossier, et puis tu n'es pas, pas ouvert, tu pas ancré sur tes, tes positions. Et tu avais accompagné un couple d'amis qui étaient euh, pro La Roche, c'est ça euh, voilà, voilà, on travaillait ensemble à l'époque sur Radio oui. YouTube. C'était une, une vraie web radio, en fait. Et on parlait plutôt de, de thèmes politiques, sociétaux, tout ça. Et puis à un moment, ils, ils se sont tous mis sur l'affaire Grégory, quoi, et puis. Limite j'en avais un peu marre quoi. Je me disais euh, ouais. on va pas on va <laughs> pas y passer 300 ans quoi. Euh, bon c'est quoi c'est quoi cette affaire quoi? Je me suis dit euh, je vais regarder ça, on, on va résoudre ça, et puis comme ça on passera à autre chose. Enfin, ouais. et, et, et finalement, bon ben voilà. Euh, <laughs> je, euh, je me suis ouais, fait et ouais. ça continue, quoi. <laughs> c'est addictif, hein. c'est clair que c'est quelque chose, c'est... Dès que tu remets le nez dedans, tu replonges direct. Hein. Tu replonges ouais. direct. En tout cas, j'espère franchement que cette année 2023, on aura des, des nouvelles par rapport, à, par rapport à tout ça, que des investigations en cours. Et que, euh, moi, je pense surtout euh, à la famille Villemain où, euh, voilà, même si ils ont refait leur vie, ils ont des, des enfants qui ont réussi, tout ça, c'est super. Mais euh, je pense que tu as vraiment envie de, de partir en sachant la vérité et, et comment tous ces, tous ces produits, quoi. Le, le, les derniers instants de ton, de ton enfant et tout. Et ces gens-là, si on pouvait éventuellement leur enlever le, ce, ce poids-là avec un témoignage tardif et quelqu'un qui dit enfin la vérité, euh, sincèrement, mourir avec ce secret-là, parce qu'il y, y a déjà des gens qui sont morts avec ce secret, euh, je ne sais pas si c'est vraiment une position très décente, étant donné qu'il euh, faut vider son sac, comme on dit, et partir l'âme plus légère. Je pense. Ouais, après, je pense que Jean-Marie. Euh... Enfin, la, la participation de, de Laroche, elle est, difficilement, elle est difficilement remise en cause, hein, je, je, je trouve. Hein. Ouais. Donc, euh, d'une certaine manière, je pense que. Après, j'en je, je, sais rien, mais il doit regretter euh, d'avoir fait ce qu'il a fait, hein, Jean-Marie, par rapport à, à l'affaire Laroche, parce que ça a éteint toute chance de voir le dossier aboutir, en vérité. Ouais. Mais, euh, mais bon, ouais, c'est. Ouais, c'est sûr que c'est très très complexe quoi. C'est c'est sûr il y, y a dans le chat j'ai levé les yeux sur le chat et euh, je vous conseille de regarder le message d'Alex MGT. Et mec, ouais, faut capturer une personne et la forcer à faire des aveux. Bon écoutez euh, les gens du chat et tous les gens qui nous écoutent ne prenez pas la bagnole direction euh, les Vosges hein, c'est pas la peine. Faut pas de, pas de violence, de menace, de rien du tout. Euh, J'espère que euh, les paroles que je vois dans le chat, c'est juste euh, pour faire le, un peu d'humour. <laughs> C'est euh, pas possible, c'est vrai. Hein, elle, par contre, elle a rien à voir avec ce crime. Ouais, non. À la rigueur, euh, voilà. Elle a été embarquée là-dedans, et c'est une gamine qui a vraiment souffert de ça. Il euh, faut imaginer hein, avec la médiatisation euh, à l'école euh, après l'affaire. Euh, voilà, c'est faut penser à tout ça quand même, malgré tout. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis c'était une gamine, et puis j'imagine qu'aujourd'hui, même si elle a menti, de toute façon, elle a empêtré dans son truc, donc je pense même que je pense même que tu peux ton, ton cerveau peut même occulter des choses et, et tu peux même finir par croire toi-même à, à, à la réalité que tu t'es créée, en fait. Euh, oui, oui, mais alors je pense que, que Muriel, en fait, elle, elle se fait un peu euh, rappeler à la réalité par son, je crois que c'était son concubin, justement, Daniel, tu avais vu de ça, où il voulait qu'elle parle. Et elle, elle menaçait de, de le quitter si jamais il continuait, parce qu'elle avait la conscience lourde. Alors j'ai entendu ça ne sais plus où justement mais dans une émission télé euh, comme quoi euh, son concubin voulait absolument que muriel que Muriel, euh, que muriel soulage sa conscience ouais, bah, c'est euh... enfin bref bah écoutez euh, damien je sais pas si tu es toujours là ça va <laughs> euh, j'ai écouté tout ça avec attention donc très intéressant passionnant <laughs> mmh. Mais euh, ouais, oui. Non, quelqu'un voulait parler. J'ai dû. Non, la conversation. <laughs> non, il Par contre, il y avait. Il y a un truc qui m'intriguait un petit peu. Et euh, je l'ai vu sur certaines photos. On, on dit souvent que Muriel était fâché à vie avec sa sœur Marie-Ange. Par contre, euh, durant le remariage de le mariage de Marie-Ange Laroche avec un avec un fils Jacob, on voit Muriel à proximité. Euh, avec son concubin de l'époque, euh, voilà, on sait que des fois, c'est des contradictions qui sont euh, souvent annoncées par les protagonistes. C'est un peu comme euh, comme les jacobs Jacob qui, qui les écoutaient euh, ne connaissaient pas les Laroches ils ne s'intéressaient pas à l'affaire Grégory, alors on sait que c'est l'inverse. Et là, sur une photo justement d'époque, on voit Muriel euh, Marie-Ange Laroche en mariée et Muriel Boll qui est juste à côté, qui est mort de rire. Donc, euh, on, des fois, ça dans cette affaire-là, on a tendance à pas trop savoir où est le, le où est la vérité. Et on se fait des fois, bien entendu, mener en bateau par des protagonistes. Ça, c'est une certitude. Parce que cette photo est révélatrice. Et c'est pareil, on Marcel Jacob dit toujours Ouais, les Laroche ne les voyaient pas. Bah, c est, c est... Et c'est toujours Dans... sur cette certaines photos d'époque, tu vois toujours Marcel Laroche euh, qui fait plus ou moins peut-être le garde du corps ou euh, qui est toujours accompagné euh, Muriel et Marie-Ange. Euh, tu vois un petit peu partout sur les photos. D'ailleurs, le jour de la mort de. Comment dire de, de, de Bernard Laroche, ta Muriel qui est effondré dans les bras de, 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 de Marcel Jacob. C'est ça que les photos te montrent toujours l'inverse de ce que les protagonistes disent dans cette affaire-là. Ouais, mais comme disait Baudrillard, en fait, euh, la photo, faut faire gaffe quoi. Euh, le mal qu'on fait aux images est, est l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est marie -Ange qui appelle euh, Marcel et qui lui dit "On vient de tirer sur Bernard. Et il est juste à côté. Il faut qu'il oui. vienne de suite." Donc ensuite, Marcel est là. Mais finalement, euh, il, est, il est pas là de son plein gré, quoi. Euh, il y a la gamine qui pleure. Donc, voilà, les images aussi, il faut faire gaffe. Ouais, ouais, pour, Muriel, bon par bon contre, euh, pour Muriel, pour Murel, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'elle est vraiment dépendante de sa famille. Elle n'a jamais réussi à trouver de travail parce que ah, voilà, personne, personne voulait l'engager, euh, et elle est très dépendante de sa famille. Euh, donc voilà, je pense pas que qu'elle va parler. Euh, ça se trouve elle a rien à dire d'ailleurs, mais s'il y a quelque chose à dire, je pense qu quand même qu'elle parlera pas. Le livre. Quand euh, tu parlais, Daniel elle a fait un livre où justement, si jamais elle, 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 elle parlait, qu'elle qu revenait sur ses premières déclarations, euh, le livre qu'elle a, qu a, qu a produit euh, que, que des gens ont acheté, ben, elle aurait menti à une partie du lectorat C'est difficile à assumer derrière encore plus. Voilà, c'est ça. Il y a eu des plaintes pour diffamation, tout ça. Donc je pense que à ce niveau-là, il se passera pas grand-chose. En tout cas, l'avocat la, euh, actuel des parents. Parce qu'on entend souvent Thierry Moser, mais c'est l'avocat euh, la, historique, mais il est plus avocat, donc il peut un peu plus sortir du cadre. En ouais. tout cas, Saint-Pierre, euh, voilà, lui, il a dit que les parents pensaient que qu'il euh, avait aucune culpabilité, euh, euh, en tout cas pour ce qui s'est passé le 16 octobre. Euh, donc voilà, à prendre en compte. Oui, oui bien euh, sûr, bien sûr. Et on a eu une déception aussi, euh, Daniel, euh, dernièrement, c'est le décès des grands-parents Villemain. qu'on n'ont rien dit avant, avant de partir. Ça, c'est assez énorme aussi. Hein. Est-ce qu'ils ont vraiment rien dit On ne sait pas. Hein. Parce ouais. que nous, finalement, on, on a accès euh, à certaines pièces du dossier, pas mal, mais pas à tout non plus, euh, jusqu'en 2018. Euh, donc après, tout ce qui s'est passé après, finalement, on, nous, on n'a pas ah, accès oui. au dossier. Oui. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que euh, tout ce qui tourne autour euh, des jacob tout ça, c'est hyper euh, prégnant parce que finalement, c'est un peu ce qui a fuité. Ce qui s'est passé à partir du moment où ils sont relâchés euh, jusqu'à maintenant, euh, en fait, c'est top secret. quoi Donc, oui, peut-être oui. que ça va nous réserver des surprises. Euh, on ne sait pas. Peut-être que je... les parents ont dit quelque chose. quoi Albert, Monique, euh, on sait que Monique avait déjà un peu parlé en 2017. Oui. Euh, Albert savait sûrement des choses aussi. En tout cas, de ce qu'il a dit au Simon, il voyait quand même en La Roche un bon corbeau. Albert Ouais. Albert, ouais. Albert, d'accord. Ok, ça, tu vois, je ne savais même pas. Je savais pas qu'il était sorti. D'accord, ok, très bien. Très, très bien. Et puis, tu as eu les fameux carnets de Monique aussi, ou la fameuse discussion, tu sais, le jour où j'ai appris que Bébert, c'est ça. Bébert m'a dit c'était Corbeau, Dédé, pardon. Dédé ouais. était le Quand Dédé m'a dit qui était le corbeau, etc., Donc, ça, laisse à, ça prête un petit peu à confusion. On en a parlé, euh, on a parlé un petit peu en off. Mais, euh, mais là, tu imaginais justement que soit elle, elle mimait euh, la vieillesse et les, les trous de mémoire, ou alors, euh, ou alors elle avait vraiment perdu un petit peu la boule, elle savait plus ce qu'elle avait écrit. Mais, euh, mais cette femme-là, de toute façon, soit elle a dit quelque chose, soit elle est partie de son secret, mais elle savait la vérité, c'est sûr. Bah, la vérité, je sais pas, mais elle en savait plus. Euh... Alors, ouais. on plus ce qui est ce qui est chiant avec eux souvent c'est que ils pensent savoir la... enfin, ils pensent connaître la vérité mais ils sont facilement manipulables en fait euh, donc euh, ils vont partir sur euh, sur les jacquelles par exemple ou sur les verdus ou euh, sur les Noëls. enfin ils ont accusé plein de gens comme ça et, euh, et même un peu sur Christine après il hein, faut le dire euh, donc c'est ça qui est compliqué c'est qu'ils ont peut-être des certitudes mais c'est ouais, -ce pas pour autant la vérité quoi c'est leur conviction. Euh, en tout cas, apparemment, Monique, elle a dit en 2017 que, que Michel lui a confié qu'une semaine après euh, le crime, euh, Bernard aurait dit à Michel euh, que Mireille était bien avec lui dans la voiture. Donc ça, c'est un vrai PV. Euh, je l'ai vu récemment parce que j'avais juste lu ça dans les journaux. Donc il y a un vrai PV. Euh, euh, donc Monique a quand même dit deux trois trucs. Euh, voilà, on va voir ce que ça donne. Oui, bien sûr. Puis tu as également le travail de Jean-Marie Villemain, qui apparemment à euh, bah, l'heure actuelle, quelqu'un qui est très au courant du dossier et qui continue à travailler euh, pour que pour que justice soit faite pour son, pour son fils. Hein. Euh, as toujours un investissement important apparemment de la bah, de Jean-Marie Villemain, de la famille Villemain. Et Jean-Marie qui, qui apparemment à la retraite maintenant travaille beaucoup euh, sur le dossier. Donc euh, ce que ça j'espère pour lui j'espère que ça portera ses fruits pour lui avant toute chose. Et puis donc on est enfin le fameux de cette histoire là. Il y a quand ça. même des trucs bizarres, là, je me remémore des trucs, là, mais je me dis, euh, quand, quand, quand il y a l'appel du corbeau chez Michel, euh, et que Albert, euh, d'un coup, il décide qu'il faut aller à la grange, et que tout le monde est en mode Mais non, t'inquiète, il ne va, va pas passer à l'acte, etc. Toute cette séquence-là, je la trouve vraiment très bizarre quand même. Ouais. Je la trouve très bizarre, mais bon. Ouais, alors Krim, ils étaient partis dans des considérations... Euh, pas... Parce que bon, en crime, quand il y a deux, euh, deux PV, par exemple, là, tu as typiquement Bernard qui dit euh, c'était à 18h30. Euh, et puis tu as Monique ou Jean-Marie, d'après les calculs, c'est 18h10. Donc là, ils vont faire deux hypothèses. Soit c'est Bernard qui dit vrai, donc c'était euh, 18h30. Euh, soit c'est les autres qui disent vrai, donc c'est plutôt 18h10. Euh, et donc, ils vont faire deux théories. Euh, pour dire, voilà, ça c'est la théorie qui colle avec ce que dit un tel. Et l'autre théorie. Donc ouais. euh, souvent, on a tendance à faire des raccourcis et, euh, et à faire du cherry picking. Euh, mais, euh, mais bon, finalement, il n'y a, y a pas beaucoup de choses extraordinaires. Euh, on entend souvent parler, par exemple, aussi d'Albert qui va dire, ah mais le corps doit être à dossel, ouais. euh, des choses comme ça, mais finalement, ouais. c'est juste parce qu'ils sont un peu simples, quoi. je le dis honnêtement. Euh, et donc Albert, il dit, bon, s'il a été jeté dans la Bologne, euh, le prochain barrage, il est à dossel. Euh, donc il est coincé contre le barrage, et il, il le dit dans CP20, c'est vraiment ce qu'il a pensé. Alors après, il a, il évidemment, ça fait travailler l'imaginaire, donc on dit, oulala, oh là là, mais est-ce qu'il n'a pas essayé de diriger les recherches vers Dossel, parce qu'il est oui, au oui. courant Alors que euh, c'est juste une déduction logique, quoi. Il connaît les courants, ouais. Hum. Alors ouais. après, c'est pas très logique, en fait, parce que euh, c'est sinueux, il y a des barrages naturels, tout ça, mais bon, lui, c'est pas un pêcheur, et, oui, et puis, voilà. il, fait, il fait nuit. Euh, c'est logique euh, selon fait, lui, quoi. Voilà, donc après il y a des réactions comme ça, ou des... euh, voilà, ça fait vachement réfléchir euh, et puis il y a un côté complotiste et je, je pense que c'est pas par hasard qu'on parle d'un complot familial euh, parce que voilà c'est vraiment basé sur des petits trucs comme ça euh, euh, anodins, même la scène avec Michel qui retarde les recherches, finalement quand on segmente tout ça on s'aperçoit que euh, finalement dès, dès l'appel il dit à Monique que, que, le, que le gars lui a dit au téléphone que l'enfant était dans la volagne. Donc, donc, on s'attaque à Michel alors que Albert était au courant, Monique était au courant. Oui. Euh, et que finalement, la scène où ils, ils vont voir les autres qui sont en train de chercher dans les bois, elle, elle dure pas vraiment longtemps, cette séquence. À euh, oui. a tout pété 5 minutes. Mais on en fait tout un flanc. Euh, euh, voilà, parce que, parce que peut-être on voit en lui aussi quelqu'un de suspect. Euh, euh, voilà, c'est pour ouais, ça qu'il faut être méticuleux. Quoi. Et, et tu sais, Daniel, tu avais le témoignage de la. Dans le dernier reportage qu'on a eu, qu'elle est de qualité, où René Jacob croit reconnaître Jacqueline, Jacqueline Jacob, tu as une protagoniste, c'est une, une fille Jacob aussi qui est intervenue là. Euh, elle n'a pas, pas le nom de famille Jacob, mais elle, elle, elle a oui, elle oui, parlé de bon affaire. Bonato. Voilà, ah, c'est ouais. ça. Et elle était très pertinente aussi par rapport à, par rapport à cette affaire aussi. Euh c'est pareil, je trouvais que son comportement euh, envers Jacqueline, Jacqueline Jacob, elle ne cherchait pas à dédouaner Jacqueline Jacob. Voilà, c'est une Jacob, elle s'est mariée avec un bon mais c'est Thérèse Jacob. Euh, et c'est ce que je disais euh, à un moment dans le live, là, euh, que, que les Jacobs, ils ont tous tendance à accabler Jacqueline. C'est ça. Ils, protè ils protègent Marcel. Mais est-ce que pour autant, ils en savent plus que ça, ou est-ce que c'est juste un, un réflexe euh, pas euh, jacobin, on va dire Bon voilà. <laughs> <laughs> Donc euh, voilà, en tout cas, Thérèse Bonato, c'est elle qui a dit aussi, enfin euh, qui aurait reçu les confidences d'Isabelle Boll, euh, qui ah, aurait oui. dit... Euh, ça. Est intéressant, ça. Que, que Bernard Laroche euh, était allé chercher Muriel et avait jeté un truc euh, dans l'eau. Et, euh, et d'ailleurs, elle, elle, elle va demander à une collègue euh, de venir et elle va demander à Isabelle de répéter. Et Isabelle va répéter à la collègue aussi. Donc il y a vraiment deux nanas euh, qui disent ça, quoi, qui témoignent sur PV. Comme quoi, Isabelle Boll aurait dit ça. Et apparemment, elle va dire non, mais c'est juste ce que j'ai entendu à la maison. Enfin, c'est pas très clair. Et, euh, et puis après, hop, euh, on voit qu'à un moment, tous les bols ils se mettent, euh, ils se synchronisent un peu comme les Power Rangers. Et euh, ils ont tous la même version. Mais au début, c'est ça qui est intéressant quand on lit les PV. On voit que voilà, il y en a, y a, y a, y a qui sont qui sont pas encore au courant de certaines choses et qui, qui lâchent deux trois trucs. Ah oui, 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 Mais ça, c'est ça Il y a aussi le, le quid par rapport à Isabelle Boll. C'est vrai que bon, cette femme-là, peut-être qu'elle a, a des informations. Et, et en 2017, moi, je, maintenant que je suis un peu plus au courant de l'affaire, je me dis, bon, s'ils ne l'ont pas mis en examen ou pas mis en garde à vue, pas auditionné, c'est qu'ils ont sûrement des, des raisons. Mais je me pose la question sur pour quelles raisons ils ne l'ont pas mis dans, le, dans, 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 les, dans les investigations de 2017. Je me pose la question parce qu'elle a quand même un, un rôle crucial. quoi. À mon sens. C'est sûr. Et puis, c'est des choses, hein, sachant que euh, Marie-Ange, à cette époque, elle travaillait, elle n'avait pas trop d'arrêt de, de maladie ou des choses comme ça. Donc, Isabelle, elle a vraiment vécu euh, dans la période la plus difficile qu'on connaît de Bernard Laroche, c'est-à-dire chômage, ouais. euh, père malade, tout ça. Et les deux, lui au chômage et elle euh, tout le temps présente. Donc, elle en sait beaucoup. Elle est oui. restée, euh, je crois, un an et demi en tout. Euh, donc, elle connaît vraiment tout le monde. Elle, elle, a, elle a des liens aussi avec Omonzé. Hein, elle est bien ancrée là-bas. Amie avec euh, Valérie. Donc pour moi, c Isabelle, c'est quelqu'un qu'il faudrait vraiment écouter. Euh, oui. voilà. Après, moi, je l'ai déjà vue une fois. Euh, J'ai oui. un peu parlé avec elle. Ça n'a pas l'air d'être euh, quelqu'un de méchant, hein, je le dis honnêtement. Pas oui. Plutôt même gentil. Mais en tout cas, elle doit savoir des choses. Si, euh, si, oui. si tout ce qu'on vient de dire, ça a du sens, euh, bah, cette fille euh, qui est passée un peu inaperçue parce que finalement, les gendarmes se sont intéressés à Muriel... Alors oui. que Murel, ça, ça faisait que quelques semaines qu'elle était chez La Roche. Et, euh, et Isabelle, euh, complètement zappée, ensuite il ben, y a tout ce qui se passe. Hein. La Roche qui est, euh, qui est tuée, euh, le SRPJ, et puis là on part dans autre chose et on n'a même plus le temps de, de prendre du recul euh, sûr. et de trianguler. Parce que les gendarmes, ils ont interrogé plein de gens, mais ils n'ont pas eu le temps de trianguler ces informations. Ouais. Ouais. Oui, bah, euh... ouais, parce que changer de service de police, forcément, repartir à zéro dans un autre sens et tout. Euh... Malheureusement, les gendarmes, ils n'ont pas eu le temps de travailler, ils ont sont fait mmh. des saisirs. Puis en plus de ça, le juge Lambert hein, les avait laissés de côté complètement. Quoi. Ils n'avaient plus d'instruction du parquet. C'est ça. C'est gros souci. Et est-ce que tu crois euh, que René Jacob est encore invité à manger les trophies trolls le dimanche midi chez Jacqueline C'est compliqué, je pense. Hein, maintenant. <laughs> Alors, je sais pas s'il si, <laughs> y a encore des, des soirées choucroute. Euh... <laughs> je crois que. <laughs> Il n'est plus invité pas. à installer les assiettes. <laughs> Et voilà, après René Jacob, c'est un mec sympa. quoi. Oui, ça se voit. Vale. C'est pas. C'est vrai que. Après, voilà, hein, je sais que même René Jacob, il y a des gens à un moment qui disaient euh, J'entends la voix de René Jacob. Alors pour eux, le corbeau, c'était René Jacob. Mmh. Euh, euh, faut faire gaffe. Quoi. Après, on ne sait pas non plus dans quelles conditions euh, ça a été filmé, tout ça. Mmh. Euh, Est-ce qu'ils ne ont pas dit aussi euh, euh, voilà, Les expertises ont dit que cet audio provenait euh, de Jacqueline et il a dit, ah, c'est Jacqueline, ça enfin, Oui, voilà, oui c'est vrai, ouais, vrai. Oui, en ce sens-là, mais tu me l'avais dit au téléphone, euh, Daniel, ça m'avait remis un petit peu le truc en circonstance. J'ai ah, ouais, effectivement, ça peut prêter à confusion. Voilà. Bah, peut-être qu'on l'interviewera un jour. Euh, bon, il est âgé maintenant. Ouais, il faut euh, se dépêcher, peut-être. Ouais. <laughs> et, et ta prochaine expédition euh, dans les Vosges, tu as, as une date Tu vas y retourner euh, sous peu ou. Où... Tu, tu pourrais peut-être pas communiquer par rapport à ça. J'aimerais bien y retourner cet été. En plus, maintenant, je commence à. Enfin, je connais la région par cœur. En fait, j'ai pas besoin de GPS ou quoi. Oui. Euh, j'ai quelques contacts que j'aimerais bien revoir et puis il y a quelques personnes que j'aimerais bien interroger. Pas forcément pour des interviews, mais en tout cas pour échanger parce que voilà, il y a plein de, de séquences qu'on connaît pas très bien euh, sur l'enfance, sur les rapports entre les uns et les autres, tout ça. Donc. Euh, euh, J'aimerais bien passer une ou deux semaines de vacances et puis en profiter aussi pour euh, travailler un peu, pour, ouais. pour parler un peu avec des gens qui ont vraiment côtoyé euh, les protagonistes, l'usine, tout ça, pour vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Euh, ouais, éventuellement, que ça voilà, quelqu'un acceptera aussi de, de passer le pas et de parler devant la caméra. Oui, oui, ah oui, bien sûr, ça c'est pas, pas, pas fermé comme, euh, comme hypothèse, ça peut, ça peut arriver, c'est sûr. C'est sûr. Bon, bon, bon. On pourrait parler des heures, mais c'est vrai que oui. euh, là, on, je pense qu'on a quand même fait le tour. Oui, ouais, si je, je pense qu'on en a bien parlé. Ouais, et puis moi, c'est pareil, j'ose pas, pas relancer la machine, donc euh, c'est vrai qu'on pourrait y passer des, 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 des nuits entières. Quoi. Ah oui, parce que là, quand je réfléchis, quand je réfléchis bien, j'ai encore deux, trois trucs qu'on n'a pas parlé, bien entendu, mais euh, ça ferait revenir en arrière. On a fait une bonne chronologie, je pense qu'on est parti d'un point A pour arriver à un point B jusqu'à jusqu maintenant. Là. Donc c'est bien, c'est bien. C'est bien. Et puis c'est surtout bien aussi pour les gens qui ne connaissent pas l'affaire Grégory. Euh, je pense que le live est euh, relativement complet. Et bon, il y a eu beaucoup de protagonistes. C'est vrai que ce n'est pas facile d'en parler comme ça. C'est euh, dur, il y a des dates, des protagonistes, différents juges, différents services de police et tout. C'est une affaire très complexe, mais qui vaut le coup vraiment de s'y intéresser. Voilà. Euh, sinon, je voulais faire un peu de pub parce qu'on a aussi un serveur Discord. Et euh, du coup, euh, bon, on est quand même, je crois qu'on est 600 maintenant. Euh, donc ça fait pas mal de monde. Et euh, donc, si vous vous intéressez à l'affaire, si vous voulez participer et puis même avoir accès euh, à de l'information fiable. Euh, N'hésitez pas aussi à passer sur notre, sur notre Discord. Euh, voilà, je trouve que c'est un lieu paisible euh, et puis qui est quand même bien documenté. Je crois que vous êtes aussi dessus. Hein. Euh, je crois oui, que vous avez le dessus. Oui, oui, ta, carte, oui, oui. Ta, ta carte interactive, je la trouve hallucinante. Je vais mettre sur le chat. Je ne sais pas si ça passe ouais. les liens. Euh, N'hésitez pas à venir, quoi, vous êtes les bienvenus. Et. Euh, puis je sais pas, peut-être qu'on remettra ça s'il y a un rebondissement ou quoi. Euh, ce sera avec plaisir. Ouais, ouais. Bah, carrément, carrément. Carrément. De toute façon, si jamais il y a un rebondissement, moi, me concernant, la vie va s'arrêter. Je vais, je vais rien faire d'autre que de regarder un rebondissement. <laughs> ah, Mais ouais, moi, je, me me souviens, je me souviens quand il y a eu une inculpation. Euh, J'étais dans, dans un taxi à Paris et, euh, et tout le monde écoutait. Le, le, le chauffeur de taxi, il a mis plus haut. Ça touche tout le monde. Quoi. Ah oui, c'est ah, oui, fou, quoi. Bah, C'était de l'information continue. On n'avait pas vu une information aussi dense qu'avec les attentats, malheureusement. Euh, C'était euh, BFM du matin au soir, non-stop. Non non ouais, et même là, dans le taxi, après, une, euh, le mec, on ne se parlait pas du tout. Il, on a entendu le truc tomber, il a mis plus haut, et ensuite, euh, on a commencé à discuter de l'affaire. Ouais. ouais Ah ouais, non, mais ça captive. Ça que... hein. ouais. captive, et justement, c'est bien que Netflix ait fait euh, une, une série de. D'émissions euh, sur l'affaire sur Grégory parce que ça a permis à des gens qui ne connaissaient pas de, de s'y mettre. Et, non, c'est super. Et puis ça, intéresse, ça intéresse les Américains. Ils, eux, ils avaient ouais. complètement du truc. Et j'ai ouais. vu, vu que sur Radio YouTube, vous aviez commencé à, à faire des sous-titres. Donc ça, c'est très bien aussi. Quoi. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais Mais on a une communauté. D'ailleurs, je dis merci à, à Sue Hélène qui nous avait fait les sous-titres en anglais. Euh, et puis là, on est sur, euh, sur des sous-titres aussi en portugais et en italien. Enfin, on a plein de projets euh, parce que c'est vrai que il y, y a plein de gens en fait qui nous écrivent des mails et qui disent Ah, on parle pas français, on aimerait bien en savoir plus. Et la série Netflix, elle a permis d'internationaliser interna tout ça. Mm. Euh, euh, donc, ouais, on va voir ce que ça donne. Moi, je, je rêverais de faire une émission en anglais aussi, euh, même si j'ai un accent coupé au couteau, mais pour faire connaître cette affaire un peu plus euh, parce qu'elle est vraiment unique dans son genre, quoi. Et 40 mm. ans après, on est toujours là en train de. De réfléchir et on a toujours un petit doute aussi. Euh... Ah ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Et puis par rapport à, à ce que tu peux entendre et tout, des fois, non pas que ça te réoriente, mais euh, tu te tu, tu dis, putain, j'ai encore, encore un petit doute en moi, dans, dans, dans la théorie dans laquelle je crois actuellement. Là. Et, euh, mais je ne te parle pas de, de gros chambardements, mais, mais par rapport à une hypothèse euh, l'hypothèse Bernard Laroche, euh, tu sais, j'ai toujours pensé des fois, moi, avant, avant, avant que je m'intéresse vraiment à ta, à ta chaîne, pour moi, j'avais deux équipes. Hein c'était mon ma façon de penser et puis voilà par rapport à ton travail maintenant je suis beaucoup plus axé sur euh, un seul protagoniste et euh, peut-être euh, des facilités euh, logistiques d'autres protagonistes etc et, euh, et remonter l'information mais euh, mais non non c'est bien ça fait évoluer et c'est cool c'est cool merci Bon, bah écoutez, ouais. messieurs, euh, j'ai l'impression qu'on qu ne veut pas se quitter. Non, non, non. <laughs> non C'était une super soirée. Merci beaucoup à Damien de nous avoir euh, autorisé cette émission et puis d'avoir reçu Daniel. Super cool. Merci ouais, Daniel. Merci, merci ben, Daniel. Merci euh, et, puis, et merci euh... à vous aussi, parce que vous êtes vraiment intéressés. Je sais que vous avez lu pas mal de bouquins avant. Ouais. Donc euh, bah, bravo. Ah, C'est pas facile. Non, non, mais tu sais, moi, c'est comme on disait tout à l'heure au début de live, c'est quelque chose que, qui me suit depuis que je suis gamin, comme Ron, euh, Damien, qui un, un peu plus jeune que nous, as, on a tous connu ça, c'est quelque chose qui nous, qui nous poursuit l'affaire Grégory, hein, c'est euh, le colquaisse français, l'affaire française euh, qui n'est pas élucidée, et puis euh, on, on espère en voir le bout, hein, franchement, euh, moi, c'est jamais avec, euh, avec contrainte que je me Je suis. moi, je suis toujours. Euh, Toujours très investi dès qu'il y a des, des nouveaux rebondissements, un nouveau bouquin et tout ça. Et justement, le dernier bouquin que j'ai vraiment adoré, bah je, la voix rauque, je trouve vraiment ce, ce bouquin formidable. Parce que ça te ça te dépeint, ça, ouais Ouais, ouais, t'as vraiment une ambiance dans ce livre-là. Tu prends les pages, euh, es vraiment à la place des mains et euh, c'est vraiment dingue. Vraiment dingue. Et ouais, puis d'ailleurs, moi, je me rends compte que j'ai écrit des tweets euh, justement pour préparer l'émission. Je regardais un petit peu ce que j'avais écrit euh, 2018-2019 et tout et j'ai quand même. Pas mal écrit de la merde sur Twitter. <laughs> donc, euh, je vais nettoyer tout ça parce que c'est vrai que euh, des fois je relis des trucs, je fais ouais, non, mais là c'est complètement à côté de la plaque. Quoi. Je suis parti loin, tu te dis ouais, je suis parti loin. <laughs> ouais, pas forcément loin, mais c'est pas, pas précis, c'est euh, un, euh, un peu de la merde quoi. Donc, euh, donc, voilà. En tout cas, allez sur Radio YouTube si vous voulez en connaître plus. Et ah, puis, oui. euh, puis c'est vraiment excellent. Super boulot, c'est sûr. Bon, et eh ben écoutez, merci ouais. pour cette soirée. Si on veut se revoir, faut se quitter un jour. Ouais, <laughs> voilà, ça. Et puis. Euh... Allez, ciao à tous. Ouais. Ciao. Salut Daniel. Salut Rod. Salut Damien. Merci. à tous et merci encore. Au et moment. on mettra évidemment dans la description de la vidéo il y a le lien donc pour aller sur euh, la chaîne radio YouTube et on mettra le lien également pour le Discord pour que vous puissiez aller le, le rejoindre et en savoir plus. En tout cas, merci beaucoup Daniel. Encore une fois, c'était vraiment passionnant. Hein. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu, Daniel. Ciao. Merci. Salut. Ciao à tous. Bye, bonne soirée.